Hello. Hello guys, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous pour le thème de ce soir. Bonasera Jordan, bonsoir Jordan, Sandy, Sadia, bonsoir. Bonsoir guys, j'espère que vous allez très bien. Comment vous allez? Moi je me porte super bien. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous m'écoutez très bien, si l'audio est audible. Faites-moi savoir si l'audio est audible, si l'image est claire. Comme à chaque début du live, signalez cela s'il vous plaît, si vous m'écoutez très bien. Si je dois mettre les écouteurs ou pas. Laura, bonsoir. Les amis, faites-moi savoir si le Joe est audible, si le son, il n'y a pas de problème de son, il n'y a pas de bruit en fond. Ou faites-moi savoir s'il y a des bruits en fond ou bien l'audio est vraiment très audible, s'il vous plaît. Faites-moi savoir cela. Je peux aussi regarder ça sur mon PC, je pense. C'est propre. Ah, c'est propre, Kier. Bonsoir, Miss. Très belle ce soir. Merci. Ok. Je regarde ça aussi ici. Je vais vérifier s'il y a le son. Le son sort bien. Oui, c'est bon. Ok. Je vérifie aussi sur mon téléphone. Je vérifie aussi sur mon téléphone. Voilà, le son est très bien. On vous reçoit. Ok, super. Voilà, le son est très bien. On vous reçoit. Ok, super. C'est parfait. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Ce soir, si le thème c'est les choses à ne pas faire au début d'une relation, bon, c'est un thème que je comptais aborder, mais forcément pas aujourd'hui. C'est parce que j'ai reçu plusieurs questions par rapport à ça, Nibé, les filles qui m'ont écrit, même certains hommes aussi qui m'ont demandé comment se comporter dans un début de relation. C'est qu'il faut faire quand vous commencez une nouvelle relation, ou bien quand vous êtes au début, c'est-à-dire les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, que faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bonsoir, la femme intelligente, merci. Merci pour tes conseils. Je me suis tellement donné qu'aujourd'hui, je pleure, mon cœur saigne. Courage, courage à toi, ange désiré. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu as fait, sache que tes efforts ne sont pas vains. Tu as été toi-même et ne change surtout pas. Il y a une vidéo par rapport à ça qui va sortir, je pense, demain ou après-demain, mais vendredi, qui parle en fait de comment, en fait, ce qu'il faut faire quand on est dans les relations. Si tu t'es donné dans une relation et que malheureusement celle-ci n'a pas abouti, c'est pas une raison de ne plus te donner dans la prochaine relation. On apprend de chacune de nos relations. Celle-ci n'a pas abouti, ne t'inquiète pas, la prochaine aboutira certainement. Et il faut pas changer, faut pas devenir la personne qui n'est pas expressive parce que tu te dis que si je suis expressive, ça va encore se terminer par un échec. Non. Continue toujours à être la même personne que tu es. Je te suis depuis la France. Force à toi. Merci, Machette. Vous êtes de quelle fille? Le son est bon à moi. Ok, super. Donc, j'étais en train de vous expliquer que c'est un thème. Le thème s'y m'est venu des questions que j'ai reçues en inbox, des personnes qui m'ont posé leurs problématiques sur ils ne savent pas comment se faire, comment se comporter autant pour moi dans un début de relation. C'est vraiment fan du temps. Merci, Arsène Rachid. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, homme, toi, femme, en début de relation? Merci d'abord, s'il vous plaît, à toute la team de faire un maximum de partage. S'il vous plaît, partagez le live au maximum. Essayez de partager dans les groupes, dans les différentes pages. Mettez beaucoup de cœur pour sécuriser notre live. Vous avez vu ma page est restreinte. Je ne sais pas pourquoi vous avez regardé que mes vidéos d'aujourd'hui, les statistiques ne sont pas optimales parce que ma page était restreinte. Je ne sais pas pourquoi les personnes ne signale certaines de mes vidéos, mais s'il vous plaît, mettez beaucoup de likes, beaucoup de cœur, partagez au maximum pour sécuriser notre direct afin que notre page sorte du rouge, elle sorte de la restriction.
S'il vous voilà, merci à tous qui pompent les likes. Partagez aussi au maximum. Partagez, c'est tout ce que je vous demande dans mes lives. De partager dans les groupes, dans les différentes pages, afin de me soutenir. Et ceux qui peuvent, vous pouvez aussi envoyer les étoiles, comme vous voyez là. Vous pouvez envoyer les étoiles. Facebook a permis que cette option puisse apparaître sur ma page. Vous pouvez envoyer les étoiles pour me soutenir davantage. Ça va pouvoir... les étoiles sont en fait de l'argent que vous chargez sur vos comptes. Et puis, pour envoyer, cet argent va permettre aussi de produire plus de contenu. C'est une très bonne problématique que tu évoques ce soir. Oui, évidemment, parce que beaucoup de personnes commencent les relations, mais après, elles sont surprises que ces relations-là n'aboutissent pas quelques mois après. Ça n'aboutit pas parce que vous ne savez pas comment vous comporter quand vous êtes dans un début de relation. Soit vous êtes trop pressé, soit vous êtes aussi trop lent. Il faut trouver le juste milieu. Donc, on va parler de ça ce soir-ci. Faites un maximum de partage, s'il vous plaît. Je peux même contrôler aussi de par mon ordinateur combien de partages ont déjà été effectués. S'il vous plaît, partagez au maximum la vidéo. Nous sommes à combien de partages? Un seul partage, guys. S'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum. Vous pouvez être à un seul partage. Pourtant, nous sommes plus de 150 personnes connectées. Vu que la page est restreinte, ce sont les partages qui vont faire en sorte que Facebook puisse débloquer ma page. Vous avez vu, les publications d'aujourd'hui n'ont pas été optimales parce que ma page est restreinte. Les gens l'ont signalé. Pourtant, je ne fais rien de mauvais. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Bonsoir, qui la femme assistante sociale. Merci, qui. Bonsoir à tout le monde. Assistante sociale avec les enfants. J'ai pas très bien compris ta question, Silam Bemba. C'est quoi ta question, assistante sociale? J'ai pas très bien compris ce que tu voulais parler, Adi. Le thème de ce soir, c'est les choses à faire à un début de relation. Bonsoir, ma chérie Vanée. Tu de la team, tu vous présente. Merci pour ton soutien indéfectible. Quand tu es dans une début de relation, toi homme, toi femme, il y a certains comportements à observer. Il y a certaines choses que tu devrais faire, il y a certaines choses que tu ne devrais pas faire. Il faut déjà que tu saches ça dans ta tête. Tout n'était pas permis. Ça, c'est déjà clair. Quand tu es dans un début de relation, il y a les choses qu'il ne faut pas faire. Nat Lutin, quelle page est restreinte? Else Belous, oui, ma page est restreinte. La page ici, si vous regardez, allez sur ma page, vous allez voir que mes vidéos d'aujourd'hui n'ont pas été vues par beaucoup de personnes parce que la page est restreinte en fait. D'habitude, je fais par jour, je fais parfois les vidéos de 60 000 vues, 90 000 vues en 24 heures. Mais parfois, en une heure, je fais au moins 5 000 vues. Parfois, quand c'est rien, c'est 3 000 vues en une heure. Parce que nous sommes au moins quand même 57 000 personnes. Donc, normalement, en 3 heures, ou même à, disons, en 3 heures, je dois pouvoir faire au moins 5 000 vues. Mais aujourd'hui, là, à peine 1 000 vues par vidéo parce que Facebook a restreint ma page. Donc, s'il vous plaît, partagez au maximum afin de pouvoir sécuriser le lait et afin que Facebook puisse sortir ma page du rouge. Faites sortir ma page du rouge, les amis, s'il vous plaît. Parce qu'on évolue, nous sommes déjà bientôt à 60 000 personnes dans la communauté. Ce n'est pas normal que Facebook restreigne une page qui ne parle que de sensibilisation, qui ne parle que d'éducation, de conseils. Mon Prési, oui, oui, t'es ça. Le Prési, Annelle, elle est là. Donc, les choses à faire dans un début de relation, je bois d'abord mon eau, bien sûr. Mes chéris, homme comme femme, quand vous êtes dans un début de relation, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut être honnête. On ne vous le dira jamais assez. Il faut toujours être honnête dans les relations. Les gens vous disent que non, quand vous êtes en début de relation, il ne faut pas être transparent, il ne faut pas tout dévoiler. Non, quand tu es dans un début de relation, tu dois pouvoir être honnête, tu dois pouvoir être transparent. Parce qu'en fait, l'honnêteté fait en sorte que vous bâtissez déjà dès le début de votre relation une fondation stable et solide. Parce que quand vous commencez une relation, beaucoup de couples parfois après se gâtent. Parce qu'après, on découvre les mensonges, on découvre les choses, les non-dits, beaucoup de choses qui ont été non-dites. Ce sont des trucs qu'il faut éviter. Quand vous êtes dans un début de relation, quand vous commencez une relation, partez d'abord sur la base de l'honnêteté. De l'honnêteté, et toi un homme, tu dois pouvoir dire le vrai travail que tu fais. Tu pars rencontrer une femme, tu veux une relation sérieuse. Je m'adresse ici à ceux qui veulent des relations sérieuses. Je ne m'adresse pas aux personnes qui veulent des relations d'un soir ou bien qui veulent des flirts. Non, ils ne sont pas massifs. Je m'adresse à toute personne qui veut une relation sérieuse dans laquelle elle va pouvoir se solder par un mariage. Donc, toute personne qui veut une relation sérieuse doit pouvoir comprendre que dès le début de la relation, je dois être honnête. Si mon métier dans la vraie vie, je suis servante dans un bar ou serveuse ou dans un bar, je dois pouvoir le dire que non, en fait, moi, mon travail, c'est être serveuse dans un bar. Si peut-être je suis enseignante, je dois pouvoir le dire. Si je suis entrepreneur, je dois pouvoir le dire. Et c'est pareil pour les hommes. Donc, tout ce que je dis, c'est pour les deux sexes. Donc, commencez déjà d'avoir votre relation en partant sur une base qui est claire, l'honnêteté. C'est une valeur, en fait, que beaucoup de personnes perdent malheureusement dans la vie. À cause peut-être de comment est-ce que la société vraiment va, en fait. Parce que beaucoup de personnes,
ils sont en train de perdre cette valeur qu'est l'honnêteté parce que la société, parce que l'entourage, parce que les déceptions du passé. Ce n'est pas parce que tu étais déçu dans le passé que maintenant tu vas vouloir entamer une nouvelle relation en essayant de cacher ta vraie personnalité, en essayant de cacher qui tu es. Le fait que vous commencez votre relation sur la base de l'honnêteté garantit déjà une fondation solide pour la relation. Ça, c'est la première chose qu'il faut observer, qu'il faut pouvoir tenir en compte. Bâtissez votre relation dès le départ sur l'honnêteté. Ça, c'est la première chose à faire quand on veut faire une relation sur... Donc, dès le début des relations, misez sur l'honnêteté. Premier critère. Deuxième chose à faire en début de relation, c'est, il faut pouvoir éviter les engagements précoces. Quand je parle d'engagement précoce, je parle du fait que beaucoup de personnes, quand elles se lancent dans les relations, elles veulent vite s'engager. Surtout les femmes, en fait. Surtout à un certain âge. Tu vois, la femme, son âge passe. À cause du regard de la société, la femme a malheureusement tendance à être trop pressée quand elle commence une relation directement. Elle parle déjà, tu rencontres un homme, vous êtes encore une semaine, deux semaines, vous apprenez à vous connaître un mois. Directement, tu parles déjà de mariage, tu parles déjà de vouloir rencontrer sa famille. Tu veux déjà qu'il te présente à sa mère, qu'il te présente à sa soeur. Non, 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 mes chéris, s'il vous plaît, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Ne vous précipitez plus. Deux mois de relation, tu mets déjà la pression à l'homme que non, je veux voir ta famille. Ou bien tu te plains déjà que elle, je suis avec un gars depuis 3 mois, depuis 5 mois. Il ne m'a pas encore présenté à sa mère. Je ne connais pas sa mère. Est-ce que c'est un homme vraiment qui est sérieux? Ma chérie, il peut être sérieux, mais 5 mois, c'est trop pressé, ma chérie. 5 mois, c'est trop précipité. Pourquoi en 5 mois, tu mets déjà la pression que forcément l'homme doit te présenter à sa famille? Non. Ça, c'est une des problématiques que j'ai reçues sur Messenger. La fille me pose la question que bonjour, elle, c'est tout. Je suis avec un gars, ça fait 5 mois. Le gars, elle m'a jamais présenté à sa maman. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que ça veut dire, je connais seulement ses amis proches? Je lui ai dit, ma chérie, 5 mois, c'est normal qu'il ne te présente pas forcément à sa mère. 5 mois, c'est tôt. Je veux dire, on ne peut pas tirer de conclusions actives vis-à-vis d'un homme parce qu'il a fait 5 mois avec une fille, il n'a pas présenté à sa famille. Non. Le fait qu'il te présente déjà ses amis à son cercle proche, c'est déjà une bonne chose. Ça montre déjà ses bonnes intentions. Mais 5 mois, c'est tôt pour se présenter à sa famille. Je veux dire, c'est tôt pour tirer une conclusion. S'il le fait naturellement, il y a les hommes qui, après 5 mois de relation, ils présentent déjà la fille à leur maman. C'est naturel. Mais je veux dire, si l'homme le fait, d'accord. Mais s'il ne le fait pas, ne lui met pas la pression. 5 mois, c'est trop tôt. C'est ce que les filles font. Après, elles quittent même parfois les vrais hommes. Parce que parfois, les filles comme ça, elles ne supportent pas le fait que l'homme ne l'ait pas présenté. Elles quittent déjà la relation. Elles disent que non, le gars, ce n'est pas sérieux. Moi, je le quitte. Il veut blaguer. Il n'est pas sérieux. Il ne veut pas une relation sérieuse. Pourtant, c'est faux. Pourtant, l'homme la veut, la relation sérieuse. C'est juste que toi, tu es trop pressé. En début de relation, il ne faut pas se presser. Il faut prendre le temps de se connaître, de pouvoir passer du temps ensemble. Ne pas se mettre la pression, en fait, peut-être à cause du poids de la société. Parce qu'on m'a dit qu'une fille à 30 ans n'est pas mariée. Maintenant, toi, une fille de 30 ans, tu tombes sur un homme directement, tu mets la pression. Ah, le gars, si je vois tes parents. Si ne te présente pas à ses parents, tu te fâches, tu commences à bouder dans la maison. Non, ma chérie, non, non, non. Et c'est pareil pour les hommes. Tu as vu qu'une fille, ça fait 5 mois. Tu te plains déjà peut-être que non, elle ne t'a pas présenté à sa maman, à son papa. Non, mais c'est tôt. Il faut éviter les engagements précoces, en fait. Beaucoup de personnes se marient souvent comme ça. Après, on voit où ça va finir. Parce qu'ils se marient pour le regard de la société. On voit beaucoup de mariages comme ça sur Internet ou même dans la vraie vie. Les personnes qui se marient pour le regard, on ne se marie pas pour le regard de la société, non. Non, tu ne dois pas te lancer dans une relation et vouloir faire un engagement précoce parce que tu te dis que non, mes égaux, les gens de ma promotion, c'est-à-dire du même âge que moi, sont déjà mariés, ils ont un enfant, deux enfants. La vie, si on est venu de façon individuelle, on mourra tous individuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a son étoile. Si tes amis sont mariés à 25 ans, à 30 ans, à 28 ans, c'est pas pour autant que toi aussi, toi, tu n'es pas marié, tu vas vouloir te lancer dans une relation, vouloir précipiter les choses. Non. Moi-même, là, mes égaux sont mariés, on a les enfants, 2, 3, 4 enfants. Mais c'est pas moi, je n'ai pas d'enfant, mais c'est pas pour autant que je vais aller faire les enfants parce que toutes les filles de mon âge ont les enfants par-ci. Non! C'est chacun son étoile, c'est chacun ses projets. C'est dans mes projets, l'enfant n'est pas encore en projet, je ne le fais pas. Je ne le fais pas pour la société, non. Je peux bien enfanter, mais c'est pas dans mes projets. J'ai d'autres choses à accomplir avant de prendre en charge l'éducation d'un enfant. Donc, quand vous êtes dans les débuts de relation, si vous pouvez éviter de vouloir trop mettre la pression, faire les engagements précoces, non, c'est pas une bonne chose du tout. Ça va faire en sorte que vous évitez beaucoup de choses. Ça c'est la deuxième chose à observer. Les engagements précoces, s'il vous plaît, ne mettez pas la pression ni à l'homme, ni à la femme. Faites les choses naturellement. Laissez le temps. Si un homme veut te présenter à sa famille, il le fera naturellement. Et toi, la femme, naturellement, quand tu précipites, surtout quand tu mets la pression à un homme, à un moment donné, il ne veut même plus s'investir dans la relation. Parce qu'il se sent oppressé. Il se sent tellement en prison. Tu lui mets trop la pression. Ce sont des trucs qui viennent naturellement. Quand un homme t'aime, il ressent le besoin de te présenter. Tu n'as même pas besoin de lui dire que je veux que tu me présentes à ta mère, mettre la pression. Non. Un homme qui t'aime sait ce qu'il veut et il sait quel est le moment propice, il le ressent, le moment propice pour te présenter à sa famille. Début de relation, il faut aller doucement en fait. La relation, c'est chaque, il y a étape par étape.
Il y a le moment, il y a l'étape du flirt, on apprend à se connaître. Il y a l'étape où on est un peu plus sérieux. Il y a l'étape où il y a maintenant les présentations. Il y a maintenant l'étape où c'est le mariage, c'est tout ce qui va avec les enfants et tout. C'est étape par étape. Tu ne veux pas être à 3 mois ou à 5 mois, tu veux déjà le mariage. Tu sautes les étapes, pourquoi la vie, c'est level par level. On ne saute pas les étapes, c'est doucement, doucement. Ce sont les choses à éviter en début de relation. Troisième chose qu'il faut considérer quand on se lance dans un début de relation, c'est le fait de pouvoir négliger l'indépendance. Quand je parle d'indépendance, je parle du fait quoi? Quand les personnes commencent les débuts de relation, elles s'oublient dans ça. Quand tu commences un début de relation, avant la relation, tu avais une vie, ma chérie. Quand tu commences le début de relation, ta vie doit pouvoir continuer. Mais c'est quoi que tu es en début de relation tout le temps? C'est quand l'homme ne t'appelle pas, tu fais de ça un problème. Tout le temps, tu vas être dans l'homme. Chacun doit pouvoir toujours avoir son côté indépendant. La relation, ça ne sert à rien de pouvoir créer la dépendance en début de relation. Non, c'est pas bien. C'est plutôt néfaste pour vous. Début de relation, tu sais que tu viens de rencontrer, non, vous êtes à 3 mois et tout. En même temps, vous passez du temps ensemble. En même temps, tu dois pouvoir comprendre que l'autre partenaire, que l'autre personne en face de toi a besoin de son espace, a besoin aussi de pouvoir voir ses amis de temps en temps, pouvoir étudier ou pouvoir aller au travail, pouvoir sortir, pouvoir faire sa vie, pouvoir en fait suivre le cours de sa vie naturellement avant, comme avant qu'il ne t'avait connu. Quand il est célibataire, il fait beaucoup de choses, d'accord. Maintenant qu'il se met avec toi, il ne peut plus faire toutes ces choses. Je le concède moi aussi. Mais c'est pas pour autant qu'il va balayer toutes les choses qu'il faisait. Il a sa routine qu'il doit pouvoir aussi respecter. Mais vous commencez un début de relation, toi l'homme, la femme, quand tu l'appelles, elle ne répond pas, tu fais de ça un problème, mais attendez un peu, laisse-lui son espace. Début de relation, ne soyez pas trop, on doit être ensemble matin, midi, soir, non. Parce que quand vous commencez là, on appelle ça feu de paille. Les gens qui commencent les relations, genre, ils sont ensemble H24, quand ils ne sont pas ensemble, c'est les problèmes, on appelle ça feu de paille. Après 6 mois, ça finit toujours, parce que vous avez trop donné au début, après maintenant, vous n'avez plus rien à donner. Vous n'avez plus rien à montrer, vous n'avez plus rien à prouver, c'est fini. Il faut aller doucement, en fait, il faut prendre le temps de pouvoir savourer la relation au début. Au début de relation, vous voulez vous voir tout le temps, être ensemble tout le temps. Non, ce n'est pas une bonne chose. Ça, vous voyez naturellement tout le temps, d'accord. Mais il ne faudrait pas que le fait que vous ne vous voyez pas soit un problème, en fait. Parce que quand ça devient un problème, ça veut dire qu'il y a un souci à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a un souci. Dans le moment où le fait que tu ne vois pas un gars ou bien tu ne vois pas une fille en début de relation, peut-être un jour sur trois, tu ne l'as pas vu, tu fais de ça un problème, ça veut dire que toi-même tu as un problème. Début de relation, vous voyez, mais en même temps tu lui laisses son espace. L'oppression n'est pas bien. La dépendance affective, que ce soit amoureuse ou amicale. J'avais dit ça dans une vidéo où je l'avais donnée dans laquelle je parlais de comment créer le manque là. Quand vous êtes dans une relation, tout ce qui est, la première chose qu'il faut éviter, c'est la dépendance. On ne peut pas dépendre d'une personne, non. Ne dépend jamais d'une personne, amoureusement parlant ou amicalement parlant, non. La personne avec qui tu vis, c'est comme on dit là, c'est un complémentaire. Ton mari, c'est un complémentaire. Ta femme, c'est un complémentaire. Ça veut dire que quoi? Si ta femme part en voyage, tu vas pouvoir vivre, continuer au cours de ta vie. Ta femme, vous êtes à distance, tu vas pouvoir continuer au cours de ta vie. Tu ne peux pas vivre seulement d'esprit pour la personne qui est en face de toi, non. Et c'est pareil au début de relation, prends ton espace. Vous voyez, mais tes activités que tu faisais avant de rencontrer la personne, tu dois pouvoir continuer ces activités. Tu ne dois pas mettre pause parce que tu es en début de relation sur 6 mois. Tu peut-être, tes copines, tu ne les vois plus parce que tu as rencontré un nouveau gars. Tu banques toutes tes copines de côté. Tu dis que non, tu es mon chéri. Tout le temps, tes copines veulent que vous voyez comme souvent. Si peut-être vous avez l'habitude, vous voyez peut-être un samedi sur deux. Vous passez du temps en tant avec les copines, avec les amis ou avec vos potes en tant qu'homme. Maintenant, tes potes t'appellent, il faut qu'on se voit. Tu dis que non, je dois passer le temps à ma chérie. Une fois, deux fois, tout le temps. Sur 6 mois, tu ne vois plus tes amis. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu délaisses ta vie? Parce qu'il faut tout le temps que tu sois avec la fille là. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut éviter ça. Ça crée la dépendance. La dépendance là, c'est une maladie. Dépendance affective. Là, si vous allez à l'hôpital, on vous dit que vous souffrez de la dépendance affective. Et ça, c'est une maladie. Ça se soigne. C'est un peu comme la dépression. C'est psychologique et ça se soigne. Donc, pas que vous tombez dans la dépendance, vous pensez que vous faites bien. Vous ne faites pas bien, vous êtes malade. On doit vous soigner. Chacun doit pouvoir avoir son espace. Autant tu voyais tes copines, autant tu avais le temps pour aller boire un verre avec tes potes. Là. C'est la même chose aussi quand tu es en début de relation. Tu vas pouvoir toujours trouver ce temps pour aller voir tes amis. Ça va, c'est ça qui va créer l'équilibre même dans ta relation, même dans ta vie, psychologiquement parlant, même émotionnellement parlant. Ça crée un équilibre. Quand tu n'es pas seulement tout le temps avec la même personne, matin, midi, soir, tout le temps, tu as le temps de voir tes amis, de voir ta famille. C'est ça qui crée l'équilibre, en fait. C'est tout ça qui constitue l'équilibre d'un être humain. Ça, c'est la chose qu'il faut considérer. Prochaine chose aussi à éviter quand vous êtes dans les débuts de relation, là, s'il vous plaît. Quand vous êtes dans les débuts de relation, là, évitez souvent de trop mettre votre passé en avant. Et ça, je m'adresse beaucoup aux filles. Elles sont toujours en train de pleurer dans les débuts de relation. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mes chéries. Ne faites plus jamais l'erreur, là. Ne pleurez pas au début de relation. C'est-à-dire, quand tu rencontres un nouveau gars en début de relation, tu commences à lui dire que, ouais, mon ex, c'était un menteur, c'était un infidèle, c'était un trompeur, c'était un voleur. Tu commences à faire ta salie, ton ex, et tout qu'il faut éviter.
Éviter de salir, de ramener son passé tout le temps à ton nouveau chéri. Tu lui racontes ça pourquoi, en fait? Tu es dans une nouvelle relation. Quel est ton intérêt à vouloir pleurer que non, tu as eu un passé tellement douloureux, tu sors d'une relation, ton ex t'a fait si ton ex... Ne faites pas ça, parce que quand vous dites même ça aux hommes, ça ne leur dit rien, absolument rien. Le fait que tu viens parler mal de ton ex là, ça ne lui dit rien. Au contraire, tu es en train de marquer les points négativement, parce que l'homme va se dire que... Mais si la femme s'est capable de salir son ex... Quand elle n'est plus avec lui, ça veut dire que si demain on n'est plus ensemble, demain elle va aussi aller me salir à son prochain gars, à son futur prétendant, c'est ça. Au contraire, tu marques les points négativement, ma chérie. Donc il faut éviter ça. Éviter de pouvoir entrer dans une nouvelle relation, comme les filles sont souvent. Quand elles sont trop dans l'euphorie, là. Tu vois, une fille, elle est dans l'euphorie, début de relation. Le nouveau gars la met en confiance. Elle se sent tellement en confiance que tout ce qu'elle a eu à vivre dans sa relation précédente, surtout quand c'est les trucs négatifs. Parce que quand c'est les trucs bien, elle ne parle pas. Mais les trucs négatifs, elle va porter tout ça à venir raconter au nouveau gars. Tu fais ça pourquoi, ma chérie? Tu ne marques pas de points en faisant ça. Donc, si tu faisais ça, arrête ça. Ton passé, c'est ton passé. Je ne veux pas comprendre que tu balais ou bien tu fais un débriefing sur peut-être ta relation précédente. Mais une fois, ce n'est pas que tout le temps, tu pleurais, tu vois, tu te passais pour la victime à chaque fois. Ton nouveau gars est parfois même fatigué. Début de relation, tu le saoules avec ton ex était un bandit, ton ex avait fait ça, ton ex avait fait... Non, ça vaut pour les deux sens, pour les hommes aussi. Tu viens de rencontrer une fille, c'est quoi que tu lui parles de ton ex? Comme mon ex ne préparait pas pour moi, elle ne lavait même pas mes habits, elle ne savait pas faire l'amour, mon ex ne faisait pas... Tout ça, ce n'est pas bien en début de relation, c'est un truc qu'il faut éviter absolument. Parce que vous ne marquez pas de points, au contraire, vous abîmez votre nouvelle relation quand vous faites ça. Parce que la fille, moi, tu es un homme, tu me rencontres là. On est ensemble, on apprend à ce qu'on est début de relation, les trois premiers mois, tu passes ton temps à salir ton ex chez moi. Mais mon gars, il va te bloquer. Je vais te bloquer parce que ce que tu fais sur moi là, je sais que demain tu vas aussi faire ça quand on sera plus ensemble. Parce que le fait que tu viens salir ton ex chez moi, là, psychologiquement, il me dit que ah, le gars, il savait que si demain on n'est pas ensemble, il va aller commencer aussi à me salir à sa future go. Donc, c'est comme ça. Et, ok, dans ce cas, je bloque même tout. Ça ne se fait pas. C'est même par respect, en fait, pour toi et par respect pour ta nouvelle relation. Venir avec le passé, là, ça. Je dis, ça, vous qui le faites, là, vous faites ça pourquoi, en fait? Qu'est-ce que vous gagnez à venir apporter votre passé, à venir mettre dans le présent? Le présent, c'est un moment actuel qui se savoure à l'instant T. Vous pouvez comprendre que, comme j'ai dit au début, là, tu peux faire un débriefing, mais ne faites pas une fixation que tout le temps, mon ex, tout le temps, mon ex. Non. Moi, tu viens et moi, tu me parles tout à ton ex, je vais te bloquer. Elle dit qu'il va retrouver ton ex là, ou bien il va avoir une autre fille qui sera capable de supporter tout ce que tu dis là. Il faut arrêter ça, de parler tout le temps de son passé. Une autre chose qu'il faut éviter en début de relation, une chose à ne pas faire en début de relation, c'est de pouvoir comparer sa relation passée à sa relation actuelle. Tout le monde fait les comparaisons dans sa tête, même les hommes. Il ne faut pas qu'on se mente, l'être humain est comme ça. Il faut qu'on se dise les vérités. Toute personne, quand tu es dans une nouvelle relation, là, à certains points, tu as tendance à comparer le gars avec qui tu es par rapport à ton ex. Psychologiquement, et tu peux le faire naturellement et tu ne parles pas, ça se fait, ça se comprendrait. Mais le faire et le dire ouvertement à la personne avec qui tu es maintenant, ça, c'est un manque de respect total. Ne pardonne jamais ça. Un homme qui fait ça, une femme qui fait ça, tu lui dis, oh, ah, pause, ne compare plus jamais ton passé à ton présent. Tu lui dis ça directement. Parce qu'une personne qui se respecte, pour faire la comparaison, tout le monde, même vous qui me regardez, mettez en commentaire, vous savez que ce que je dis est vrai. On sait que tout le monde fait les comparaisons. Quand tu mènes une nouvelle relation, tu dis, ah, psychologiquement, tu penses à la tête que j'étais avec un gars là, il me faisait même les cadeaux, celui-ci là, il est un peu chiche. Mais tu vas même dire que peut-être mon nouveau gars, même quand tu es copine, tu peux faire les comparaisons, mais quand tu racontes l'histoire à tes copines, à tes soeurs, que mon gars là, il n'est pas attentionné. Entre temps, Paul là, il était plus attentionné. Maintenant, je suis avec Jean. Jean n'est pas attentionné. Tu peux faire ces comparaisons là. Que peut-être Jean faisait bien l'amour, celui-ci, la poule ne fait pas bien l'amour. Tu peux faire ça dans ta tête ou tu peux même parler de ça à tes soeurs, à tes amis, d'accord, te le conseille. Mais ne fais jamais l'erreur de dire ça à la personne concernée. Jamais. Tu fais ça en début de relation, ma chérie. Il faut savoir que votre relation va aller nulle part. Le gars là va rester avec toi, non, mais il sait déjà dans sa tête qu'il ne va jamais t'épouser. Il ne va jamais viser loin. Il ne va jamais se voir dans le futur avec toi. Même là, dans la tête de la fille, c'est pareil. Un homme qui fait ça, la fille là ne va jamais vouloir t'épouser. Vous voyez souvent sur le net les demandes de mariage que les filles refusent. Vous pensez que les filles qui savent ce qu'elles veulent acceptent n'importe quelle demande. Elles n'acceptent pas. Elles n'acceptent pas qu'elles connaissent le comportement du gars. Elles n'acceptent pas. Elles ne peuvent pas accepter. Même si c'est moi, je ne peux pas accepter. C'est quoi que tu as avec les hommes aussi aiment souvent faire ça. Quand tu es avec ta nouvelle chérie, tu commences à dire que ah, j'étais mon ex là, il dit ça carrément à sa nouvelle chérie, que mon ex faisait même mieux l'amour que toi. Mais ça vous prend souvent par où? C'est-à-dire que ça vous prend souvent par où quand vous faites ça en début de relation? Vous faites ça pourquoi? Vous comparez le passé au présent. Tu me dis ça, il va te dire que retourne dans ton passé. Peu importe sur quel point tu compares ton passé à ton présent, il va te dire retourne là-bas dans le passé. Soit tu décides d'avancer dans la vie, soit tu restes dans le passé. Tu vas avancer en même temps, tu compares toujours ton présent à ton passé. C'est quoi le projet? Tu stagnes mieux. Un pas en avant, un pas en arrière, ça veut dire que tu es sur place.
plus 1 moins 1, tu as 0. À chaque fois que tu as fait plus 1 moins 1, tu seras toujours à 0. Mais quand tu décides de faire les plus 1, il faudrait plus que tu fasses les moins 1 derrière. Non, tu fais plus 1, tu avances, tu fais les pas en avant. C'est tout ce qu'il faut éviter en début de relation. Évitez de porter votre passé pour amener ça dans le présent. Que le passé reste dans le passé et que le présent continue. Faites les comparaisons là, mais ne dites jamais ça à la personne. Ça, c'est un manque de respect total. Je dis total, il faut arrêter. Il faut éviter ça absolument. Absolument à éviter. Ça, c'est un fait. Comparaison, présent, passé, ne faites jamais l'erreur là. Homme comme femme, je dis toujours, homme comme femme. Prochaine chose. À faire en début de relation. Ou ne pas faire, enfin, je veux dire, à faire en début de relation. Il faut être transparent sur les enfants que vous avez. Ah oui. Malheureusement, la société de nos jours, les hommes ont trop tendance à cacher le nombre d'enfants. Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Vous avez honte de vos enfants. Je veux comprendre. Parce que je ne peux pas comprendre que tu entres dans une nouvelle relation, tu as un enfant que tu as eu d'une précédente relation. Mais tu es dans ta nouvelle relation, la femme te demande, tu as un enfant. Tu dis non. Pourtant, tu as un enfant. Vous pensez qu'une relation comme ça, si tu es capable un homme de cacher ton enfant, tu penses que la femme la demande, votre relation va aboutir. Je suis désolée, elle ne peut pas aboutir loin. Elle va finir par se gâter. Parce que si tu es capable de cacher ton enfant à la femme que tu prétends aimer, ça veut dire que tu es capable de lui cacher pire que ça. Tu es capable de lui cacher pire que ça. Mais je veux dire, quand tu as un enfant, ça devait être une joie pour toi. C'est pour ça qu'on ne fait pas les enfants pour faire. On fait l'enfant quand on ressent le besoin. On ne fait pas les enfants par rapport à la société. Tu fais l'enfant quand tu ressens le besoin de pouvoir éduquer ton enfant. Et quand tu es capable, tu te sens prête psychologiquement, financièrement, émotionnellement, sur tous les plans à pouvoir prendre en charge un enfant. On ne fait pas l'enfant pour faire. Donc je ne vois pas pourquoi. Est-ce que si tu étais fière de ton enfant, tu cacherais ton enfant? Tu accouches de ton enfant, tu supportes 9 mois. Tu pousses ça, tu supportes toute la douleur de la grossesse. Maintenant, tu n'es plus le père de l'enfant. Il n'y a pas de souci, c'est la vie, ça arrive. Maintenant, tu te mets dans une nouvelle relation. L'homme en face te demande si tu es un enfant. Tu dis non, ma chérie, ça ne te prend pas où? Ça ne te prend pas où de pouvoir dire non? Et maintenant, demain, quand il découvre ça, maintenant, il veut partir. Tu dis que non, l'homme ne devrait pas partir, que tu ne comprends pas pourquoi, parce que tu lui as caché un enfant, il veut partir, ou bien il ne veut plus t'épouser. Il est dans son droit, tu lui as caché un truc qui est important. Cacher un enfant, c'est grave. Elle dit que c'est grave ceux qui le font là. Vous cachez l'enfant pourquoi? En fait, vous n'êtes pas fier de vos enfants. Je veux comprendre. Vous n'êtes pas fier pourquoi? C'est un enfant que vous avez désiré. Et après, quand les relations se gâtent, parce que c'est un fait que beaucoup de personnes font en début de relation, cacher les naissances. Les naissances là, quand vous cachez, ça finit toujours par sortir. Et quand ça sort, tous les foyers se gâtent. Les relations se brisent. Parce que l'autre en face ne peut pas supporter ça. Parce que tu te dis, même si c'est moi, il va dire que bon, si l'homme s'est été capable de me cacher le fait qu'il avait un enfant, ça veut dire que demain il peut me cacher bien plus que ça. Et qu'est-ce qui me dit que c'est même son seul enfant? Peut-être qu'il a même deux, trois d'autres enfants comme ça dehors. Je vais commencer à... Je vais vivre dans la relation maintenant avec le doute. Je n'aurai plus totalement confiance en lui. Tout ce qu'il va me dire, je vais maintenant mettre le point d'interrogation. Je vais toujours repasser ça en boucle en forme de questionnement dans ma tête. Mais est-ce que c'est vraiment qu'il a un seul enfant? Est-ce qu'il n'a pas d'autres enfants? Qu'est-ce qu'il me cache encore? S'il me dit qu'il est ingénieur, est-ce qu'il est vraiment ingénieur? Est-ce que je vais commencer à mettre les points d'interrogation partout? Je vais d'abord bloquer les gens qui sont irrespectueux sur les commentaires, cela. Pousse bien. Ben dit quoi? Pourquoi tu gardes la barbe? Toi d'abord, je te bannis. J'ai expliqué ça hier. Si vous ne comprenez pas vraiment, c'est être stupide. Celui-là, on a besoin des personnes réfléchies. Les personnes irréfléchies là, on n'a pas besoin de vous. On a dit qu'ici là, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Pour vous, quand une femme a la barbe, là, vous trouvez ça bizarre. Vous n'êtes pas mature. Ou bien vous n'avez pas encore vu une femme qui a la barbe. Ça, c'est même pas encore long. Et préparez-vous. Je vous ai dit que j'ai rendez-vous chez les esthéticiens le 1er mars. Avant le repousse, ça fait une semaine que j'ai épilé. Voilà, une semaine de repousse. Une semaine de repousse. D'ici un mois, c'est dans un mois que je vais aller chez les esthéticiennes. Quand ça va sortir, vraiment, quand vous allez voir ça, tenter de. Je veux dire, ceux qui vont parler, c'est pour vous. Je ne vous gère pas. Et la barbe, s'il vous plaît, les femmes, si vous avez les barbes, là, ne vous laissez pas influencer par les hommes pareils. Et pas les personnes, même les femmes qui vont vous dire que non, tu as la barbe et tout et tout. Non. La barbe, c'est ta personnalité, c'est toi en fait. Si tu as la barbe, tu laisses. On n'épile pas la barbe avec le rasoir comme les hommes font. Non, pour la barbe, la femme, ça ne se passe pas comme ça. Les hommes même qui commencent sont les gens qui ne savent rien, qui sont dépourvus d'intelligence, dépourvus de connaissances. Un homme qui connaît comment est-ce qu'on entretient la barbe d'une femme ne mettrait jamais un commentaire pareil. La barbe de la femme, là, mes chéris, s'il vous plaît, si vous avez la barbe, là, ne prenez pas la tondeuse ou bien le rasoir big pour raser comme ça. Ne faites jamais l'erreur parce qu'on vous a dit que vous avez la barbe, tu vas rentrer, tu dois prendre le rasoir. Non, ne fais pas jamais ça. Tu as l'habitude de t'épiler chez l'esthéticien, tu continues ce rythme-là. Peu importe si les gens voient la barbe, sont les enfants en fait. Un homme mature, quand il te voit, il voit une femme à la barbe, pour lui, ça lui plaît même. Je veux dire, c'est séduisant. Mais les personnes immatures comme ça, vous mettez encore les commentaires pareil, je vous bannis.
Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire, bien sûr. Mais si vous posez des questions concernant Romaric. Romaric, bonne continuation, madame. Merci pour votre réussite. Ah, envoyez 500 étoiles. Oh, Romaric, merci pour les étoiles à envoyer. C'est très gentil. Merci à Romaric qui vient d'envoyer les étoiles. Vous pouvez soutenir aussi ma page en envoyant les étoiles comme Romaric vient de le faire. Merci, c'est très gentil. Envoyez les étoiles pour soutenir ma page. Ça, c'est le premier donateur. Je suis vraiment très contente pour cela. Permettez-moi, non, il faut négliger cela. Non, parfois il faut recadrer. Avant de revenir sur mon thème, parfois il faut recadrer. Les personnes comme ça, là, si je ne leur dis pas la vérité, ils vont continuer toujours dans leur bassesse là. Il faut parfois recadrer les choses. Quand parfois les gens déraillent dans la vie là, ne les laisse pas continuer à dérailler. Avant de les laisser, même, il faut d'abord que tu leur dises la vérité. Tu leur dis 2 mois, après tu les laisses continuer dans la bêtise, dans la bassesse là. Parfois que les gens sachent ça. La Barbie voit une femme, la Barbie, vous n'avez pas encore vu. C'est parce que depuis, peut-être, je suis sur Facebook, ça fait seulement 2 mois. Peut-être c'est pour ça. De temps en temps, je pars chez les siens fréquemment. Et puis, le prochain rendez-vous, c'est le 1er mars. Avant que ça, vous allez toujours me voir avec. Et ce sera même plus long que ça. Ce sera plus long comme ça. Après, ce que les gens disent, moi, je m'en fous. Hein. Si bébé, même comme ça, est-ce que je vais m'inquiéter encore? Et des personnes qui ne t'aident même en rien. Moi aussi, j'en ai, j'en suis fière. Voilà, belle vie. Tu dois être fière de toi. La barbe, là, même, c'est la preuve de sagesse. Vous ne savez pas ça. Hein. Les femmes qui ont la barbe, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que ce sont des femmes très sages. Très, très sages. Même ma grand-mère me disait ça. Les femmes qui ont la barbe là. Parce que chez nous, les femmes, souvent, mes soeurs aussi, une de mes soeurs a ça. Ma maman aussi, même ma grand-mère avait ça. C'est signe de sagesse. Les gens me demandent comment tu fais à ton jeune âge pour être si sage. Ça vient aussi de ma barbe. Vous ne savez pas ça. Je vous informe. Vous êtes très belle, vraiment. Merci. Les hommes matures connaissent en fait, connaissent ça. Donc les femmes là, s'il vous plaît, soyez fiers de votre barbe. N'allez pas prendre le rasoir, la bique ou la tondeuse parce qu'une personne lambda, un inconnu qui ne vous paye même pas le loyer, qui ne vous nourrit même pas, qui sont personne dans votre vie, va mettre un commentaire par où, va vous dire en live ou bien en face ou bien, je dis de vive voix ou bien par message que vous avez la barbe, allez vous épiler, vous aussi vous allez prendre. Ne faites jamais l'erreur là. La barbe de la femme ne s'entretient pas comme celle des hommes. Faites pas l'erreur là. Vous-même, vous savez qu'en matière d'entretien, il n'y a pas 2 personnes sur les réseaux ici là qui parlent d'entretien, qui s'entretiennent. Donc la barbe, le fait que j'ai la barbe, ça ne veut rien dire du tout en ce qui concerne l'entretien. C'est une barbe très entretenue. Faites très attention. Vous voyez ma barbe comme ça là, c'est super entretenu, même que vous, que votre visage, même ceux qui n'ont pas la barbe là. C'est super entretenu. C'est plus entretenu que votre visage. Vous ne savez pas ça. Attendez voir. Le volume est bon, c'est de ça qu'il s'agit. Évidemment, il faut regarder cette tête vide là. Les gens qui mettent les commentaires, là, moi je bannis une fois les commentaires déplacés. Ils sont bannis parce qu'on cherche la qualité. C'est là quand on s'en fout. C'est des femmes très fortes et combattantes, tout à fait justement. Les vrais hommes savent ça, que les femmes qui ont la barbe là, c'est pas les n'importe qui. Même les, je vous ai dit dans mon live hier que je suis une personne forte de caractère. Je suis une personne qui est très battante, qui est dure. Et c'est ça. Les femmes qui ont la barbe, vous savez, ce sont les femmes autoritaires, ce sont les femmes dures de caractère. Ce sont pas les femmes qui... Ce sont les femmes qui ont une confiance, mais énorme en eux. Et c'est vrai. Moi, je suis une personne tellement confiante que je ne vois pas ce qu'une personne lambda, surtout dans le virtuel, va me dire qui va me déstabiliser. Toi qui, derrière ton téléphone, tu vas me dire quoi qui va me déstabiliser. Tu n'es pas encore né, frère. Tu n'es pas encore né. La personne qui va se placer, me déstabiliser, n'est pas encore né. La confiance que j'ai en moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une personne qui peut même faire que ça vacille un peu comme ça, jamais. C'est pour ça que j'exhorte les femmes à avoir confiance en eux comme ça, pareil. Peu importe comment ton visage est, peu importe le complexe que tu as, même si tu as le gros ventre, même si tu es grasse, comment tu dois avoir confiance en toi, que personne ne se place devant toi pour te dire 2 mots. La personne qui essaie de pouvoir te réprimander sur un complexe qui est sur ton corps, tu le bannis, tu lui dis 2 mots. Et que tu lui dis 2 mots, quand la personne va même penser au mot que tu lui as dit, il ne va jamais, il ne va plus dormir. Même quand il va voir quelqu'un dans la rue, là, il va apprécier la personne. Il ne va plus oser jamais venir critiquer le physique d'une personne. Jamais de la vie. Ne tolérez jamais ça. Ayez confiance en vous. Rien, peu importe ce qu'on dit sur toi. Ça ne doit même pas te faire... Ça doit seulement entrer et sortir. Là-bas. Donc, tu ne dois même pas bouger un peu là. C'est ça. Et je dis ça à toutes les femmes. Sont-elles autoritaires? Les femmes qui ont souvent ça sont souvent autoritaires. C'est ce qu'on dit. Jordan Kamga, non, c'est pas que je mets le cœur, je mets pas le cœur, c'est juste que c'est important de recadrer les choses, les gens dans la vie, c'est important. Je mets pas le cœur, qu'ils me servent à quoi? Les personnes tête vide vont me servir à quoi? Ils me servent absolument rien. Je suis en train de dire merci à vous, Marie, pour les étoiles envoyées. Merci aussi de pouvoir à toute la team envoyer les étoiles pour soutenir ma page, s'il vous plaît. Tu nous parles des parfums, quand je vais vous reparler des parfums, enfin, je vais dire quelle est ta question en ce qui concerne les parfums. J'ai déjà fait des vidéos sur les parfums jusqu'à... Je ne sais pas ce que tu veux savoir précisément sur les parfums. Donc, je vous ai expliqué les différentes senteurs, les différents parfums. Je ne sais pas, si tu as une question précise sur les parfums, là, tu peux la poser. Mais sinon, j'ai déjà fait tellement de vidéos sur les parfums. Je regarde le nombre de partages aussi que vous avez déjà fait la team. J'espère que vous jouez un rôle aussi de votre côté là-bas. C'est important.
Partagez le live, s'il vous plaît. Voilà. J'étais, je reviens donc à me dire, j'étais en train d'expliquer donc les choses à ne pas faire, pardon, pendant le début d'une relation, donc pendant les 6 premiers mois, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Prochaine chose qu'il ne faut pas faire quand vous êtes dans une début de relation, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, comme j'ai dit, mon discours s'adresse toujours aux deux sexes. Je suis toujours impartial. Ce n'est pas seulement la gente féminine ou la gente masculine. Ce sont les deux gentes qui sont concernées. La prochaine chose qu'il ne faut pas faire quand vous êtes dans un début de relation, s'il vous plaît, c'est d'avoir l'esprit critique. Ne faites jamais cette erreur-là. Est-ce que beaucoup de personnes. Il y a une fille qui m'a écrit sur WhatsApp. J'aime encore son truc sur mon. Je pense que c'est ici, là. Sauf que c'est un audio. Si je fais jouer son audio ici, on va reconnaître sa voix. Non, je pense pas. Ou je ne devrais pas. Je n'ai pas demandé sa permission. Bon, je vais avoir demandé sa permission. Dans le prochain live, je vais faire jouer son audio. Elle est en train de m'expliquer dans son audio que elle était dans une relation. Le gars passait tout son temps à la critiquer. La critiquer parce que le gars en question avec qui elle était, l'homme en question, passait son temps en fait à voir son ex à travers elle. Je m'explique. Elle était dans sa relation. Et parce que qu'est-ce que le gars, l'homme en question passait son temps à faire? Comme l'ex de l'homme, avec les formes, avec un peu une poitrine et tout. Tout ce qui passait son temps à dire à la fille en question qui m'a écrit, c'était que, mais tu es trop mince, pourquoi tu ne manges pas? Il faut manger, il faut faire les squats pour rebondir tes fesses. Ça, c'est un esprit critique. Ce sont des choses qu'il faut éviter en début de relation. Toi, un homme, toi, tu es toi, une femme, tu es dans un début de relation. Tu te rends compte que tu avais une personne qui est dans un esprit critique. Il faut quitter cette relation. Il faut quitter. Et les personnes qui le font, s'il vous plaît, il faut arrêter de faire ça. Parce qu'il y a des biens, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des personnes qui, quand elles se mettent dans une nouvelle relation, peut-être la fille avec qui elles se mettent, la nouvelle fille là, c'est pas leur ex, c'était leur idéal, c'était le genre de personne qu'ils idéalisaient physiquement parlant. Ce qui fait que quand elles se mettent dans une nouvelle relation, ils ont tendance psychologiquement à comparer leur ex à la nouvelle fille. Et ils le font à travers le physique. Donc ils voudraient en fait que la nouvelle fille en question, ce soit l'identique de son ex, surtout physiquement. Il va te dire que non, peut-être son ex était peut-être skinny. Il aime peut-être les skinny, mais il vient te voir toi, Poutou. Toi qui as Poutou. Maintenant, il va te complexer tout le temps, mais il faut faire le sport. Et pourquoi tu es trop grasse comme ça? Il faut un peu essayer de maigrir. C'est pas que. Il veut vraiment que tu maigrisses. C'est parce qu'il a l'image de son ex en tête, en fait. Il veut voir son ex à travers toi. Et les personnes comme ça, il faut éviter. Et les personnes qui passent le temps à faire cela, il faut arrêter de faire ça. Ce n'est pas respectueux, c'est même pas poli, ça ne se fait même pas. Et les personnes comme ça, malheureusement, toi, un homme, comment est-ce que toi, tu peux vouloir voir ton ex à travers une nouvelle fille? Chaque personne est unique, chaque femme est unique. Donc, vous êtes là dans les débuts de relation, tu passes ton temps à avoir l'esprit critique. Tu critiques ici, peut-être ton ex avait l'habitude de mettre le vernis sur les ongles de couleur, ou tu vois la nouvelle fille, elle a le vernis noir, tu dis que non, le noir ne lui va pas. Pourtant, en réalité, le noir lui va. Sauf que tu veux tellement je veux dire, avoir les mêmes choses que tu avais dans ta précédente relation, dans la nouvelle relation. Tu veux pouvoir voir. T'es ton ex à travers la fille, comparé toujours, tout le temps. Peut-être ton ex a l'habitude de porter les robes. En tant que tu es en face de toi une fille qui aime porter les tailleurs. Moi, par exemple, je n'aime pas porter trop les robes. Bon, hormis les robes africaines, les kabas. Les robes mondaines, les robes, c'est pas, les robes de sortie et tout là, je n'aime pas trop. C'est pas trop mon dada. Moi, j'aime plus mes pantalons. Ce qui fait que toi, tu étais avec une fille, par exemple, qui portait beaucoup de robes, les robes un peu où on voit les seins, où on voit toutes tes cuisses dehors, on voit tes fesses et tout là. Toi, tu étais avec une fille pareille. Toi, tu me vois, je suis toujours en mode tailleur, je suis toujours en chemise cintrée. Toi, tu me demandes que, mais pourquoi tu ne portes pas les robes? Il faut porter les robes. Moi, je préfère plus que tu t'habilles en robe. Quand tu m'as connue, j'étais déjà comme tu me vois là, j'étais déjà en tailleur, j'étais toujours en chemise. Maintenant, tu me dis que tu veux me voir en robe. Tout ça parce que ton ex a eu l'habitude de porter ces robes là. Donc, tu veux pouvoir en fait que je vive la vie de ton ex. Tu pourras revivre la vie que tu as eu avec ton ex à travers moi, mon frère. Ça ne se passe pas comme ça. Et les personnes qui ne toléraient pas ça. Et tu es avec une personne qui fait ça. Tu quittes la relation vite. Parce que si vous avancez comme ça, là, demain, même si vous vous mariez, tu vas vivre un calvaire dans ta relation. Et je peux te garantir, ce sera un calvaire, mais total. Parce que la personne va passer tout son temps à pouvoir toujours te comparer à son ex. Tout le temps pouvoir te comparer. Tout le temps pouvoir critiquer tout. Parce que la personne ne vit pas la réalité. La personne ne t'accepte pas telle que tu es. La personne, en fait, t'accepte, mais essaie de voir une autre personne à travers toi. Ne tolérez pas ça en début de relation, non. Non, les signes comme ça, là, vous partez. Dès que vous voyez ça, vous fuyez seulement la personne en question. Vous fuyez. Parce que ce sont les personnes qui sont toxiques. Ce sont les personnes qu'il faut bannir de sa vie. De pareilles personnes.
Ça, c'est une chose vraiment qu'il faut éviter quand vous êtes en début de relation. Pouvoir faire les comparaisons, même psychologiques, pouvoir avoir l'esprit critique, il faut éviter ça. Une autre chose aussi à éviter en début de relation, chose à ne pas faire quand vous êtes dans un début de relation, c'est de pouvoir tenir, enfin, faire des promesses et ne pas les tenir. C'est très, très dangereux. Les personnes ne le savent pas, mais c'est l'une des causes de séparation de beaucoup de couples. Les promesses qui sont très souvent non tenues. En début de relation, tout est rose, tout est propre, tout est beau, tout est doux. Mais toi, tu te permets tout le temps de faire des promesses. Mais en même temps, des promesses que tu ne vas pas tenir. Ne les fais plus parce que c'est très dangereux. Chaque être humain a sa morphologie. Pourquoi critiquer? Malheureusement, justement, on ne devrait pas critiquer, mais beaucoup de personnes le font, Arnaud. C'est ça, en fait, le comble, en fait. Homme comme femme, hein. Je dis, c'est pas seulement les hommes qui critiquent, même les femmes. Tu vois, une femme là, elle était avec son ex, peut-être qu'elle avait l'habitude de s'habiller toujours en super sang. Elle se met dans une relation avec un gars qui a l'habitude de s'habiller en jogging. Elle veut tellement vous revoir. Son ex s'habillait tellement bien, elle a idéalisé son ex que quand elle se met avec le nouveau gars, elle essaye pas de comprendre son nouveau gars dans son style vestimentaire, mais elle essaie de pouvoir changer complètement le style de son nouveau chéri, de son nouveau partenaire, pouvoir tout changer, pouvoir tout balayer d'un revers de la main parce qu'elle voit vivre. Pouvoir en fait voir à travers le gars son ex en fait tu vois c'est ça en fait que les filles les femmes aussi font souvent les seules choses qu'il ne faut pas faire homme comme femme vous ne devez pas faire ça ne faites plus ça pour les personnes qui le faisaient ne faites plus ça ça ne se fait pas que ce soit en début de relation même sur le long terme bon sur le long terme ça se fait plus parce que quand la relation est déjà assez stable je veux dire tu acceptes la personne telle que tu es savais que tu as épousé la personne à ses qualités ses défauts c'est pour ça que ça ce live si c'est pour les débuts de relation c'est-à-dire de 0 à 6 mois à 0 à 6 mois sont les choses qu'il ne faut pas faire. Parce que je suppose qu'à plus de 6 mois, votre relation est déjà quand même, la base, la fondation est quand même déjà stable. C'est-à-dire que tu acceptes la personne telle qu'elle est. Si elle a pour tout, tu l'acceptes telle qu'elle est comme ça. Donc, parce qu'après, il y a plus de 6 mois, là, on entre dans une relation stable et sérieuse. J'étais disant donc, les personnes qui sont en début de relation, qui passent le temps à promettre des trucs qui ne vont pas réaliser, là, il faut arrêter ça. Toi, un homme, tu es en début de relation, tu rencontres une fille. Ça ne sert à rien que tu lui berces d'illusions, que tu lui fais comprendre que non, je t'aime bien, j'ai envie de t'épouser. Tu lui dis ça en début de relation. Pourtant, tu sais que tu n'es pas prêt même de te marier. Tu dis que je vais t'épouser d'ici 3 mois. Tu commences à faire tellement, tu es dans l'euphorie que tu fais des promesses. Sauf que vous oubliez que les promesses, quand on fait une promesse là, ça reste, excusez, ça reste psychologiquement gravé dans le cerveau. Vous ne savez pas ça, hein. Les promesses restent dans le cerveau de tout être humain. Même quand c'est ton papa, même quand on était petit, même quand on est mature, même quand ton chéri te dit, bébé, le mois prochain, je vais t'offrir peut-être une paire de chaussures. Le mois prochain, moi là, peut-être 30 jours, tous les jours, tu espères retrouver la chaussure là. Quand tu ne reçois pas la chaussure là, ton cerveau te rappelle la promesse là, naturellement. C'est tout le monde, c'est pareil en fait, c'est inné chez tout le monde. Les promesses comme ça, quand on te dit, ça reste dans ton cerveau. Même si tu es quelqu'un qui a une mémoire volatile, une mémoire qui est vraiment ROM, comme on dit dans le jargon informatique, quand tu as une mémoire volatile là, c'est toujours comme ça, genre. Tout ce qu'on te dit, tu as tendance même à oublier d'autres choses. Mais quand ce sont les promesses, ça reste dans ton cerveau. Et vous allez voir donc des personnes qui sont en début de relation, qui se permettent de faire des promesses. Je vais te présenter à ma maman ici. Ou bien si son anniversaire, c'est peut-être le mois qui suit pour ton anniversaire. Parce qu'il est dans l'euphorie. Il promet des choses qu'il ne va pas réaliser. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites plus ça. Parce que ça crée des problèmes par la suite. Quand vous savez que vous n'allez pas pouvoir tenir une promesse, ça c'est même valable, même quand vous êtes dans les relations déjà stables. Ne faites pas des promesses que vous n'êtes pas prêt de tenir. Parce que ça crée beaucoup de problèmes. Même quand la femme te dit, toi, à l'homme, que bébé, le mois prochain, je vais t'acheter peut-être un nouvel ensemble, un nouveau costume. Le mois qu'elle ne t'achète pas ça, ou bien le mois qui suit, elle ne respecte pas sa promesse. Tu peux dire que bon, tu passes dessus, mais tu as un pincement au cœur. Tu as un petit hic, bon, elle m'a promis ça, elle ne fait pas ça. Tu as un pincement au cœur. Donc, il faut éviter de faire les promesses, surtout les hommes, parce que vous êtes trop champion pour ça. Vous bercez trop les filles d'illusion. C'est pour ça qu'on appelle les Ivoiriens appellent ça souvent les VI, c'est-à-dire vendeurs d'illusion. Quand il débute de relation, il te berce d'illusion. Je vais t'offrir ici, je vais te présenter à telle personne, je vais te marier au bout de 3 mois. Ne t'inquiète pas, d'ici 3 mois, je vais te présenter à ma maman. Pourtant, il sait que dans 3 mois, il va te présenter à personne. Pourquoi vous faites ça? Quand vous savez dans votre fort intérieur que vous n'allez pas respecter cette promesse, s'il vous plaît, ne le faites pas. S'il vous plaît, ne le faites pas. Les promesses non tenues là, ce n'est pas bien pour les débuts de relation. Ce n'est pas bien du tout. Parce que quand vous allez commencer à faire des promesses que vous n'allez pas tenir, ça va faire en sorte que le manque de confiance va s'installer par la suite. Ça va faire en sorte que ta femme, même la copine ou même la femme qui est à tes côtés, prochainement, quand tu vas dire un truc, elle va plus te croire. Elle va dire que l'homme s'est dit ça, ça après, on va plus faire, il va pas le faire. Même si tu lui dis que maintenant, le jour où tu lui dis même un truc que tu vas remarquer,
réaliser, elle va plus croire, elle va même perdre en fait confiance en toi. Tout ce que tu vas dire, si tu lui dis peut-être que le mois prochain on va aller en vacances, ou bien le mois d'août on va aller en vacances, elle va se dire que ah, le gars, ça, tu me fais les promesses, ne tiens pas. Elle va même plutôt croire, elle va même plus s'investir dans la relation parce qu'elle sait que tu n'es pas un homme de parole. Dans un début de relation, s'il vous plaît, évitez de vendre les illusions, évitez de faire trop de promesses. Si vous savez que vous ne pouvez même pas tenir, ne faites même pas. Vivez votre relation normalement au jour le jour. Ne faites pas de promesses si vous sachez, ça veut dire de base que vous n'allez pas les tenir. Ce sont des choses qu'il faut considérer. Faites le maximum de partage, s'il vous plaît. Faites un tour de partage. Sécurisez le live. Ma page est restreinte, s'il vous plaît. Sécurisez le live. Faites un tour de partage. Je réussis les partages aussi en même temps, pardon. Il faut que ma page sorte du rouge. C'est pour ça que j'insiste ce soir sur les partages. Il faut que ma page sorte du rouge. Je ne sais pas pourquoi Facebook m'a mis ma page sur le rouge, en rouge, mais il faudrait qu'elle sorte de là. Donc, faites un tour de partage, s'il vous plaît, les amis. Moi aussi, de mon côté, je fais le tour de partage. Je ne veux pas que ma page demeure dans le rouge. Voilà. Merci à toutes les personnes qui font le maximum de partage. Tapotez aussi le live, s'il vous plaît. On doit pouvoir, l'audience doit pouvoir remonter. J'étais en train d'expliquer que une autre chose aussi à savoir quand vous êtes en début de relation, s'il vous plaît, c'est de pouvoir comprendre que deux personnes qui se mettent ensemble sont deux personnes qui viennent de deux mondes différents, c'est-à-dire qui ont reçu deux éducations différentes. Parce que toi, un homme, quand tu rencontres une femme, vous n'avez pas vécu dans le même, quand vous avez vécu dans le même quartier, vous n'avez pas vécu dans la même maison. Ça veut dire que toi, tu as reçu une éducation, elle a reçu une éducation. Et quand vous êtes en début de relation, il faut pouvoir comprendre qu'il faut pouvoir avoir l'esprit ouvert. Ça, c'est très important dans la vie. L'esprit ouvert. Toi qui as l'esprit ouvert, tu peux comprendre facilement que j'ai en face de moi une personne qui a reçu une éducation. Donc, je dois pouvoir accepter les différences qu'il peut avoir. En début de relation, c'est ça. Il faut pouvoir être ouvert d'esprit et pouvoir accepter qu'il y ait les différences. Pourquoi que vous êtes en début de relation, vous ne puissiez pas accepter les différences. Tu ne puisses pas accepter son point de vue. Quand vous discutez, la personne te dit A, tu dis que non, c'est forcément pas A, c'est forcément B. Parce que toi, dans ton éducation t'envoie à B. Mais son éducation, à lui, l'envoie à A. De pouvoir accepter que vous venez de deux mondes différents, deux éducations différentes que vous avez reçues, pouvoir accepter les différences. C'est très important en début de relation. Accepter les différences. Ce sont les différences là-même qui font en fait les personnes que vous êtes. Parce que, comme on dit souvent même en physique, ce sont deux pôles de nature opposés qui s'attirent. Deux pôles de même nature ne s'attirent pas. Pôle sud ne s'attire pas. C'est pôle sud et pôle nord qui s'attirent. Donc, le fait que tu es dans ta relation, tu puisses pouvoir accepter la différence qu'il y a, c'est un grand point. C'est ça qui va solidifier votre relation. Parce que vous allez comprendre, vous allez évoluer en sachant que j'ai en face de moi une personne qui a reçu une éducation différente de la mienne. Et par conséquent, je dois pouvoir comprendre cette différence-là et pouvoir l'épouser. C'est-à-dire, pouvoir épouser et accepter cette différence-là. Parce que quand vous n'acceptez pas les différences les points de divergence que vous avez, ça fait en sorte que ça crée beaucoup de problèmes. Vous ne vous entendez pas. La communication, ce n'est pas ça. Pour petit truc, ça pète toujours. Tout le temps, vous avez des problèmes. Tout le temps, c'est explosif à la maison. Non. Ayez l'esprit ouvert pour pouvoir accepter que quand tu te mets avec une personne, tu acceptes qu'il y a des différences qui vont naître. Il y a des points sur lesquels vous ne pouvez pas être d'accord. Il y a des points sur lesquels vous pouvez être d'accord. Mais il y a des points sur lesquels vous ne pouvez pas être d'accord parce que vous avez reçu deux éducations différentes. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le fait qu'elles viennent de deux mondes différents. Et malheureusement, elles ne comprennent pas aussi le fait qu'ils puissent avoir des différences. Il peut arriver que vous ayez la chance, vous tombez sur un homme qui a peut-être reçu une éducation similaire à la vôtre. Vous comprenez facilement. C'est bien, mais après, il y a beaucoup de cas où les personnes viennent de deux mondes différents. Toi, j'ai peut-être grandi avec maman, papa. Lui, il a grandi, oui, papa était vendu dans les marchés. C'était un débrouillard. Vous venez de deux mondes différents. Toi, tu as grandi où tu mangeais trois fois par jour. Lui, il a grandi, il mangeait une fois par jour. Donc, il a une façon de voir la vie que toi, tu ne peux pas voir. Et toi aussi, tu as une façon de voir la vie que lui ne peut pas facilement voir. Et tu dois pouvoir maintenant, toi, en début de relation, pouvoir comprendre, c'est trouver le juste milieu pour pouvoir avancer dans la relation. C'est ça, en fait, qui va solidifier votre relation. C'est ça, en fait, qui va pouvoir consolider ça, accepter les différences qu'il peut avoir en début de relation. Ça vous permet d'éviter beaucoup de choses dans votre relation, je vous garantis. Ça vous permet d'éviter les disputes inutiles, de pouvoir comprendre que toi, tu peux être en tort, l'autre a raison, de pouvoir comprendre que l'autre n'a même pas forcément tort, toi-même, tu n'as pas tort. Il a raison, tu as raison, parce que vous venez de deux mondes différents. Votre raisonnement aussi peut être différent. Donc, ne cherchez pas forcément toujours, comme il dit, quand vous êtes dans les relations, ne cherchez pas à faire
des critiques, faites plutôt des reproches. La reproche, c'est une critique plus une solution. Donc, au lieu de chercher à savoir qui a raison, qui a tort, ou dans chaque fois qu'il y a des problèmes, essayez plutôt de comprendre le raisonnement de l'autre, même en début de relation. Essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'il le dit. Même si toi, ton raisonnement, tu restes concentré, ou bien pour toi, ton raisonnement est forcément vrai. Ok, ton raisonnement peut être vrai, mais il faut comprendre que le raisonnement de l'autre n'est pas forcément faux. Ton raisonnement peut être vrai, ceci n'implique pas que le raisonnement de la personne qui est en face de toi est forcément faux, non. Vous deux pouvez avoir raison en fonction de votre raisonnement. Et les raisonnements proviennent de l'éducation, de où est-ce que vous avez grandi. Comme on dit souvent en français ou à l'accoutumée, nous sommes la résultante de notre passé. Nous sommes la résultante du monde où nous avons grandi. Chacun de nous, toutes les personnes ici connectées, là, plus les 150 personnes connectées, là, chacun de nous est la résultante de l'environnement dans lequel il a grandi. Notre façon de penser aujourd'hui, je veux dire, provient de là où on a grandi, provient de ce qu'on a vécu, provient de notre éducation. Deux personnes qui ont grandi au pôle nord, au pôle sud, ne peuvent pas raisonner forcément de la même façon. Et en début de relation, pouvoir comprendre ça et accepter ça. C'est ça qui va faire en sorte que la relation soit solide et la relation fonctionne sur le long terme. Prochaine chose aussi à considérer, ou bien les prochaines choses aussi à pouvoir faire en début ou à ne pas faire en début de relation, s'il vous plaît, c'est de pouvoir comprendre le fait que la personne qui soit en face de vous, par exemple, même surtout au niveau des divergences ethniques, pouvoir comprendre que en début de relation, tu ne dois pas imposer les divergences, tes divergences à l'autre. En début de relation, ne le fais pas. N'impose pas ta divergence. Je parle par exemple de la religion. Je parle par exemple de l'ethnie. Je parle par exemple des divergences, je sais pas, peu importe, que ce soit peut-être professionnel, tu n'imposes pas tes divergences en l'autre, non, en début de relation. Tu expliques tes divergences, tu dis moi je suis catholique et tout, mais n'impose pas par exemple en début de relation que l'homme forcément se convertisse. Peut-être toi tu es musulman, il est chrétien, ou l'homme est peut-être musulman, la fille est chrétienne, l'homme va dire à la fille que non, il faut que tu t'islamises et tout. Non, non, en début de relation, ne fais pas ça. Ne fais pas ça en début de relation. Comme tu lui as dit que tu es musulman, elle est chrétienne, ça aide de pouvoir y savoir que si c'est que vous devez vous marier, peut-être elle doit s'islamiser ou toi tu dois passer dans le côté du côté des chrétiens. Et chacun doit pouvoir savoir cela. Et maintenant, c'est un truc que chacun doit pouvoir décider. Ou bien si tu veux, en fait, si la relation avance même sur le long terme, ça n'est qu'à ce moment-là que tu peux dire que bon, à ce moment-là, je décide de m'islamiser ou de décider de faire le passé du côté des chrétiens. C'est pas qu'en début de relation, tu vas venir imposer ça. Non. Non. En début de relation, tu n'imposes pas ça. Ou peut-être, tu es peut-être, les Ivoiriens disent quoi. Peut-être Baoulé, l'autre est, je ne sais pas, Odiba. Toi, tu vas dire que non, forcément, les enfants qu'on aura à la maison doivent forcément parler Baoulé. Tu commences à imposer, en fait, ta conduite, imposer, en fait, tes choix. Non, ne fais pas ça en début de relation, pas du tout. Même si tu es un homme, l'homme, on sait que, bon, les enfants suivent l'homme, mais ce n'est pas un truc que tu vas imposer à la femme dès le début de relation, non. C'est un truc qui doit venir naturellement. Ce sont les discours que vous devez tenir, qui viennent naturellement. Ce n'est pas un truc que vous devez imposer à l'autre, non. Début de relation, on n'impose pas ses croyances, on n'impose pas, on n'impose pas son ethnie, on n'impose pas. Ces cultures, on n'impose pas ça, non. Ce sont des trucs que naturellement, quand la relation est stable, je vous assure que ça vient naturellement. On n'a même pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Ce sont des trucs qui arrivent naturellement, tout simplement. Quand tu aimes une femme, quand vous êtes en état avancé de la relation, à un moment donné, vous savez déjà que bon, ici là, on va devoir soit passer du côté des chrétiens, soit passer du côté des musulmans. Et une autre chose aussi à faire en début de relation, il faut pouvoir déjà, après, dès le premier, deuxième mois, pouvoir mettre des sujets fondamentaux sur la table. N'ayez pas peur de débattre de ça. Si en début de relation, vous avez peur de débattre des sujets fondamentaux, vous n'allez pas arriver, vous n'allez pas faire long feu dans votre relation, pas du tout. Début de relation, là, il faut pouvoir déjà pouvoir parler des sujets fondamentaux. Par sujets fondamentaux, je parle par exemple, justement, comme je parlais là, des religions. Sujets fondamentaux, ça veut dire que il faut pouvoir débattre, c'est-à-dire vous mettez des... C'est pas que vous parlez de façon directe, mais il faudrait que vous ayez des sujets, déjà, par exemple, sur la religion. Si vous êtes de deux religions différentes, il faudrait que vous puissiez communiquer par rapport à ça, pour savoir que, bon, si on avance là, tu demandes à la femme même comme ça, est-ce que tu vas t'islamiser ou alors est-ce qu'il va changer de côté? Essayez de discuter de ça. Ne vous lancez pas... arrête la distraction qu'il nous fait. Les gens qui mettent des commentaires irrespectueux, là, merci de les bannir, c'est gentil. Donc, j'étais en train d'expliquer que, début de relation, il faut pouvoir mettre des sujets sérieux sur la table. Donc, même au niveau de la région, tu dois pouvoir savoir déjà que, après, là, si c'est que vous êtes dans deux régions différentes, tu dois pouvoir savoir
après peut-être 2, 3 mois, si tu vas t'islamiser ou tu vas passer du côté des chrétiens, il faut déjà que tu saches ça. Parce que si tu t'aventures demain et que vous ne parlez pas, vous n'êtes pas clair sur ce qui va se passer, sur qui va aller dans le côté de l'autre, demain vous allez vous confronter à ce problème. Et à ce moment-là, les sentiments seront très forts, il y aura les liens, et ça va devenir un casino, ça va devenir un chaos total pour pouvoir vous séparer, pour pouvoir vous départager, ce sera les problèmes. Et vous allez vous séparer, peut-être vous avez déjà un enfant, 2 enfants, et c'est grave. Et c'est grave, parce que dans le modèle, le début de la relation, vous n'avez pas mis ce sujet sur la table. Il faut parler des sujets fondamentaux. Par exemple, même quand tu es avec un homme, il faut dire que vous discutez, par exemple, sur comment est-ce que vous gérez les finances. En début de relation, il faut parler de ça. Oui, ce n'est pas dans le mariage ou quand la relation est avancée qu'on parle de comment est-ce qu'on gère les finances dans la relation. Non, quand toi, tu es un homme, tu es avec une femme avec qui tu te vois sur le long terme dès le début, il faudrait que vous parliez peut-être d'argent. N'ayez pas peur. Quand on est en relation, il n'y a aucun sujet tabou. La religion n'a rien à voir dans une relation. Ah, ça, c'est ton point de vue. La religion, bien sûr, tu ne sais pas que ça, c'est pas beaucoup de couples. Il faut pouvoir lire les histoires dans la vie. Il faut pouvoir s'éduquer. Cette question de religion m'a permis de gagner du temps. Évidemment, si vous ne me parlez pas, tu as dit, il faut parler des sujets fondamentaux. Ces sujets-là, si vous ne parlez pas de ça maintenant, après demain, vous allez perdre un temps énorme. Imagine, tu avais un homme, vous êtes de 2 régions différentes. Vous ne parlez pas de ça. Après 3 ans, maintenant qu'il faut officialiser, la femme refuse de passer du côté de l'homme, l'homme refuse de passer du côté de la femme, vous vous séparez. Après 3 ans, tout ce temps perdu là, vous aurez pu vous séparer dès le départ si vous ne vous entendez pas. Si chacun savait dès le départ que je suis ferme sur ma religion, je ne passe pas d'un autre côté, l'homme aussi est ferme sur son point de vue. Dans ce moment, vous vous séparez dès le début. Peut-être vous ne faites même pas d'enfant parce que faire l'enfant et que demain vous vous séparez, c'est encore plus grave parce que l'enfant au milieu n'a rien demandé. La mère, la fille va finir mère célibataire ou bien l'homme va finir père célibataire. Ce n'est pas l'idéal. L'enfant doit pouvoir grandir avec son père et sa mère. Ça, c'est l'éducation africaine et c'est ce que moi je prends, la culture africaine. L'enfant doit pouvoir grandir dans un cadre idéal, père et mère. Sauf comme il dit toujours, ça c'est ce que l'homme propose, mais après la nature, ça se passe souvent autrement. Le monde entier, il faut faire des recherches. Des personnes comme ça, merci de Bani. Voilà, merci. Quand vous arrivez dans un live, écoutez d'abord ce que la personne dit avant de mettre des commentaires déplacés. Merci. Merci à Facebook même pour l'option de bannir de tous les streamings. Là, c'est vraiment top, top, top. J'ai vraiment aimé cette option-là parce que ça permet d'éliminer certaines personnes qui ont mis leur cerveau dans la poche. J'étais en train de dire que il faut mettre des sujets fondamentaux sur la table. Je vous assure que ça évite beaucoup de trucs. Ça évite tellement de choses. Ça évite de pouvoir vous lancer dans les relations, sachant déjà que les causes, c'est-à-dire la relation sera vaine demain. Ça évite beaucoup toutes ces choses-là. Ça vous permet d'éviter cela. Un autre sujet que vous devez mettre sur la table, c'est peut-être la gestion de l'argent, comme je dis, c'est un point fondamental. Toi, un homme, tu dois pouvoir me demander à la femme comment est-ce qu'elle voudrait que l'argent soit géré dans le couple. C'est important, il faut qu'on se dise ça. C'est dès le début d'une relation. Il faudrait que l'homme puisse déjà pouvoir dire à la femme peut-être sa façon de comment est-ce qu'il voit la gestion de l'argent dans son foyer, comment est-ce qu'il voudrait que l'argent soit géré. Et la femme, pareil. La femme doit pouvoir dire que, bon, peut-être moi, si je me marie avec un homme, lui, peut-être, je veux que l'homme, lui, pour moi, l'homme doit gérer 100% des dépenses. La femme ne gère rien, moi, je ne gère rien, l'homme gère tout. Et l'homme aussi doit pouvoir expliquer à la femme que lui, sa façon de voir la vie ou bien son couple ou son mariage, pour lui, c'est que la femme gère peut-être 30%, lui, gère 70%. Il faut parler de ça dès le début. N'attendez pas vous lancer dans la relation. Après, vous faites les mariages. Après, vous dites que non, ma femme est matérialiste, ma femme ne fait pas ça, ou mon homme est monté, mon homme est descendu. Parce que dès le départ, vous ne vous êtes pas entendu sur la gestion des finances. Sur lesquels vous ne pouvez pas dérouter. On ne contourne pas ça. Il faut pouvoir aller droit au but. Il faut mettre les sujets sur la table. Même ce n'est pas seulement ça, même au niveau du régime monogamique. Parce qu'il faut qu'on se dise du régime matrimonial, autant pour moi. Il y a des personnes qui découvrent le régime le jour du mariage. On a vu des vidéos sur Internet, partout, sur le méta. Il y a des femmes qui ont découvert le régime matrimonial le jour à la mairie, devant le maire. Ils ne se sont pas entendus à l'avance. Ils n'ont jamais mis le sujet sur la table. L'homme arrive devant le maire. Le maire demande quel régime matrimonial vous voulez-vous. La femme dit monogamie. L'homme dit polygamie. Et le maire a refusé. C'est la ville. Il y a eu une récente vidéo. Je crois que ça fait 2-3 jours. Ça fait le tour sur Facebook. Madame le maire a dit qu'elle ne célèbre pas le mariage, que les mariés doivent aller s'entendre. Entre temps, ils avaient fait la soirée, ils avaient préparé tout l'argent est parti. Il n'y a pas eu mariage. Tout l'argent qu'ils ont fait, la nuit qu'ils ont préparé, là, c'est parti en vain. Parce qu'ils ne se sont pas entendus dès le départ. Tous les sujets sur lesquels vous devez vous entendre avant de vouloir même aller plus loin. Si toi, dans ta tête, tu sais que tu es un homme, tu sais que moi, je sais la polygamie ou rien. Et là, tu es avec une femme qui te dit qu'elle, c'est la monogamie ou rien. Vous savez que vous n'allez pas faire long feu. Donc, dès le départ, vous séparez. Et que chacun trouve une personne qui va pouvoir accepter le régime matrimonial qu'il veut, qu'il promeut. Donc, si toi, tu es un homme, te vois signer mon polygamie, il faudrait que si tu rencontres une femme qui veut monogamie, tu puisses la quitter. Tu dis que non, on ne va pas pouvoir s'entendre. Moi, je veux une fille qui veut polygamie. Et tu cherches une fille qui veut polygamie.
Et c'est pareil en fait pour la femme. Donc, vous pouvez. Il y a des sujets, comme je dis, ça fait partie des sujets fondamentaux. Le régime matrimonial, vous devez vous entendre à l'avance. Et ça, c'est dès le début. Dans vos discussions, n'ayez pas peur de mettre ces sujets sur la table. Moi, si je suis avec un veuille, je dis, OK, toi, quand tu te vois dans ta vie, hein, est-ce que tu te vois polygame? Toi, tu te voudrais te marier polygame sur un régime polygamique ou bien sur un régime monogamique? Vous discutez. Est-ce que toi, tu veux te marier sur le régime de bien commun ou bien séparation des biens? Parce qu'il y a des couples qui découvrent tout ça. Je vous assure qu'il y a plein de couples comme ça. Ils découvrent ça le jour du mariage. Ils sont stupéfaits. Même le maire, les invités sont dépassés. Mais vous ne vous êtes pas entendu, vous n'avez jamais parlé de ça. La mariée dit que non, on n'a jamais fait allusion à ça. Parce que dès le départ, vous n'avez pas parlé de ça. Dès le départ, vous n'êtes pas entendu, vous avez foncé dans le vide. Vous devez parler de ça. Tu vas pouvoir demander à l'homme comment est-ce qu'il voit son régime. Est-ce qu'il veut se marier sur le régime de communauté de biens ou bien sur un régime de biens séparés? La femme aussi, c'est pareil. Et c'est pareil, vous devez parler de ça. Vous devez vous entendre déjà sur ces sujets-là avant de pouvoir mettre la relation, avant de traverser les 6 mois. Parce que si vous avancez comme ça, vous allez avancer dans le vide. Et on me dit, ça, c'est les trucs qu'on fait en début de relation. Parce qu'après 6 mois, ça veut dire que vous entrez dans le stade de relation sérieuse. Et quand on dit relation sérieuse, ça veut dire que vous êtes déjà entendu ça. Vous savez que, bon, quand vous allez vous marier sur le régime polygamique. Vous êtes tous d'accord par rapport à ça. Vous allez peut-être aller vous marier sur le régime monogamique. Vous êtes tous d'accord. Ou bien communauté des biens. Ou bien séparé. Vous savez déjà où est-ce que vous allez, où est-ce que vous mettez le pied. C'est pas que c'est après 3 ans de relation que vous mettez le sujet sur la table et après vous ne vous entendez pas. Vous vous séparez pour ça. Après 3 ans, c'est un temps perdu. C'est un temps perdu consciemment parce que vous étiez conscient que vous deviez parler de ça. Vous n'ayez pas peur, vous devez parler de ça. Oh, même aussi un autre sujet fondamental, c'est le nombre d'enfants. Il faut pouvoir s'entendre. Et le couple qui se sépare parce que la femme dit que... il y a les hommes qui... Je vois les histoires sur le net où l'homme dit que... Je me suis séparé de ma femme parce qu'elle veut seulement 2 enfants. Moi, je veux 4 enfants. Et comme elle est plus près à me donner les autres enfants, et comme elle a signé monogamie, je suis obligée de divorcer d'elle parce que moi, je veux plus d'enfants. C'est vrai, il y a plein de couples comme ça qui ne se séparent parce qu'ils ne s'entendent pas. Le planning familial n'est pas commun. Ils ne sont pas entendus sur le nombre d'enfants. Vous devez planifier ça dès le départ. Quand dès le départ, ça veut dire au début, vous savez que bon, je suis avec l'homme cela, on prévoit faire 3, 4 enfants ou bien 4 enfants. Vous êtes tous d'accord. Pas que vous ne parlez pas de ça, vous vous mariez, la femme te dit que non, moi c'est 2 enfants, je ne veux pas que mon corps se transforme, pour moi c'est 2 enfants et ça s'arrête là. L'homme te dit qu'il veut 4, en ce temps vous êtes marié sous le régime monogamique, l'homme veut 4 enfants, il fait comment? Il ne veut pas aller faire les enfants dehors pour faire les enfants bâtards. Donc il a divorcé de la femme, il est obligé de divorcer parce que la femme ne voulait plus faire d'enfants, l'homme voulait plus d'enfants, tout ça parce qu'ils ne sont pas entendus dès le départ. Parce que si tu es avec un homme, vous entendez dès le départ que bon... On va comme ça là, on sait qu'on se met ensemble, on a nos 4 enfants à faire, ou bien on a nos 2 enfants. Et vous êtes tous d'accord, personne n'est surpris par la suite. Personne n'est surpris. C'est vrai qu'après les gens vont dire que non, les gens peuvent changer d'avis, mais avant de changer d'avis, vous êtes quand même d'accord sur le nombre. Si l'homme l'avait discuté avec sa femme, il se serait entendu, ils auraient peut-être trouvé juste un milieu, peut-être 3 enfants. L'homme aurait retiré 1, la femme aurait ajouté 1. Donc comme il y avait 2, l'homme veut 4. Ils se retrouvaient juste au milieu, donc trouver l'équilibre, c'est-à-dire 3 enfants, et il n'y aurait pas eu de problème, il n'y aurait pas eu de divorce, juste à cause du nombre d'enfants. Et l'homme, selon ses croyances, c'est un homme qui ne veut pas faire des enfants bâtards. Il est pourri pour faire lui divorcer, chercher une autre femme qui va épouser normalement et avant de faire des enfants avec elle. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, pourtant, ils auraient pu éviter ça si dès le départ, en début de relation, ils mettaient de pareils sujets sur la table. Donc, début de relation, s'il vous plaît, mettez les sujets fondamentaux sur la table. N'ayez pas peur. Ou bien ne dites pas que non, c'est trop tôt. Non, il n'est jamais trop tôt. Ça évite de perdre un temps énorme. Vous ne savez pas. C'est vite de dire si je savais. Quand tu prends la route de je m'en fous, tu te retrouves au village de si je savais. Si vous dites que non, je m'en fous, après, enfin, on va pouvoir voir ça après. Tu te retrouves au carrefour de si je savais. Sauf que si je savais, n'a pas de queue, c'est-à-dire le temps est passé, on ne rentre plus en arrière. Donc, ce sont les choses sur lesquelles il faut débattre dès le début de ta relation. Tu commences ta relation, tu mets les points sur les i avec l'homme. Vous entendez, vous mettez les sujets là sur la table. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Début de relation aussi. Je lis les commentaires comme ça. Je ne reçois plus de notifications de tes directs. J'espère que tu vas bien la dernière fois. Karen, tu ne reçois pas la notification de mes directs parce que je vous ai dit que ma page est en rouge. Facebook la restreint. C'est pour ça que je vous demande de faire le maximum de partage pour que ma page puisse sortir du rouge. Je vous ai dit que même à travers de mes vues, j'ai remarqué cela. Que ma page est restreinte. C'est pour cela en fait que vous n'avez pas les notifications. Vous avez vu mes vidéos aujourd'hui. Peu de personnes l'ont vu. Facebook n'a pas mis la vidéo en avant parce que la page est restreinte. Donc, faites le maximum de partage et sécurisez le live. Mettez beaucoup de cœur afin que Facebook sorte ma page du rouge. Vous savez que Facebook, je ne maîtrise pas encore forcément. Donc, du coup, pour peu, je ne sais pas pour quelle raison la page est allée au rouge. Mais s'il vous plaît, sécurisez afin qu'il nous sorte du rouge. Je ne maîtrise pas trop... les raisons, bien quelles peuvent être les causes pour lesquelles ils restreignent une page. Même là maintenant, vous voyez, on n'a pas assez fait de partage. S'il vous plaît, faites le maximum de partage.
Je me permets aussi de lire les commentaires s'il y en a sur les questions auxquelles je n'ai pas répondu avant de continuer. Alors non, je vais bien te prendre en mariage, sauf que je vous ai dit que je ne suis pas célibataire, je ne suis pas encore à prendre. Tu veux me prendre en mariage alors que je suis à très très loin. Donc faites un tour de partage s'il vous plaît. Donc pour partager là, vous savez comment ça se passe, non? Donc ceux qui suivent le live là, vous avez l'option partager qui s'affiche là. Donc faites un tour de partage et tapotez le live s'il vous plaît. Une autre chose aussi à faire, enfin, ou à éviter quand vous êtes dans les débuts de relation, s'il vous plaît, c'est de pouvoir vous concentrer uniquement, comment je dirais, sur vous sans écouter l'autre en face. Parce que beaucoup de personnes font. Ils se concentrent tellement sur leur personnalité, ils se concentrent sur leur petite personne, je dirais même mieux. Ils se concentrent sur leur petite personne, sur leurs besoins. Ils négligent en fait les besoins de l'autre. L'autre a besoin de quoi? L'autre, comment est-ce qu'il se sent? Il ne s'investissent pas. Pourtant, en début de relation, c'est le moment de s'investir. C'est le moment de tout donner, en fait. Quand je dis tout donner, enfin, pas dans l'extrême, bien évidemment, mais c'est le moment de s'investir. Vous êtes dans un début de relation. Vous ne vous faites une semaine sans vous voir, 2 semaines sans vous voir. Mais vous savez que la fondation ne peut pas tenir. Il ne faut pas se voir chaque jour que Dieu a créé. Mais il faudrait pouvoir aussi être disponible. Il faudrait aussi pouvoir comprendre les besoins de l'autre. Si l'autre a besoin de te voir bien, l'autre est malade, il faut pouvoir l'assister. Début de relation, c'est ça. Il faut être présent aussi pour l'autre. Il faut pouvoir comprendre les besoins de l'autre en début de relation. Surtout les femmes, s'il vous plaît, messieurs, ne jouez pas les donnes que non. Si j'appelle le gars, s'il va dire que non, je suis déjà trop fan de lui. Si je fais ça, il va dire ça. Non. Ma vidéo qui va sortir, je pense, demain ou après-demain, selon les programmations, parce que mes publications, je les programme à l'avance. Je pense qu'elle est programmée pour demain soir ou vendredi soir, dans laquelle j'explique qu'en amour, on ne fait pas semblant. C'est-à-dire, quand tu aimes une personne, démontre-le. Parce qu'après, quand la personne va mourir, tu vas dire que ouais, j'aimais trop cette personne, j'aimais, j'aimais. Sauf que le j'aimais là, ce n'est plus le moment. Quand on aime, on aime. Il y a même le chanteur qui a dit ça. Aimez-moi, oh, quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter le lait. Tu aimes une personne, prouve-le lui quand la personne a encore en vie. Dis-le lui quand la personne a encore en vie. N'attends pas que la personne décède pour pouvoir dire que non, ouais, je t'aimais, bébé, s'il te plaît, pardonne-moi. Non, il se fait trop tard. Dans un début de relation, il faut pouvoir. En même temps, ne pas être trop, c'est-à-dire faire de la relation ton centre du monde, mais pouvoir aussi s'investir, pouvoir être à l'écoute de l'autre. En début de relation, c'est ça. Quand l'autre est dans le besoin ou est dans la tristesse, peu importe le moment ou bien la situation par laquelle la personne en face de toi passe, il faut que tu puisses répondre présente quand la personne en a besoin. C'est ça qui fait en sorte que tu impactes la personne psychologiquement. Tu montres à l'autre que tu veux vraiment que la relation avance. N'attends pas toujours que c'est l'autre qui fasse le premier pas. Non. Homme comme femme, ne fais pas les trucs en te disant par exemple que non, si je fais ça, l'homme va penser ci, si je fais ça, l'homme va penser ça, ou bien l'homme va te dire que non, si je fais ça, la fille va dire que non, je la aime trop, si je l'invite ici, elle va dire que non, ne fais pas les trucs en disant que l'autre va dire vas-y non, sinon tu vas pas avancer dans ta relation, tu seras toujours bloqué. Fais les trucs parce que tu le ressens. Investis-toi parce que tu veux que la relation avance. Si tu as envie de lui offrir un cadeau après un mois de relation, tu le fais. Ne le fais pas parce que tu dis que non, si je lui offre un cadeau, elle dira que je suis trop gentille, je suis trop acquis, non. Fais les trucs naturellement. Bien sûr, il ne faut pas être dans l'excès, comme je dis. Il faut pouvoir trouver le juste milieu dans tout ce qu'on fait dans la vie. Donc, mais il faut pouvoir prendre soin de l'autre, pouvoir être à l'écoute de l'autre, il faut pouvoir répondre aux besoins de l'autre. Il ne faut pas seulement se concentrer sur sa personne ou sur ses mentalités, parfois que je dirais mentalité rétrograde, concentrer uniquement sur qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Non, il faut pouvoir être à l'écoute de l'autre. C'est très important en début de relation. C'est très, très important. Une personne m'avait même demandé une fois sur TikTok, est-ce qu'en début de relation, si j'offre un cadeau à la fille avec qui je suis après, au moins, est-ce que c'est trop tôt? Moi, je dirais non. Il n'y a pas question de trop tôt dans le début de relation. Dans le sens où, comme il dit en amour, c'est si tu ressens, tu le fais. Si après un mois de relation, je vous assure qu'il y a les personnes sur Terre, là. Elles aiment la personne avec qui elles sont en début de relation, mais elles se retiennent de lui dire, tu te retiens pourquoi, mon frère? Tu te retiens pourquoi, ma soeur? Tu aimes un gars en début de relation, le gars peut-être te dit, je t'aime. Tu ne réponds pas parce que tu dis que non, ça fait seulement un mois. Si je lui réponds aussi que je l'aime, il va croire que je suis acquis. Il va me prendre pour acquis, il va me prendre pour, je sais pas, les Ivoiriens disent souvent quoi, Benja ou c'est Dona Benja. Les Ivoiriens, comme ils aiment souvent dire. Non, ça ne veut rien dire, ma chérie. Tu aimes un gars, même si après un mois, il te dit, je t'aime, ma chérie, tu réponds que tu l'aimes. Comme ça que vous perdez souvent vos chances. Parce que l'homme va être avec toi, tu ne lui dis jamais que tu l'aimes, alors que tu l'aimes en réalité. Il va se dire que je suis avec une fille, peut-être je ne fais pas assez, elle trouve peut-être que je ne l'aime pas assez, je ne m'investis pas assez, je vais me chercher peut-être elle ne m'aime pas ou bien il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Vous perdez les vrais hommes comme ça, ou vous perdez les vraies femmes. Parce que tout ça, c'est l'orgueil. L'orgueil et l'amour ne riment pas ensemble, je l'ai toujours dit. Quand tu aimes une personne là, l'orgueil ne doit pas faire partie de ton champ lexical ou de ton dictionnaire. Non.
Tu aimes une personne, un mois plus tard, en début de relation, si la personne te dit que je t'aime, dis-lui que tu l'aimes aussi. Comme il a dit, il faut être honnête, il faut baser votre relation sur l'honnêteté. C'est ça qui va faire en sorte que la fondation de votre relation soit très solide, l'honnêteté. Donc, si tu as des sentiments pour la personne, tu le lui dis, naturellement. N'aie pas peur de... il va dire peut-être que c'est trop tôt, ou bien il va me prendre pour acquise. Non. Une personne qui t'aime ne va jamais te prendre pour acquise parce que tu lui as dit que tu l'aimais. Non. C'est une personne qui pense ça. Ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas de bonnes intentions dès le départ. Parce qu'une personne qui a les bonnes intentions vis-à-vis de toi, le fait que tu lui dises que tu l'aimes après un mois ou après 3 semaines, elle n'aura pas d'arrière-pensée. Au contraire, la pensée qu'elle devra avoir, ce n'est que la joie. Ce n'est que le fait qu'elle soit contente, que tu lui aies dit que tu l'aimes, que tu ressentes vraiment des trucs pour lui. Ou pour elle, si c'est une femme. N'aie pas peur de dévoiler tes sentiments parce que tu te dis que non, après un mois, c'est très tôt, j'attends dans 6 mois plus tard pour lui dire je t'aime. Non, si tu ressens le besoin, tu lui dis. Si tu ne ressens pas, d'accord, ça se comprendrait. Mais tu ressens un truc, tu ne lui dis pas parce que tu te dis, tu penses en fait, tu t'imagines des trucs dans ta tête. Non, on ne vit pas une relation sur le questionnement. Le questionnement ne doit pas faire partie du cerveau de quelqu'un qui est dans une relation. Je ne vis pas pour... J'ai d'avoir trop de projets dans ma tête pour voir encore ajouter les questions stupides que si je fais ça, il va penser quoi? Si je dis ça, il va penser quoi? Non. Parce que la relation, quand on la veut solide, on ne va pas sur des préjugés, on ne va pas sur un jugement, on ne juge pas la personne qui est en face de nous, on ne cherche pas à pouvoir prendre peut-être ou à pouvoir se dire que non, si la personne me dit ça, ça veut dire que c'est son point faible, alors je prends ses faiblesses-là pour pouvoir demain pouvoir la combattre. Non, non, on ne prend pas. Le fait que tu lui disais ça, la personne qu'elle t'aime, elle ne va jamais prendre ça pour une faiblesse. Un homme qui te dit après un mois qu'il t'aime, ma chérie, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Non, ne prends pas ça pour une faiblesse. C'est parce qu'il est vrai, il est honnête. Et il faut comprendre ça tout simplement comme ça, point. Ne cherche pas à comprendre plus que ça. Ne cherche pas à vouloir dire que non, s'il me dit ça, c'est un homme faible. C'est un homme qui ne sait pas, qui est trop, je sais pas, qui est trop peut-être dans mes pattes ou bien qui m'aime trop. Je vous ai dit que les hommes de nos jours, là, ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Un homme qui te dit après 3 semaines qu'il t'aime, ne pense pas peut-être que non, c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, ou bien il m'aime trop. Vous avez dit que les hommes de nos jours, cela, comme ils t'aiment là, c'est comme ça que demain il peut ne plus t'aimer. L'amour là, ça peut venir, c'est comme le vent. Dès qu'il suffit d'un truc comme ça là, ça part. Il y aura la braise qui peut rester, non, mais la braise après quelques temps, vous savez, ça s'éteint. C'est comme le feu de paille. Il suffit d'un vent là, pap, les sentiments là sont partis. Donc ne pense pas parce qu'il t'a dit qu'il t'aime, tu vas monter sur tes grands chevaux, tu vas te prendre pour je ne sais qui. Comme il t'aime là, c'est comme ça que demain il t'oublie. Vous voyez que les hommes, vous avez vu la vidéo où j'ai dit que les hommes ne reviennent plus, non, la vidéo qui était postée hier. Les hommes de nos jours ne reviennent plus vers les femmes. Et les personnes disent toujours que tu sais, peut-être ton homme. Les personnes, je vois souvent ça, les personnes qui le disent, les amis ou bien les personnes sur les réseaux qui font des vidéos, disent que non, ma chérie, ne t'inquiète pas, l'homme qui t'a quitté va forcément revenir. Non. Les hommes de nos jours ne reviennent plus vers les femmes. Et vous pensez que les hommes reviennent encore? On n'a pas encore rien compris. Il revient seulement s'il se rend compte qu'il a une plus-value que tu peux lui apporter dans sa vie. Mais si tu n'as pas de plus-value à l'apporter, si tu penses que c'est parce que tu es très belle ou parce que tu sais cuisiner ou tu sais faire l'amour, ma chérie, il ne va pas revenir pour ça. Non. Parce que les filles qui savent cuisiner sont versées dehors. Les filles qui savent préparer, elles sont comme ça. Les filles qui sont belles, alors c'est plein sur toute la terre, tellement de belles filles. Les filles qui savent faire l'amour, il y a tellement, même si c'est qu'il faut aller prendre les filles dans la rue, il va aller prendre les filles. Les hommes de nos jours, là, c'est que tu n'as rien de concret à lui apporter, il va partir. Et c'est pareil pour les femmes aussi. Un homme, tu n'as rien, tu n'apportes rien à la vie d'une femme. Elle ne va pas rester avec toi pour tes beaux yeux. Elle ne va jamais rester avec toi pour tes beaux yeux, même si tu es folle et tout. Non. Quand elle va vouloir se marier, elle va se poser la question. Est-ce que le gars, ok, il fait bien l'amour, mais est-ce que c'est seulement ça qui m'a... Si je vais l'épouser uniquement pour ça. Parce qu'à un moment donné, vous allez même avoir les rapports tout le temps. À un moment, tu vas te fatiguer. À un moment, tu auras besoin d'autres choses. Mais d'autres choses, il ne peut rien t'apporter parce que tu t'es mise avec lui uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Et les vraies femmes, les femmes qui savent ce qu'elles veulent, elles ne vont pas poser comme premier critère de choix ou de sélection d'un homme le fait que l'homme soit bravo ou soit folle. Non, elles ne vont jamais faire cela. Les filles qui le font sont les filles qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Les filles qui n'ont pas encore compris la vie, là, sont les filles qui font ça ou les filles qui sont immatures. Début de relation, il faut être honnête, il faut être vrai. Tu aimes une fille, tu le lui dis. Si la fille apprend ça comme une faiblesse, mon gars, il faut savoir qu'elle ne t'aime pas. Parce qu'une fille qui t'aime ne va jamais prendre le fait que tu aies des sentiments pour elle comme une faiblesse. Non. Elle doit plutôt se sentir chanceuse. Elle doit plutôt se sentir heureuse. Dans un moment, revient en elle un sentiment de joie, d'émotion. Si ça produit plutôt le contraire, la faiblesse, ça produit plutôt le fait que peut-être tu es un homme trop acquis là. C'est pour savoir qu'elle ne t'aime pas. C'est pareil pour les filles aussi. Une fille qui va dire à un homme que, comme tu vois là, je t'aime, j'ai des sentiments pour toi. L'homme qui prend ça pour une faiblesse, pour une fille peut-être qui est trop acquise, ou pour une fille qui se laisse facilement aller, il faut savoir que l'homme là ne t'aime pas. C'est pas un homme sérieux. Un homme sérieux, quand tu lui dis ça, il comprend ce que tu lui dis. Si c'est réciproque, il te retourne l'appareil, il te renvoie l'ascenseur. Début de relation, là, fais très attention aussi à ça. Bois de l'eau.
Il y a un point aussi que je vais souligner en début de relation. Surtout, je m'adresse à vous, les hommes, là. Début de relation. Tu courtises une fille, tu te rends compte qu'elle n'est pas très intéressée par toi. Tu as ce sentiment. Parce que les hommes savent, quand la fille est intéressée par toi, toi, un homme, tu sais ça. Tu as cette impression qu'elle n'est pas très intéressée par toi. Tu commences à lui offrir les cadeaux. Tu commences à aller chez elle tout le temps, à l'amener sortir, à l'amener faire du shopping. Tu t'investis trop, tu dépenses par-ci. En un mois sur la fille, tu as dépensé 1000 euros. Faut savoir que non. La relation, là, c'est une relation qui n'a pas de fondation. C'est-à-dire, elle va s'écrouler. Parce que les bases sont fautées. Il faut faire plaisir, il faut offrir des cadeaux, mais certes, mais il faut que ce soit dans la limite. En un mois, tu rencontres une fille, tu dépenses 1000 euros sur elle, papa, c'est quoi? Tu fais ça pourquoi? Tu rencontres une fille, en un mois, tu claques 500 000 sur elle. Pourquoi tu fais ça? Parce que quand tu commences là, tu sais que tu ne vas pas terminer, tu vas pas suivre le rythme. Tu lui montres un niveau de vie qui est très élevé par rapport au coaching. Tu sais que tu lui offres 1000 euros en un mois. Il faut savoir que tu dois pouvoir assurer la même chose sur toute la durée de votre relation. Parce qu'on voit les hommes, elles sont avec, je vois souvent les hommes. Ils courent derrière les femmes qui ne les aiment pas. Et pour que la fille les aime, ils commencent à leur offrir des cadeaux, à acheter les téléphones, à pouvoir tout le temps faire voyager la fille, juste parce qu'ils veulent que la fille puisse l'aimer. Non, l'amour ne se force pas. Non. Ta dignité est où, cher homme? Ta dignité, elle est où? Elle est où? Tu cours derrière une personne qui ne t'aime pas. Pourquoi? Pourquoi tu vas offrir des cadeaux luxueux? Tu vas offrir beaucoup de choses à une femme qui ne t'aime pas. Pourquoi tu fais ça en début de relation? C'est peut-être que vous êtes dans une relation stable, vous comprendre que tu gâtes même ta femme, tu lui achètes tout ce qu'elle veut parce qu'elle le mérite, elle a fait ses preuves. Mais en début de relation, tu rencontres une fille, un mois tu as dépensé sur je ne sais pas quoi. Tu as dépensé sur elle des milliards, des millions, pourquoi tu fais ça? Et le pire, c'est qu'après ça, vous allez dire que les femmes sont matérialistes. Les femmes ne sont pas matérialistes, je suis désolée. Je suis désolée, c'est comme tu viens acheter la femme. C'est ça qui dit qu'il faut partir sur la base de l'honnêteté. Parce que toi, un homme, si tu viens de façon honnête à une femme, elle va te prendre comme ça. Mais toi, tu viens, tu lui montres la vie de luxe. Tu lui montres que tu as les moyens. Tu lui montres comment est-ce que tu peux la faire voyager, aller ici, lui offrir des téléphones dernier cri, des montres dernier cri. Après, maintenant, quand le mois qui suit, elle te demande peut-être des grosses sommes d'argent, je trouve qu'elle est matérialiste. Non, elle n'est pas matérialiste. Elle n'est pas matérialiste autant pour moi. C'est parce que tu lui as rimé comme ça. Tu lui as montré que voilà, le rythme a suffi. Elle suit ce rythme-là. Demain, tu la traites de matérialiste. Non, les femmes ne sont pas matérialistes. Je suis désolée. Si tu lui montres ta vraie vie, c'est-à-dire ton vrai niveau, là, si elle t'accepte comme ça, elle t'accepte comme ça. Si elle ne t'accepte pas, tu laisses ça tomber. Tu laisses le dossier tomber. En laissant, il y a même les hommes qui vont jusqu'à s'endetter, s'il vous plaît. S'endetter. S'endetter. Parce que ils veulent forcément faire plaisir à la fille, juste parce que la fille, ils veulent forcément que la fille accepte leurs avances. Pourquoi vous faites ça? Début de relation, ne faites plus ça. Ne faites plus jamais l'erreur là. Allez s'endetter pour prouver à une fille que vous valez quelque chose là. C'est une erreur tellement fatale. Ne faites plus jamais l'erreur là. Parce que la relation ne va pas faire long feu. La relation va finir. Le jour où vous n'allez pas pouvoir lui offrir cette vie-là, elle va partir. Après, vous allez dire que les filles partent. Les filles partent vite et les hommes qui veulent seulement passer quoi? Passer du temps avec elles. Mais ça, c'est ça que je l'ai dit. Si tu es un homme, tu veux seulement passer du temps, c'est-à-dire peut-être tu ne veux pas une relation sérieuse, je peux comprendre, je peux te le conseiller parce que bon, tu as un objectif précis, peut-être tu veux seulement la mettre dans ton lit, après ça, c'est fini. Mais comme je dis au début du live, je m'adresse aux personnes qui visent des relations sérieuses, c'est-à-dire qui visent le mariage avec la personne. Parce que si tu vises peut-être une relation sans lendemain, tu peux, c'est autre chose. Tout ce que je dis là, c'est pas pareil quand tu vis sur une relation d'un soir ou bien d'une semaine. Mais un homme qui veut une relation sérieuse, il sait que il ne doit pas pouvoir aller s'endetter parce qu'il veut montrer une vie de luxe à la femme. Pour demain, la femme va le quitter. Quand les filles vous quittent là, je vois souvent sur les commentaires mes vidéos que non, les femmes, tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent, c'est parce que vous nous montrez ça. Tu es un homme, tu viens de façon modeste. Tu dis que bon, ma chérie, voici ce que je gagne pas grand, je tout et tout. Elle va jamais te demander ce qui est au-dessus de tes moyens. Les femmes qui demandent parfois beaucoup de choses aux hommes, là, c'est parce que les hommes, dès le départ, les a rythmés comme ça. Début de relation, tu rencontres une fille. Le lendemain, tu lui offres iPhone 14. Après ça, tu lui vis peut-être 500 000. Tu lui envoies 500 euros ici. Elle te demande peut-être, ou bien vous discutez, elle dit que mon forfait Internet est même fini. Un forfait Internet qui coûte 30 euros. Toi, tu lui envoies 500 euros. Mais c'est normal que le mois prochain, te pose un problème de 1500 euros. Et quand tu ne peux pas résoudre, elle te quitte parce que elle comprend que tu es une personne qui est fausse. Elle comprend que tu lui as vendu le rêve, mais c'est normal qu'elle te quitte. Et tu ne vas pas venir mettre sur les commentaires ou venir maintenant raconter aux gens que non, la fille était matérialiste. Non, elle n'est pas matérialiste. C'est parce que tu l'as rythmée à ce niveau-là. Tu as pris un rythme que tu ne peux pas tenir. C'est comme quand on fait souvent le marathon. Vous savez que quand vous faites les marathons, c'est-à-dire les courses de résistance, là, tu commences vite.
faut pas suivre le premier, voilà ton rythme. Parce que si tu essaies de suivre le premier, tu vas laisser tes poumons en route. Tu vas faire un arrêt cardiaque. Parce que tu veux prendre un rythme qui n'est pas le tien. Lui, le premier, c'est celui qui est en tête, en tête de peloton, là, en peloton de liste 1. Il va à ce rythme-là parce qu'il sait que son rythme cardiaque, c'est-à-dire son cardio, peut le supporter le rythme. Mais toi, ton cardio est faible. Mais toi, tu vas suivre son rythme pourquoi? Tu vas suivre son rythme pourquoi? Non. Ne fais pas l'erreur là, mon frère, jamais. Peut-être qu'il ne sait pas comment fonder une relation durable. C'est ça que je te dis. Tu ne sais pas comment fonder une relation durable. Le life, justement, est fait pour ça, en fait. Le life, justement, est fait pour ça, pour expliquer aux hommes que fonder une relation durable, ça ne se fonde pas sur l'impressionnement. C'est-à-dire, ne cherche pas à impressionner avec de l'argent. Non. Une personne qui veut fonder une relation durable ne va pas chercher à impressionner la fille qui est en face de lui. Ne va pas chercher à vendre le rêve. Ne va pas chercher à montrer à la fille qu'il a les moyens. Pourtant, en réalité, il ne les a pas. Il ne les a pas. Moi, je suis clair. Il n'y a pas de femme matérialiste. Je suis désolée. Les femmes ne sont pas matérialistes. Non. L'homme, comme il a dit, l'homme doit toujours prendre soin de sa copine, de sa femme. Ça, c'est vrai. Tu ne prends pas soin de ta femme. C'est normal qu'à un moment, il te mette sur le côté. L'homme doit prendre soin de sa femme. Même Dieu a dit dans la Bible que l'homme prend soin de ta femme. L'homme aime ta femme et tu dois prendre soin d'elle. Ça, c'est normal. Ça, c'est le devoir de l'homme. C'est un devoir fondamental pour l'homme de prendre soin de sa copine, de sa femme. Mais en t'étant prendre soin de sa copine, de sa femme, là, ça sous-entend prendre soin de sa copine, de sa femme avec ses propres moyens, selon son niveau. C'est-à-dire, tu gagnes 10 000 francs, tu dois pouvoir donner 500 francs à ta copine. Tu gagnes 100 000 francs, tu dois pouvoir retirer 5 000 francs, tu lui donnes. Tu gagnes 1 million par mois, c'est normal que tu retires peut-être 50 000, tu donnes à ta copine. Parce que c'est en fonction de tes moyens que tu donnes. Mais il faudrait au moins que tu prennes soin d'elle, que tu sais que bon, par mois, ma femme a besoin de ci, elle a besoin de se coiffer, elle a besoin de gagner. Toi, l'homme, tu retires ça. C'est les vrais hommes le disent. Et le font surtout. Un vrai homme, il sait que ma femme, chaque mois, a besoin de se coiffer. Elle a besoin peut-être de nouvelles choses. Voilà. Il sait que, bon, par mois, en fonction de ce qu'il gagne, il retire une partie qu'il donne là-bas. C'est un homme, c'est normal, c'est son droit. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de femmes matérialistes. Les femmes qui sont matérialistes sont les femmes qui demandent plus que les moyens de leur chéri. Et parce que le chéri, dès le départ, a montré la cadence qui n'est pas bien. Elle est jalouse, mais elle refuse les rendez-vous au début de relation. Elle refuse les rendez-vous au début de relation. Ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Parce qu'une personne qui est intéressée ne va pas refuser les rendez-vous. Je peux te concéder que bon, tu ne veux pas voir le gars tout le temps. Mais si c'est que vous êtes dans la même ville, vous faites vos débuts de relation, il faut que vous voyez, vous solidifiez la relation tout le temps, elle refuse les rendez-vous. Ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Nous, les femmes, qu'on n'est pas intéressées par. Enfin, je veux dire qu'on n'est pas intéressées par un homme, on refuse ses rendez-vous. On les banque tous, on ne les honore pas. Parce qu'on n'est pas intéressé justement. Une femme qui n'en a aucun de tes rendez-vous, elle n'est tout simplement pas intéressée par toi. Il n'y a pas à forcer. Tu dois respecter son choix et avancer dans la vie. C'est facile à dire, bien sûr. Beaucoup de femmes demandent au départ si tu as des sous. Tu n'en as pas, et pas. Mais justement, je veux dire, tu dis qu'il y a beaucoup de nos jours, beaucoup de femmes demandent au départ si tu as de l'argent, si tu n'en as pas, et pas. Mais c'est mieux qu'elles partent dès le départ, non? Où est le problème? Ça veut dire que ce n'est pas une femme qui te faut. Ce n'est pas une femme qui te faut. J'ai posté la vidéo aujourd'hui sur la différence entre l'amour de ta femme et je veux dire, l'amour de ta vie, autant pour moi, et la femme de ta vie. Il faut faire la différence. Allez écouter la vidéo. Là, c'est une vidéo très, très, très éducative. C'est une vidéo vraiment très, très, très importante. Il faut écouter absolument la différence entre l'amour de ta vie et la femme de ta vie. Une femme, ça, je veux dire, le fait qu'elle le dise, c'est qui a commenté ça? Marc, une femme, quand elle te dit cela, estime-toi heureux. Remercie Dieu, dis merci Seigneur. Parce que dans le moment, elle était claire avec toi. Parce que si elle ne te disait pas ça, demain, tu allais te rendre compte qu'elle se moque de toi ou bien soit avec d'autres hommes qui sont plus friqués que toi. C'est mieux qu'elle te dise dès le départ, comme ça, tu ne commences même pas à t'investir. Tu sais que bon, ce n'est pas ta gamme tout simplement et tu avances dans ta vie. Je préfère ça. Je préfère que la fille le dise directement. Vous savez que ça ne va pas avancer tout simplement. Que tu t'investisses alors que dès le départ, tu sais que la femme, ce n'est pas ton niveau. Depuis le début, j'ai seulement envie d'envoyer un message à ma copine pour lui dire que c'est fini à trois copines. Comment se fait-il qu'au début d'une relation, il demande de l'argent? Un homme qui demande de l'argent au début de relation, c'est pourquoi en fait? Genre, quel est le problème? Début de relation, vous êtes ensemble combien de mois? L'homme, un peu les détails, s'il te plaît. Début de relation, là, c'est genre, après un mois, il te demande de l'argent. Et pourquoi il te demande de l'argent? Un vrai homme, là, il ne demande pas l'argent à la femme. Et qui manque de dignité, ma chérie. Surtout au début de relation. Au début de relation, tu posais les problèmes d'argent à une femme. C'est-à-dire que tu manques de dignité. Je suis désolée de le dire, c'est la vérité. Même un homme, parfois, quand la relation est instable, 2 ans, un vrai homme a même la peine à dire, chérie, j'ai besoin d'argent. C'est la peine à le dire. Il le dit vraiment quand il sait qu'il a la corde ici, que c'est vraiment sa dernière carte à jouer. Un homme, un mois de relation, tu me demandes l'argent, tu es fou. Elle te prend pas où? C'est un homme qui n'a pas de dignité.
Et encore même, il faut voir, un mois de relation, c'est trop tôt pour que tu demandes l'argent à une femme. Avant que tu rencontres la femme, là, tu n'avais pas tes frères, tu n'avais pas d'amis à qui tu peux demander l'argent. Donc, c'est à moi que tu viens demander. Next. Justement, Richard, elle devrait être une charge pour lui, donc il doit être content. Tout à fait, c'est ce que je disais. Il doit s'estimer heureux. Début de relation, tu demandes de l'argent. Mais en retour, la fille doit faire quoi en début de relation? La fille, elle doit faire quoi? Comment? Je ne sais pas. Elle doit se comporter normalement. Elle doit aimer son homme. Elle doit être respectueuse. Elle doit pouvoir s'intéresser à l'homme et tout. Mais financier, je ne sais pas si tu parles de financièrement parlant. La fille, c'est pas que elle va te donner de l'argent chaque mois. Non, c'est la responsabilité de l'homme. Ça, il faut qu'on se dise les vérités. Donner l'argent à la femme, prendre soin de la femme, c'est la responsabilité de l'homme. C'est pas que la femme doit prendre soin de l'homme financièrement. La femme peut prendre soin de son chéri sur d'autres aspects, mais pas sur le plan financier. C'est pas à la femme de donner l'argent de poche à son homme, non. Je ne le dis pas directement, mais peut-être le fait dans les causes. Est-ce que tu peux l'aider? Bon, c'est justement, s'il ne te dit pas ça directement, ça veut dire qu'il a quand même de dignité. Ça veut dire qu'il se respecte un peu, il est un peu gêné. Et tu peux l'aider dans ce cas-là, mais ça veut dire, tu comprends qu'il peut le faire de façon indirecte. Mais jusque-là, ça dépend du problème. C'est peut-être des demandes de l'argent, peut-être, c'est pas pour s'acheter, peut-être, c'est pas la PlayStation ou la cigarette, ou bien, c'est pas, il faut vraiment que ce soit un problème fondamental, un problème crucial, un problème de question de vie ou de mort, oui. Mais si c'est un problème futur, je ne vais pas te donner de l'argent pour ça. Même ce que tu as dit ça indirectement parlant. Un mois de relation, c'est toi. Puis ça dépend même de la somme. Un homme que tu rencontres, pardon, un homme que tu rencontres ne va pas venir te poser un problème de 1000 euros, non. Et c'est pareil pour la femme. C'est pour ça qu'elle disait aux hommes que ne vous investissez pas financièrement parlant en début de relation. Parce que la personne, je trouve que la personne en face de vous n'a pas encore fait ses preuves. La femme ne t'a encore rien montré vu que tu dépenses 1000 euros sur elle en un mois. Non, elle a démontré quoi en fait? Même ses vraies intentions, tu ne les connais même pas. En un mois, on ne connaît pas une personne. C'est vrai qu'on m'a dit que même en 10 ans, on ne connaît pas la personne. Mais c'est vrai, 10 ans, on ne connaît jamais vraiment la personne qui est en face de nous. Mais un mois, c'est très très tôt pour pouvoir déterminer les réelles intentions d'une personne. Un mois, tu dépenses 10 000 euros sur une femme. Mais ça te prend pas où? Ça te prend pas où? Faites jamais l'erreur là, en tout cas. Si tu rembourses encore lorsque tu lui donnes, c'est plutôt une bonne chose. Si tu rembourses, tant mieux. Si tu décides de donner, qu'il te rembourse, tant mieux. Mais s'il ne le fait pas, je veux dire, ça dépend du montant. Mais je vous assure que les vrais hommes, surtout les hommes bantous, ont trop de la peine à demander de l'argent aux femmes. Si vous rencontrez toujours dans votre vie des hommes qui vous demandent l'argent, c'est que sont les gigolos. Ce sont les gigolos. Très souvent, ce sont les gigolos. Surtout ici en Europe, il y a plein de gigolos comme ça là. Quand ils voient que tu as une femme, tu roules dans ta voiture, il sent en fait le flair de l'argent sur toi, là, il devient gigolo. Tout le temps, il a les problèmes dans sa famille, tout le temps, sa carte bancaire est bloquée, tout le temps, il te sort les faux problèmes. Il faut savoir que c'est un gigolo en début de relation. Un homme bantou, qui veut te demander de l'argent, il ne va jamais le faire en début de relation. Il va aller voir ses parents, ses amis et tout, parce qu'il va se dire que avant elle, j'avais une vie. Donc, quand j'avais les problèmes dans le passé, est-ce que c'est elle que je voyais? Je ne la connaissais pas. J'avais des personnes qui m'aidaient avec mes problèmes, de ne pas voir ces mêmes personnes-là. Non, bah en tout cas, il te demande de l'argent. Très souvent, c'est quand la relation est avancée. Ça, c'est vraiment quand déjà, vous êtes déjà assez complice. Vous êtes déjà vraiment, ou même vous êtes déjà marié, tu es sa femme. Donc, c'est vraiment qu'il est vraiment coincé. Il va te demander de l'argent. Les hommes ont trop de dignité, vous assure. Si vous tombez sur les hommes qui vous demandent facilement de l'argent, lundi, il te demande l'argent. La semaine prochaine, il demande l'argent. C'est un gigolo. Tu sais, Charles, tu ne parles pas pourquoi de l'assassinat. J'ai parlé de ça hier. Il faut aller suivre le live que j'ai fait par rapport à ça hier. J'ai fait un live par rapport à ça. Bon, une fille qui vit chez ses parents. Avant de répondre, avant de finir, avant de lire les questions, j'ai un dernier point à soulever en ce qui concerne les débuts de relation. S'il vous plaît, comme vous êtes des débuts de relation, évitez d'être jaloux et possessif. Début de relation, je vous ai dit que l'homme a toujours besoin de son espace, la femme a besoin de son espace. Début de relation, c'est-à-dire que vous pouvez vous voir, mais il faudrait que toi, l'homme ou toi, la femme, tu puisses comprendre que avant toi, l'homme avait une vie. Donc, il doit avoir toujours le même temps pour voir ses amis, pour voir sa famille, pour prendre un pot avec ses collègues. C'est quoi que début de relation, tu es possessif, tu es jaloux. Ah, tu es avec qui? Tu es avec qui au téléphone? Il t'appelle, tu ne décroches pas et tout. Tu rentres peut-être à 20, il a 30 minutes de retard, tu le harcèles déjà au téléphone. C'est quoi ça en début de relation? Début de relation, tu es jaloux, possessif, tu vas arriver, ma chérie. Ou toi, l'homme là, tu vas arriver. Mon frère, tu vas pas arriver. Début de relation, il faudrait que ce soit, ça doit être un peu plus libre. Tu vas pouvoir comprendre que l'autre a besoin de son espace. Éviter d'être jaloux et possessif en début de relation. Non. Début de relation n'est pas jaloux et possessif. Parce que la relation ne va pas faire long feu. Parce que toi et la personne qui est jalouse, la personne qui est en face de toi là, elle ne va pas se voir. Moi par exemple, je ne vais pas me voir
je veux dire, fonder ma vie ou bien aller me mettre dans un mariage avec un homme qui essaie que de base l'être trop jaloux possible. Parce que la jalousie et la possession, là, la jalousie et la possession, là, ça fait des, c'est ça qui cause des meurtres, des crimes, en fait, passionnels, là. Ça part de ça. Ça part de ça. Les violences conjugales partent toujours de la jalousie, de la possession. Donc, un homme qui, dès le départ, il est très jaloux et possessif, c'est un signe, c'est un mauvais signe, c'est pas bon signe. Une femme qui est jalouse et possessive dès le départ de la relation, en début de relation, il faut savoir que c'est pas bon signe, mon frère. Il faut fuir. Il faut fuir. Un homme qui est jaloux et possessif, ma chérie, fuis. Parce que la jalousie et la possession, là, si tu continues à supporter ça, tu vas pas faire long feu. Dans ton couple, là, tu seras maltraité. Il va même te battre. Il va vouloir même cloner tous tes appareils. Il va vouloir te suivre partout. Tu n'auras même pas de vie. Tu auras l'impression que tu vis avec ton homme, que lui sera ton homme tout le temps, il sera derrière toi. Tu ne seras même pas épanouie, tu ne seras pas heureuse. Évitez d'être jaloux et possessif. Début de relation, tu es jaloux. Tu m'appelles, je te dis que j'étais au téléphone avec un ami, on discutait. Ah, il est quelle heure? Nous sommes en jeu, ce n'est pas genre appel de nuit. Tu m'appelles à 14h, je suis en ligne. Je te dis peut-être que je te rappelle. Peut-être que je suis à un téléphone, peut-être en train d'aider un ami au téléphone. Maintenant, il te rappelle, tu me dis que tu étais avec qui. Tu sais, quand je te fâche, tu me gronde au téléphone. Début de relation, il te bloquait. Je vais te bloquer parce que c'est un mauvais signe. Ça veut dire que demain, quand tu vas m'appeler, si peut-être je suis en lien avec n'importe qui, ou même avec un collègue, ou bien avec peut-être mes parents, quand je vais te rappeler, tu vas commencer à me blâmer, ou bien à la maison, tu vas même me taper. Que j'étais appelé, tu n'as pas décroché. Début de relation, les personnes possessives, il faut les éviter. Faut les éviter. Les personnes qui sont possessives, là, essayez de travailler sur vous. Parce que la jalousie, la possession, là, ça se travaille. Évitez ce caractère impulsif, évitez d'être jaloux. Non, début de relation n'est pas jaloux. Début de relation, tu es jaloux, tu vas arriver, tu vas pas arriver. Qui va supporter, mais en fait, ça? Qui va supporter le fait que tout le temps, il y a quelqu'un qui son dos? Tout le temps, c'est toujours les fâcheries. Tout le temps, on te gronde. Tout le temps, on te parle mal parce que tu n'as pas été disponible à tel moment. Tout le temps, on te parle comme on voudrait. Enfin, personne ne supporte ça en début de relation. Évitez d'être jaloux. Il n'y a pas de jalousie en début de relation. Ou même de possession. Tout le temps, tu es possessif. Tu es possessif pourquoi? C'est ta propriété privée. C'est ta marchandise. Tu l'as même possessif. C'était même ta femme. On peut comprendre que tu es un peu jaloux possible parce que c'était ta femme. Mais début de relation, tu es jaloux. Je suis ta propriété. Début de relation, faites très attention. La jalousie, c'est la personne qu'il faut fuir. Parce que vous assurez que la jalousie, là, ça cause tellement, ça a tellement de conséquences. On n'est pas aidé. Des conséquences que les personnes jalouses ou les personnes possessives là, ont souvent sur la vie des autres, des personnes qui sont en face de ou bien de leur partenaire. C'est très, très néfaste. Faites très attention aux personnes possessives et jalouses. Bon, une fille qui vit chez ses parents en étant étudiant avec son mec qui ne lui donne pas de l'argent, sur quelle base? Une fille qui vit chez ses parents. Étant étudiante avec son mec. Elle vit chez ses parents, elle a son mec. Le mec ne lui donne pas de l'argent. Le mec, lui, ne travaille pas. Doit donner l'argent sur quelle base? Tu as bien dit que le mec ne travaille pas. S'il ne travaille pas, il va pas aller voler, mon frère. C'est qui a commenté là? Tactile Fred. Il va pas aller voler. Tu as précisé que l'homme ne travaille pas. S'il ne travaille pas, c'est normal, il va pas aller voler. Il ne travaille pas, il ne travaille pas, il n'y a pas de miracle par rapport à ça. Moi, je parle du fait que tu travailles, c'est-à-dire que tu as une source de revenus. Mais si tu n'as pas une source de revenus, le débat, la question ne se pose pas, le débat ne se fait pas. On ne se fait pas. En plus, une fille qui vit chez ses parents, quand tu vis chez tes parents, c'est-à-dire que tu es encore sous la responsabilité de tes parents. Donc, ce sont à tes soeurs, c'est à tes parents de te donner l'argent de poche. À tes parents de payer ta scolarité. Maintenant, sinon, pas les moyens que l'homme veut le faire, il le fait naturellement. Ça devient pas une obligation pour lui. Non. Il n'y a pas d'obligation pour lui à ce niveau-là. Surtout qu'il ne travaille pas, comme tu as dit. Enfin, il n'y a pas de question par rapport à ça. On ne va pas demander à l'homme d'aller voler non plus, pardon. Pourquoi les femmes ne voulaient pas travailler? Pourquoi les femmes ne veulent pas travailler? Quelles femmes ne veulent pas travailler? De nos jours, les femmes veulent travailler. Je vous assure que les femmes veulent travailler. C'est à l'époque de nos parents, là, de nos aïeux, que les femmes ne voulaient pas travailler. Les femmes en 2023, c'est là, toutes les femmes veulent travailler. Tout le monde veut être indépendant. Si vous demandez à toutes les femmes, rencontre une fille même dans la rue, une femme dans la rue, tu demandes que, quels sont tes projets. Ah, t'as dit que j'ai envie de lancer un commerce, j'ai envie de lancer mon business. Beaucoup de femmes veulent travailler, elles ont des idées de business. Parfois, ce sont les moyens qui manquent. Mais beaucoup de femmes veulent travailler, veulent être indépendantes. Beaucoup veulent même être indépendantes, si, surtout celles qui peut-être qui ne sortent pas des écoles de formation, c'est-à-dire qui ne sont pas enseignantes, qui ne sont pas professeurs ou qui ne sont pas secrétaires. Mais beaucoup de femmes veulent travailler, elles veulent gagner de l'argent par leurs propres moyens. Elles veulent faire un business, un commerce, et juste que parfois elles n'ont pas les moyens. Je ne pense pas qu'il y ait des femmes de nos jours, quand tu vas les demander, tu les rencontres dans la rue, tu demandes à une femme, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu veux travailler? Elles te disent non. Non, je ne pense pas que ça existe encore de nos jours. Si. Avant, ça existait, mais de nos jours, non. Malheureusement, de nos jours, c'est même le contraire. Ce sont les hommes qui interdisent souvent à leur femme de travailler. Sinon, la femme veut travailler. C'est juste que parfois, les hommes disent que non, je veux pas que ma femme travaille. C'est parce que c'est l'homme qui exige.
Mais sinon, une femme veut travailler, une femme veut gagner son argent. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une femme de nos jours qui veut peut-être tout le temps tendre la main que chérie, je veux l'argent pour acheter les allumettes, je veux l'argent pour acheter le pain, je veux l'argent pour payer les factures, je veux l'argent pour tout être l'argent. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que parfois, elles n'ont pas les moyens de travailler, parfois, parce qu'elles ne trouvent pas la possibilité. Mais sinon, tout le monde veut, tout le monde a la volonté. Toutes les femmes veulent travailler, toutes les femmes veulent lancer leur business, toutes les femmes veulent ouvrir leur institut, leur boutique, tout, leur shopping center, tout. Désolée, ma soeur, pour mon silence, que je n'avais pas mon commentaire. J'étais au téléphone, Dieu. J'appelle ma mère. Ok, il n'y a pas de souci, Vanille. T'es très jugante, c'est pour toi, je peux arrêter mes études. N'arrête pas tes études, pardon. Les études, c'est très important. Excusez-moi pour le dérangement. Quand un homme est en relation avec une fille, mais la fille ne demande rien. Mais elle continue toujours de l'appeler. Elle ne veut pas t'exprimer qu'elle t'aime. Ça signifie quoi? Mais la fille le demande, ne lui demande rien. Mais elle continue de l'appeler et tout. Je veux dire, elle ne demande rien financièrement parlant. Je suppose que c'est ce que tu veux par là. Si la fille ne te demande rien, je veux dire, elle peut t'aimer. Je veux dire, ça veut dire, la fille, même parfois, de nos jours, les filles qui aiment, mais elles ont même peur d'aimer l'argent à leur chérie. Oui. Malheureusement, je vous assure que c'est drôle parce que. Il y a une fille, je vous assure, au nom de Dieu, une fille qui m'a écrit une fois pour me demander que. Elle se coach, pardon. Dis-moi comment elle fait pour demander l'argent à mon chéri. Je l'aime, mais j'ai trop peur. Je n'arrive pas à demander l'argent à mon chéri. Les filles qui aiment sincèrement, là, elles ont toujours la peine à demander de l'argent à leur chéri. C'est la vérité. Il faut qu'on se dise ça. Quand on aime, on a toujours peur de demander l'argent à nos chéris. On a toujours peur de leur réaction, de leur pensée. Est-ce qu'il va me voir comme une fille matérialiste? Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Les filles qui aiment, là, elles ont la peine à demander l'argent à leur chéri. Ce sont les femmes. Quand elles t'aiment sincèrement, là, elles ont souvent la peine à te demander l'argent. Oui, il y a des femmes qui demandent souvent l'argent facilement. Là. Parfois, on ne t'aime pas. Et parfois, je n'ai pas dit toujours, mais parfois, on ne t'aime pas. Les femmes qui aiment vraiment, là, c'est toujours le demander bébé, j'ai besoin de 500 euros. C'est souvent difficile. Elles réussissent parfois, mais c'est difficile. Et une fille qui t'appelle, je veux dire, vous savez, vous compreniez une chose, dans la vie qu'on est mature, le je t'aime qu'on dit là, c'est bien, mais ce sont les actes qui sont plus importants. Une fille peut ne pas te dire je t'aime, mais ses actes, de par ses actes, tu comprends qu'elle t'aime. Donc, ne reste pas avec une fille, bien, ne reste pas avec ta chérie. Tu penses que donc, le fait que ta chérie ne te dise pas je t'aime, ça veut dire qu'elle ne t'aime pas. Non, elle peut poser des actes. Quand tu as besoin d'elle, elle t'écoute tout le temps, elle prend de tes nouvelles, elle s'intéresse à tes projets, elle te soutient. Quand tu as besoin d'elle, elle tout le temps, là, mon frère, il faut savoir qu'elle t'aime. Pardon, ma lumière s'est éteinte. Il faut savoir qu'elle t'aime. Le je t'aime qu'on dit tout le temps, c'est pas une condition sine qua non de l'amour, non. Arrêtez de penser que non, si la fille ne te dit pas je t'aime, ça veut dire qu'elle ne t'aime pas, non. Même un homme. Je dis souvent ça. Je préfère être avec une personne qui ne me dit même pas je t'aime, mais qui pose des actes qui démontrent à suffisance que cette personne m'aime. Parce que les actes, c'est le plus important. Les paroles, c'est bien. Parce que les beaux parleurs peuvent te dire je t'aime matin, midi, soir. Mais quand vous posez des actes, tu ne les vois pas. Donc, ne te concentre pas sur le fait que la fille ne te dit pas je t'aime pour tirer la conclusion que non, la fille, si ne m'aime pas. Non, pas du tout. Elle peut bien t'aimer. Et toi-même, tu as dit, elle t'appelle tout le temps. Une fille qui t'appelle, qui prend de tes nouvelles, ça veut dire que d'un côté, elle a des sentiments pour toi. Je suis d'accord avec toi. L'homme ne peut pas facilement demander l'argent à sa partenaire, bien sûr. Un homme, les hommes qui se respectent ne le font pas facilement. Sauf quand je dis, c'est vraiment quand c'est sa dernière carte à jouer. Quand il n'a plus d'autre choix. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut le faire. Sinon, en général, les hommes ne le font pas. Bonsoir. Comment une fille doit se prendre en début de relation pour ne pas décevoir l'homme? Hello, ma chérie. J'ai expliqué ça en début de ce live-ci. Après, tu réécoutes le live dès le début, s'il te plaît. J'ai expliqué beaucoup de choses. Pour ne pas décevoir l'homme, comme j'ai dit, il faut toujours partir sur l'honnêteté. Il faut que tu sois avec toi-même. N'essaye pas d'être une autre personne. N'essaye pas de vouloir jouer la fille parfaite. Non, montre même si tu as les défauts. Non, montre si peut-être, je sais pas, tu es peut-être une personne peut-être qui bégaye. Ne pas parler là-bas, si tu ne parles pas parce que tu as peur que l'homme voit ton déficit, par exemple. Tu dis que non, si je bégaye ici, là, si je parle, il va voir que je bégaye. Non, sois toi-même, en fait, sois naturel. Début de relation, c'est il faut être sincère, il faut être honnête, il faut être soi-même, en fait, en début de relation. Et d'autres points aussi, tu peux réécouter le live aussi quand ça s'arrête, en fait. Vas-y, je dois encore expliquer tous les points que j'ai suscités là, depuis 1h30 de live. Ça va être un peu long, ma chérie. Bonsoir, une fille qui dit qu'elle t'aime, mais quand elle a le jeton, tu lui demandes, elle ne te donne pas. Comment faire? Mais une fille qui t'aime, est-ce qu'elle est obligée de te donner son jeton, frère? Tu fais quoi? Le jeton de la femme, je veux dire, ça te concerne en quoi? On a dit que l'argent de la femme, c'est pour la femme. L'argent de l'homme, c'est pour le couple. Tu n'as pas encore compris la phrase, là. Hein? Fais la mise à jour dans ton cerveau. Une fille qui a son argent, elle ne te donne pas, ça ne veut rien dire. Elle est obligée de te donner l'argent, pourquoi, en fait?
Donc, tu attends à ce que la femme, toi, tu travailles, elle travaille. Tu attends à ce que chaque fin du mois, tu dis que bébé prend, je sais pas, prend 100 000 francs, c'est ton argent de poche. Ça, c'est à l'homme de faire ça. Ce n'est pas le contraire. Non, ça se respecte, frère. Une fille qui t'aime, elle t'aime, elle te donne pas l'argent, ça veut rien dire. Est-ce qu'elle doit te donner de l'argent? La femme, elle peut peut-être t'offrir des cadeaux, peut-être elle va acheter ses habits, elle voit une belle chemise, elle dit que bon, je vais aussi prendre la chemise aussi pour mon chéri, je vais prendre le pantalon aussi pour mon chéri. Voilà une femme, voilà ce que la femme fait, mais c'est pas que la femme retire l'argent et donne à l'homme, non. Non, moi-même qui vous parle aussi, là, comme je vous dis toutes les choses que vous m'avez faites, je ne dis pas les choses qui vont faire plaisir aux gens, non. Ou bien pour les likes, non. Moi, je ne donne pas l'argent à mon chéri, non. Je ne donne pas, ni aujourd'hui, ni demain. Mais ce que je peux faire maintenant, c'est lui offrir des présents, c'est-à-dire des cadeaux. Si peut-être dans nos discussions, il me dit peut-être comme ça, peut-être qu'il a besoin, peut-être son parfum est fini, il n'a peut-être pas eu le temps d'acheter. Moi, je peux justement sortir le lendemain, je ne vais pas acheter, je viens lui donner. C'est ça. Je peux peut-être aller, comme j'achète beaucoup de vêtements, je parle peut-être en achetant mes chemises à Zara, je vais aussi, je pas aussi dans le rayon homme, je prends une chemise, je prends un pantalon, je prends ça pour mon chéri pour lui donner. Voilà comment est-ce que je lui fais plaisir. Ce n'est pas lui donnant de l'argent, non. Si l'homme en fait, il va même pas accepter. Que faire pour séduire une fille qui ne veut pas même de ta salutation alors que tu l'aimes? Une fille qui n'est pas intéressée par toi, mon frère, il n'y a rien à faire. Vous dites qu'en 2023, on ne supplie pas l'amour. Vous ne comprenez pas encore. Eh. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est la blague. On ne supplie pas l'amour. Une fille qui ne t'aime pas, ne t'aime pas. Même ta salutation. Ça veut dire que tu la dégoûtes même à la limite. Parce qu'une fille peut ne même pas être intéressée par toi, mais quand tu la salues, même en route ou bien par message, elle peut répondre. Mais une fille qui ne te répond pas, elle te fait vieux et ignorer tout le temps. Il faut savoir qu'elle n'est pas intéressée, frère. Tu veux qu'elle te dise ça ton dialecte pour que tu comprennes. Pourquoi tu veux forcer? Pourquoi vous aimez forcer les relations comme ça? On ne force pas de relations, que ce soit amicales ou amoureuses, en 2023. Arrêtez-moi ça. Une personne qui ne veut pas de toi dans sa vie, tu comprends, c'est tu respectes son soi, tu passes à autre chose. Il y a des personnes dehors qui veulent de toi. Toi, tu cours derrière une personne, alors que tu as des gens qui t'aiment. Dans la vie, il faut s'entourer des personnes qui nous aiment, pas des personnes qu'on aime. Vous ne savez pas ça. Je vous assure que je veux dire, c'est un conseil que mon papa me donnait toujours. Même à nous, ses enfants. Parce que mon papa a fait beaucoup plus de filles. Nous sommes plus de filles. Un seul garçon chez nous. Papa, comme il y a les filles, nous conseille tout le temps. Dans la vie, si entourez-vous toujours. Je dis ça à mes enfants. Mes enfants, je vous dis aujourd'hui et demain. Que vous soyez avec des amis, que vous soyez dans vos relations, entourez-vous des personnes qui vous aiment. Ne vous entourez pas forcément des personnes que vous aimez. Non. Parce que les personnes que toi tu aimes là ne t'aiment pas forcément en retour. Or, les personnes que. Si tu t'entoures, les personnes qui t'aiment toi sont les personnes qui vont te défendre contre n'importe qui va vouloir te faire du mal. Les personnes qui t'aiment vont prendre ta défense. Toi, tu t'entoures des personnes que tu aimes. Attends, les personnes que tu aimes là ne t'aiment pas forcément. Ils peuvent même te poignarder. Une personne qui ne t'aime pas ne t'aime pas. Moi, je préfère m'entourer. Je préfère être avec les gens qui m'aiment. Que d'être avec les personnes que j'aime. Je ne sais même pas si m'aiment en retour. Ce sont les personnes forcément que toi tu. C'est comme on dit, l'amour là sera unidirectionnel. L'amour doit être bidirectionnel, ça doit être dans les deux sens. Toi tu es dans une relation, c'est unidirectionnel. Tu là, tu forces quoi? Si la flèche ça ne dessine, la personne ne te renvoie pas l'ascenseur. Tu comprends ça, tu avances. On ne supplie rien en 2023. Tu ne veux pas, elle ne veut pas de toi, tu passes à autre chose. Il y a tellement de femmes dehors, il y a tellement d'hommes dehors. Vous suppliez quoi en fait? Que ce soit les amitiés là, on ne supplie personne. Une personne qui veut partir de ta vie part, tout simplement. Alors vous suppliez, après vous souffrez même dans vos relations. Quand je vois ça m'énerve vraiment à la limite. Vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas de dignité. De nos jours, tu penses que l'amour est à combien à combien pourcent et les intérêts combien pourcent? Marc, s'il te plaît, j'ai pas bien compris ta question. Je pense que l'amour à combien pourcent, les intérêts à combien pourcent? J'ai pas très bien compris en fait. Qu'est-ce que tu veux par là dire en fait? Pourquoi certaines femmes se fâchent lorsqu'elles découvrent que tu as cherché à fouiller dans son passé? Bon, pourquoi l'homme aussi tu cherches à fouiller dans son passé? Pourquoi tu ne lui demandes, tu ne lui poses pas les questions là directement? Parce que toi-même, tu ne seras pas fier que la fille commence à faire les enquêtes, elle fouille, elle commence à chercher beaucoup de choses te concernant. Ça installe le manque de confiance. Si toi, l'homme, tu fouilles dans le passé d'une personne, ça veut dire que tu n'as pas confiance à la personne. Ça veut dire que quand la fille t'a parlé de son passé, tu n'as pas cru en ce qu'elle t'a dit. Ça veut dire que tu as douté d'elle. C'est normal qu'elle se fâche quand elle apprend que tu es parti fouiller dans son passé. Après, tu peux avoir ton droit, mais je veux dire, c'est normal. Moi, je ne vais pas être content si j'apprends mon chéri parti fouiller dans mon passé. Même si je n'ai rien à me reprocher, mais ce n'est pas une bonne chose forcément. Je veux dire, ce n'est pas un truc plaisant à écouter ou bien à savoir, tu vois. Ce n'est pas une bonne chose. Si tu veux savoir un truc sur mon passé, tu me demandes, je te dis. Mais après, si je te dis que tu ne me crois pas, bon, tu vas fouiller, c'est ton problème, tu vois. C'est toi qui vois. Mais je veux dire, elle peut se fâcher parce que tu sais, on appelle aussi quand même entrer dans sa privacy. C'est vrai qu'en relation, moi, je dis tu n'as pas de privacy. En relation, deux personnes qui se voient une chaque temps, vous avez encore la privacy de quoi? Vous codez vos téléphones, ton gars n'a pas le code, le gars n'a pas le code, la femme n'a pas le code, vous êtes en relation, vous voyez nu. Vous faites l'amour, vous écartez tout comme ça, l'homme voit tout, la femme voit tout. Maintenant, c'est ton téléphone qui ne peut pas avoir, parce que par rapport à quoi?
En relation, il n'y a pas de privacy, mon frère. Ton téléphone, c'est mon téléphone. Mon téléphone, c'est ta part. Tu dois avoir le mot de passe de ton téléphone. Tu dois avoir aussi pour moi. Si tu veux, tu fouilles. Moi aussi, je fouille ta part. Mais je peux comprendre qu'elle se fâche. Hein. C'est pas une bonne chose à entendre. Mais après, si elle n'a rien à se reprocher, elle ne doit pas se fâcher pour longtemps. Elle peut se fâcher parce que, bon, c'est sous le coup et tout. Mais une femme, si tu n'as rien à te reprocher dans ton passé, peut-être tu n'as pas menti, peut-être par rapport aux enfants que tu avais par le passé. Je veux dire, femme, ça va t'énerver, mais après, tu dois pouvoir. Enfin, je veux dire, tu vas te fâcher pendant un mois par rapport à ça, tu vois. Je suis très d'accord. L'honnêteté, le pilier bâtisseur d'une relation durable. Effectivement. Merci beaucoup, j'ai compris. Je t'en prie. Si elle te donne de l'argent, si elle t'acte peut être considéré comme preuve d'amour, ça dépend. Si elle te donne de l'argent parce que tu lui as soumis un problème urgent, tu as besoin d'argent, ça peut être vraiment considéré comme une preuve d'amour. Ça, il faut qu'on se le dise. Une femme, quand tu lui soumis un problème, elle peut te donner de l'argent parce que ça, c'est une preuve d'amour. La femme ne donne pas souvent son argent facilement. Hein. Vous savez ça, non? Tapotez le live, s'il vous plaît. L'écran devient sombre. Partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Sécurisons notre live. Une femme, quand tu lui soumis un problème, et qu'elle te donne de l'argent pour résoudre ce problème, je t'assure que c'est une preuve d'amour. Nous, les femmes, quand notre. Je suis une femme, non. Pourquoi notre argent sort? C'est comme ça. Si ça sort qu'elle te donne, il faut savoir qu'elle t'aime. C'est une preuve d'amour. Tu fais quoi dans la société pour avoir de l'argent? Ah, tu t'adresses à qui, Peter? Qui est-ce que ta question est adressée? Je ne comprends pas le commentaire. Kunda et Sama, s'il vous plaît, le port du cerveau est obligatoire sur mes lives. L'ouverture d'esprit aussi, surtout par ricochet. Quand je dis que la femme ne donne pas l'argent à l'homme. Ce n'est pas pour dire que si l'homme, il perd son travail. Parce que là, tu me prends un cas particulier. Tu me prends qu'il a perdu son travail, n'a pas de source de revenus. C'est différent. C'est normal qu'à ce moment-là, tu l'épaules. Mais un homme qui travaille, c'est pas la forme de lui donner de l'argent. Il faut pouvoir comprendre les choses dans le contexte. Remets les choses dans le contexte. Ne prenez pas mes phrases. Vous ne paraphrasez pas ce que je dis. Ou bien ne prenez pas une phrase. Vous la faites sortir de son contexte. Une phrase a un sens dans un contexte. C'est ce qu'on apprend en français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis que la femme ne donne pas de l'argent à l'homme, c'est parce que l'on suppose que l'homme travaille. Maintenant, s'il a perdu son travail, ça, c'est un cas de force majeure. Comme j'ai dit, il y a les forces majeures. Tu as dit, s'il y a des problèmes, ou bien il n'a même pas perdu son travail, mais il a peut-être un projet où sa maman est malade, son salaire ne permet pas peut-être de subvenir aux besoins de sa maman et tout. Et là, maintenant, tu peux l'épauler. Mais ça, c'est dit, c'est l'épauler. Ce n'est pas une obli. C'est pas un devoir. C'est pas un devoir. La femme n'a pas le devoir de donner l'argent à l'homme, non. Quand c'est une force majeure, il perd son travail, c'est normal que je l'épaule, c'est normal que je paye même le loyer, je rationne tout le mois, pendant peut-être les 2-3 mois, pendant qu'il cherche un autre travail. Ça, c'est normal, c'est naturel, ça ne me dérange pas. Mais il travaille, pourquoi est-ce que je vais prendre de l'argent, lui donner comme ça? Non, un homme ne va même pas accepter. L'homme ne va pas accepter, les vrais hommes ne vont pas accepter. Vous-même témoignez ça ici, l'autre même dit ça en commentaire, c'est vrai. Un homme qui a de la dignité ne va pas accepter l'argent qui vient de sa femme, sachant qu'il travaille, qu'il n'a aucun problème. Il préfère que tu prennes cet argent, tu peux acheter un truc dont il a besoin, tu veux lui donner. Si tu veux lui donner 100 euros, au lieu de lui donner 100 euros en cash comme ça, là, parfois l'homme préfère que peut-être, si peut-être en parlant, il t'a dit que bon, son parfum est fini, par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres. Tu pars, tu vas à Sephora, tu achètes le parfum qu'il voudrait, là, tu viens lui donner. Ça, c'est la même valeur, c'est tous les mêmes 100 euros là. Mais l'homme préfère ça, les cadeaux en nature, que de l'argent. Un homme qui a de la dignité préfère les cadeaux en nature, je vous dis ça par expérience. Et c'est la vérité, vous-même, vous savez, vous avez bien témoigné ça ici. Donc, Marcus et Sama Brice, il faut souvent comprendre les phrases dans leur contexte. Merci. Ma question est la suivante. À l'époque de nos parents, étaient en couple par amour. Le pourcentage d'amour était à 80%. Aujourd'hui, tu penses que l'amour dans une relation est à combien de pourcents? Bon, moi, après, je peux pas quantifier. Est-ce qu'il y a un pourcentage dans l'amour? C'est vrai que de nos jours, les mariages, c'est par intérêt. Il faut qu'on se dise, ça, c'est une vérité d'ordre général. Beaucoup de personnes se marient par intérêt. Chacun pense à ses intérêts. C'est vrai qu'il peut avoir l'amour. Même quand il voit le couple ou les cas, il y a 20 ans. Parce que l'homme est milliardaire. La femme aussi va dire que non, en fait, c'est parce que je l'aime. Bon, en réalité, c'est qu'il y a, c'est beaucoup par intérêt. Beaucoup de mariages, c'est par intérêt. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Mais quand j'intéresse pas que seulement la femme a ses intérêts. Pardon. Les deux personnes, les deux parties ont les intérêts qu'ils cherchent derrière. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui. Les mariages de nos jours, c'est beaucoup par intérêt. Il y a la moussette, mais bon, c'est un peu, c'est plus comme à l'époque en tout cas, il faut qu'on se dise les vérités. Les temps ont changé.
On est dans une nouvelle génération. On n'est plus à l'époque de nos parents. Nos parents, l'amour était à 80% parce qu'ils ne travaillaient pas. La femme ne travaillait pas. La femme était destinée à rester à la maison, s'occuper seulement des enfants. Sauf que de nos jours, ce n'est plus le cas. Les choses ont beaucoup changé. Donc, on ne va pas facilement comparer l'époque de nos parents à notre époque. Si, donc. Je ne fouille pas son téléphone. Elle ne doit pas fouiller dans le mien. Je ne lui cache rien. Et c'est ça mon principe. Ah, si vous entendez comme ça, Jordan, il n'y a pas de souci. Dès le moment où vous deux, vous êtes consentants que personne ne fouille dans le téléphone de l'autre, ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est, comme je dis, c'est vos principes dans votre couple. Si la femme est d'accord qu'elle n'a pas accès à ton téléphone, tu n'as pas accès au sien, c'est d'accord, vous faites des trucs cachotterie. Parce que les trucs que vous dites que non, je ne lui cache rien, c'est faux. La vraie personnalité d'une personne, là, la vraie vie de quelqu'un, là, c'est dans son téléphone. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu veux connaître la vraie vie de ton chéri, là, c'est dans son téléphone. Tu veux connaître vraiment la vraie vie de ta femme, qui elle est, là, c'est dans son téléphone. Regarde ses discussions, regarde les photos, regarde tout. Va dans les fichiers masqués de iPhone, là, tu prends le dossier masqué, là, tu dévorouilles ça, tu vas voir toute sa vraie vie. Vous parlez de quoi? Tu ne caches rien, mais elle n'a pas accès à ton téléphone, tu me racontes quoi? Tu caches les choses. Tu caches les choses, c'est pour ça qu'elle n'a pas accès à ton téléphone. Sinon, tu ne caches rien, tu lui donnes le mot de passe. Moi, je dis toujours que quand vous avez une relation, c'est la transparence. Moi, je ne vois absolument aucun inconvénient. Donnez-moi un inconvénient à avoir les mots de passe. Je ne comprends pas. Parce que tu peux être avec ta femme là. Demain, tu fais même l'accident. Elle est avec toi. Il faut qu'elle dévorue peut-être. Elle n'a peut-être pas son téléphone sur elle. Il faut qu'elle dévorue ton téléphone pour pouvoir appeler les urgences. Elle fait comment? Elle n'a pas le mot de passe de ton téléphone. Elle fait comment à l'instant elle? Elle fait comment? Vous avez fait un accident à l'instant T là, où tu es venu peut-être la prendre quelque part et tout. Elle n'a pas son téléphone. Ou même elle a fait l'accident. Tu n'as pas ton téléphone. Tu as laissé à la maison peut-être parce que tu es sorti sous la précipitation. Elle fait l'accident. Il faut appeler les urgences. Tu n'arrives pas à dévorer son téléphone. Pourquoi en fait vous faites ça? Pourquoi? Je ne comprends pas. Le fait que ta femme ait le mot de passe de ton téléphone, bien que toi, l'homme, tu aies le mot de passe de son téléphone, ça ne veut pas dire que tu vas forcément fouiller. Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Ça montre ce qu'il y a la transparence. Et moi, je ne vois, je veux dire, si l'homme me dit qu'il n'a rien à se reprocher, il n'y a aucun truc, il y a aucun inconvénient à ce qu'il me donne le mot de passe de son téléphone. Un homme qui cache le mot de passe de son téléphone, il faut savoir qu'il se reproche des choses. Il y a des choses à cacher. Même si vous dites quoi? Vous pensez qu'il est né de la dernière pluie. Vous pensez qu'on est né de la dernière pluie. Hein? Ok, après comme tu as dit Jordan, si c'est que ton couple, c'est votre ligne éditoriale, c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est tant mieux, ça je dis, c'est vous qui voyez, mais moi c'est pas comme ça. Un homme, on est en couple, tu me donnes pas le mot de passe de ton téléphone, je comprends que tu as des choses à cacher. C'est que le jeu de cache-cache que tu fais là, je vais te montrer que non, la femme est plus cachotière que l'homme. Quand même le serpent du diable a plus peur de nous, a peur de nous les femmes, c'est que toi, non, de toute façon je vais te cacher, sur toi tu vas se retourner, tu vas prendre les choses sur moi, tu vas dire, hey la fille, c'est donc tu as fait. Même si ce sont pas les choses négatives, même si ce sont les choses possibles, même mes projets, tout ce que je fais, tu ne seras même plus au courant. Parce qu'on va fonctionner en mode cache-cache. On va se voir, on va faire les bisous, mais personne, tu ne seras même plus rien sur moi. Vous êtes ensemble, vous me dites que vous avez la preuve ici. Draman, tu me demandes comment savoir si une femme t'aime vraiment. J'ai fait un live dessus. Va sur mon profil, tu vas suivre le live. Les signes qui montrent que la femme est amoureuse de toi. Tu vas pouvoir écouter ça. Parce que tout est détaillé dedans. Doit-on s'emporter parce que ton chéri a mis un petit nom de caresse sur ton numéro? N'a pas mis un petit nom de caresse sur ton numéro. Donne positive. Vous les femmes, vous avez quand même les faux problèmes. J'ai les faux problèmes. Donc, ton chéri ne met pas un petit nom sur ton numéro, tu te fâches. Tu dois t'emporter. Non, c'est une question que tu m'as posée. Non, je réponds à ça, non. Je dis non. Maintenant, s'il n'a pas mis ton numéro, qu'il a mis le numéro des autres filles, là, il y a problème. Tu vois, non, il y a un problème. C'est peut-être que ton chéri n'est pas le genre qui va, il aime appeler les gens par les petits noms, changer forcément les noms de téléphone. Tu t'appelles peut-être, comme tu t'appelles Dame, je ne sais pas si c'est ton nom, bah, je t'appelle par exemple, c'est pas Marguerite. Et qu'il a mis ton, s'il a mis ton, il a enregistré ton numéro avec le mot, avec ton nom Marguerite, il faudrait que même les autres filles aussi, ils aient enregistré, c'est leur vrai prénom. Parce que s'il a enregistré, t'appelles Marguerite, que les autres filles, il y a les peut-être que ma petite Rose, mon bébé, ma chérie, ou bien ma bestie et tout là, ça veut dire qu'il y a problème. Mais c'est que tous ces contacts, c'est enregistré avec leur vrai prénom. Je ne vois pas le problème en fait. Question de prénom, enfin, je vais dire le nom d'enregistrement. Pour moi, je vais dire ça, le faux problème, ça, le problème des enfants. Non, si tu mets mon nom, elle, ça dans ton téléphone, ça ne me dérange pas. Il faudrait juste que dans ton téléphone, ce soit vraiment ça. Pas que moi, pas, c'est elle, c'est moi qui suis ta femme. Et que pour les autres filles, tu mets ma Rose, mon bébé, ma choufle. Non. Mais c'est que c'est tout le monde comme ça. Pas tout. Si moi, ça ne me dérange pas. Tu m'appelles, tu mets mon prénom, ça ne me dérange pas du tout. C'est pas, je ne peux pas m'emporter pour ça. Pour moi, ce sont les détails. Merci de toujours recadrer les autres et de bien contextualiser les thèmes, bien sûr. Si je ne fais pas comme ça, beaucoup vont se perdre. Je suis en temps pour le live, il est 5h. Tu vas pouvoir suivre le live par la suite, Ignace. Je sais qu'il est 6h, il est très tôt chez toi. Pourquoi les hommes préfèrent donner beaucoup d'argent aux femmes?
C'est pour ça que je dis que quand vous êtes en début de relation, il ne faut pas donner beaucoup d'argent aux femmes. Je dis ça comme ça. C'est la vérité. Quand tu donnes beaucoup d'argent, il faut que tu donnes en sachant que tu vas pouvoir suivre le rythme. Il ne faut pas que le mois de janvier, tu donnes beaucoup. Février, quand il te demande, tu n'arrives plus à donner. Non. Tu donnes janvier beaucoup, février, tu donnes beaucoup. Mars, tu vas donner beaucoup. Ce sera toute l'année. Pendant des années, tu vas continuer comme ça. Je veux dire, ne faites pas, ne donnez pas en fait un rythme que vous n'allez pas pouvoir suivre. C'est ce que moi je reproche. En fait, c'est ce que moi je ne tolère pas. Ou bien je ne supporte pas. Ou je suis contre le fait ça. Quand tu prends un rythme, tu habitues ta femme à lui donner peut-être, je ne sais pas, 1 000 000 chaque mois. Il faudrait que chaque mois, tu puisses donner ça. Il ne faudrait pas que tu l'habitues. Tu touches peut-être, je ne sais pas, toi, un homme, tu touches peut-être 300 000 francs. Tu retires chaque fois, dans tes 300 000, tu touches jusqu'à 200 000, tu donnes à ta femme chaque fois, ou à ta copine. Même pas pour ça, ta femme peut comprendre parce qu'il y a les charges de la maison, les 200 000, peut-être parce qu'il y a la ration, il y a les charges des enfants, mais c'est ta copine. Vous n'avez pas d'enfant, tu donnes 200 000, c'est-à-dire les deux tiers de ton salaire. C'est normal. Chaque mois, il faut que tu donnes ça comme ça. Parce que tu commences à 200 000 après, maintenant tu donnes 50 000. C'est normal qu'elle se fâche. Ça devient des problèmes. Parce que tu l'as buté, mais que toi-même, tu ne peux pas tenir. Parce que tu voulais lui faire plaisir. Tu voulais, en fait, jouer pour le bon samaritain. Non. On ne se joue pas pour le bon samaritain en début de relation. On est vrai. Tu touches 300 000 francs. Tu donnes tes 20 000. Tu donnes tes 20 000 chaque mois comme ça. En fait, tu commences à avoir une somme que tu es sûr que sur le long terme, tu vas tenir. Tu commences pas à avoir une somme que tu ne vas pas tenir. Non. Fais pas ça. N'impressionne pas. Franchement, ce que tu dis, c'est la vérité. Rien que la vérité, bien sûr. Je ne doute même pas de ce que je dis. Parce que je réfléchis avant de dire, avant d'affirmer ce que je suis en train de dire. Moi, je ne veux pas. L'histoire de téléphone, là, c'est confidentiel. Bon, après, comme je l'ai dit, c'est chacun qui donne la cadence dans son couple, non? Donc, si pour vous, le fait que vous soyez en relation, le téléphone est confidentiel, c'est vous qui voyez. Mais moi, mon idéologie, c'est que quand on est en relation, le fait qu'il ait le mot de passe de ton téléphone, est-ce que ça fait en sorte que ton téléphone est plus confidentiel? Je ne comprends pas. Je me dis, pourquoi est-ce que si mon chéri, peut-être, je ne sais pas, peut-être on ne s'est pas vu, peut-être ça fait une semaine, il veut voir peut-être les photos que j'ai faites en tout temps, il ne peut pas accéder à mon téléphone pour voir les photos. Pourquoi en fait? Je me dis, en fait, comme il dit après, c'est chaque personne qui donne la ligne éditoriale à suivre dans son couple. Mais moi, je ne vois absolument aucun inconvénient de le mot de passe à mon chéri. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il me donnerait pas son mot de passe. Je veux dire, qu'est-ce que tu as caché en fait? Si c'est que tu trouves que tu n'as rien à cacher, je veux dire, tu lui donnes normalement. Ceux qui cachent, moi, je dis que celui qui refuse de donner son mot de passe, c'est parce qu'il casse des choses. Une femme qui refuse de donner son mot de passe, c'est parce qu'elle casse des choses. Vous connaissez le gars, le blogueur, c'est l'influenceur Bertrand M. Vous avez vu comment est-ce qu'il fait sortir des réalités de certains couples. De certains couples, à cause des téléphones, que l'homme n'a pas le mot de passe, la femme n'a pas le mot de passe. Je crois que son principe, c'est arrêter les deux couples en route. Il rencontre deux couples, il demande à dévorer le téléphone, il voit un peu des discussions. Vous voyez ce qui sort des discussions. Vous voyez, tu avais un homme comme ça, là, tu ne connais pas ce que ta femme fait derrière. Et tout ce qu'elle fait, c'est dans son téléphone. Il veut dire que la vraie personnalité d'un homme, c'est-à-dire avec grand H, homme comme femme, c'est dans son téléphone, c'est pas dans sa bouche. Elle peut te dire des belles paroles, mais c'est dans son téléphone que tu vois vraiment sa réelle personne. Sa vraie vie, c'est dans son téléphone. Qui elle est là, c'est dans son téléphone. Si c'est que tu n'as rien à cacher, enfin, tu donnes le mot de passe. Si tu ne donnes pas ma chérie, c'est parce que tu sais qu'au fond, il y a des trucs que tu sais que ton chéri ne doit pas voir. C'est pour ça que tu ne donnes pas. Et dans ce cas, ça veut dire que tu n'es pas transparente. Moi, je suis transparente. S'il prend mon téléphone, enfin, pour moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai rien à cacher, donc, enfin, s'il voit mes photos, ça ne me dérange pas. Si, c'est pas. Un homme aussi qui est mature, il me dit quand vous êtes ensemble, nous sommes deux personnes matures. Donc, c'est pas que je sais que je vais lui donner mon téléphone. Il va aller peut-être voir mes conversations à mes copines pour dire que ma chérie parle même de quoi ses copines et tout. Enfin, il va pas chercher à aller. Un homme va pas chercher à savoir ce que tu dis à tes copines. Non, c'est pas ça. Quand la relation est transparente, il ne va même se décider de vous parler à vouloir lire peut-être tes conversations avec tes copines et tout. Non. Pareil pour moi, même si j'ai le mot de passe sur son téléphone, mais je ne vais jamais penser que bon, il va aller lire les conversations qu'il a avec son pote. Non, 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 non. Tu peux aller fouiller. Si maintenant il te donne l'occasion, il te met dans la situation où tu commences à avoir les doutes sur sa sincérité. Il commence à rentrer tard. Il ne t'appelle plus. Il est tout le temps absent. Il n'est plus attentionné. À ce moment-là, tu commences à fouiller. Tu fouilles son téléphone. Je fouille. Je fouille, je refouille, je farfouille. Parce que ça évite que je perde mon temps. Ça évite que je me questionne. Je dis que moi, je suis une fille, je ne veux pas réfléchir. Je ne veux pas les questionnements dans ma tête. Je suis une fille très. Il y a tellement de choses dans sa tête que je ne veux pas les trucs qui vont me faire un peu réfléchir. Non, il y a trop de choses à faire pour pouvoir réfléchir sur les futilités. Tu me donnes l'occasion de douter, mon cher ami, tu dois fouiller dans ton téléphone, bien sûr. Parce que sinon, tu ne me donnes pas l'occasion de douter, soit transparent, soit honnête. La relation, c'est l'honnêteté. Si tu n'es pas honnête, c'est normal que je sache. Et je pourrais même savoir ça très tôt. Je pourrais savoir ça dès le départ. Si peut-être tu me trompes ou bien, je ne sais pas, tu fais des bêtises dehors, je dois pouvoir savoir ça. Ça m'évite de perdre mon temps. Et comme elle dit, le fait que j'ai le mot de passe sur son téléphone, je ne vais jamais me fouiller dans ses conversations privées, dans ses conversations avec ses amis tout. Sauf si, je vais aller fouiller dans son WhatsApp, sauf si justement il me donne l'occasion, c'est-à-dire il commence à faire en sorte que je doute de ce qu'il me dit. À ce moment-là, je fouille, bien sûr, pour avoir la certitude et éviter de me poser des questions inutiles.
Verset 2 de... Oui, Jordan, dans le mot de passe, pardon. Tu peux être avec une fille, tu n'as pas le mot de passe dans ton téléphone, c'est pas de quoi demain est fait. Merci pour vos conseils, c'est gentil de votre part. Je t'en prie. Ce mot-là, je veux seulement. Donc, merci, ma grande, je t'en prie. Je me suis emportée. Lui-même s'est excusé. Moi-même, j'ai eu un peu honte après. Voilà. Je suis ravie que tout soit rentré dans l'ordre. Et ton discours, c'est vraiment intéressant. Tu dis, tu sais un peu la vérité. Ah, moi, je suis une personne très véridique. Je dis tout la vérité. Quitte à ce que ça plaise ou ça en déplaise en certaines personnes. Rien à foutre. Je dis la vérité. La vérité est toujours difficile à avaler. Donc. Oui, mais. Oui, moi. C'est ce que je dis. L'amour partage tout. Tout à fait, justement. L'amour partage tout. Surtout les mots de passe, en fait. Il y a dit quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, ne va pas, va pas refuser de donner son mot de passe. Quelqu'un qui refuse de donner son mot de passe, ma chérie, il faut savoir qu'il y a des choses à cacher. Ah oui. Mieux, il te donne son mot de passe, même s'il cache, donc, il a peut-être les logiciels, les applications, il cache, il peut cacher les trucs dans les applications, mieux. Au moins, tu sais quand même qu'il t'a donné le mot de passe, au moins, tu sais quand même qu'il a quand même la volonté. Ça veut dire que même ceux qui te trompent et qui cachent les preuves de son infidélité vraiment dans les applications, parce qu'il y a beaucoup d'applications, surtout dans Android, beaucoup d'applications pour cacher les choses comme ça, mieux. Mais tu me donnes le mot de passe, même si tu vas cacher des applications, il n'y a pas de souci. Donc, au moins, si tu fais ça discrètement. Comment faire si mon homme devient distant? C'est une relation à distance. Et dis toujours que le secret d'une relation, c'est la communication, machin. Il faut communiquer avec lui directement. Mais il faut mettre le sujet sur la table. Quand ça ne veut pas parler, s'il vous plaît, ne dormez pas avec les trucs sur le cœur. Vous êtes trop jeune, la vie est tellement courte, en fait. Quand tu remarques qu'il est distant, machin, pose-lui la question. Que chérie, j'ai remarqué que tu es distant, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien ou te passe? Est-ce que c'est le travail qui te stresse? Est-ce que pose-lui la question directement. Et que le secret d'une bonne relation, c'est la communication. Moi, j'ai appris ça avec le temps. Je vous dis ça, c'est la vérité. Quand ça ne va pas, moi, je suis quelqu'un que je ne veux pas dormir avec les mots de cœur. Je ne veux pas dormir en réfléchissant. Moi, j'évite les questions dans ma tête. J'évite que je me dors. Je pense que bon, pourquoi est-ce qu'il est distant? Pourquoi il ne m'a pas appelé? Pourquoi? J'évite tout ça. Donc, je parle directement. Quitte à ce qu'après, il ne me réponde pas. Quitte à ce qu'il me donne des excuses que je ne comprends pas. Au moins, si j'ai vidé mon cœur. Vide ton cœur, maman. Vide ton cœur. Pose la question. Parce que tu vas te poser la question. Tu vas commencer à faire les statistiques. Tu vas déjà faire les probabilités que bon. Peut-être que si. Non. Tu n'es pas venu sur terre pour faire les peut-être. Tu es venu pour vivre la certitude. Tu as dit la réalité. Demande-lui directement, ma chérie. Pourquoi est-ce qu'il est distant? Tu essaies de comprendre. Maintenant, s'il ne te répond pas qu'il est distant, il faut comprendre que de l'autre côté, vous êtes à distance, de l'autre côté, il a rencontré un autre go. Parce que c'est peut-être le stress, parce que parfois, un homme peut être distant parce qu'il traverse des moments difficiles au travail, peut-être il a des problèmes familiaux, il a des problèmes peut-être financiers et tout. Il doit pouvoir t'expliquer ça, c'est ton chéri. Tu dis que chéri, dis-moi tout, qu'est-ce que tu traverses, pourquoi tu es distant? Moi, je vais te demander ça, tu dis bébé, dis-moi tout. Tu sais que tu es mon complémentaire, tu es mon binôme. Donc, quand tu souffres, je souffre aussi. Donc, je souffre de ne pas savoir ce qui se passe. S'il te plaît, épargne-moi de cette souffrance. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas, bébé. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que tu as des problèmes financiers? Est-ce que ta famille, tout se passe bien? Est-ce que... Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Il va te dire. Maintenant, s'il ne te dit rien, ou bien que tu l'appelles, il ne répond pas. Tu envoies les messages, il ne te répond pas. Il faut savoir, ma chérie, que de l'autre côté, là, forcément, il y a un autre goût à côté. Oui, un autre goût. Parce que quand c'est n'importe comment, quand c'est ton chéri. Normalement, dans les relations, vous devez pouvoir créer une certaine complicité avec vos chéris. Parce que quand tu crées la complicité avec ton chéri, ma chérie. Quand tu crées la complicité avec ton homme, ma chérie, il faut savoir que quand il aura un problème, c'est avec toi qu'il va l'avoir se tourner. Quand les hommes ont souvent les problèmes, ils ne se tournent pas avec leur partenaire. C'est parce que leur partenaire ne les a pas encore rassurés, ils ne se sentent pas encore en confiance, ils ne se sentent pas encore en sécurité. Parce qu'un homme, là, il vous assure, mes chéris. Quand un homme sait qu'il a une femme ou il a sa copine qui est une personne de confiance, il y a une personne qui ne le jugera pas, une personne qui est toujours à l'écoute, qui est tendre, qui est douce, qui est attentionnée. Peu importe le problème qu'il a, c'est d'abord avec toi qui se tourne. Tu es la première personne qui l'appelle. Que voilà, je viens peut-être de perdre mon boulot. Voilà, j'ai tel problème à la maison. Voilà ma maman qui est malade. C'est d'abord toi qui l'appelle. Mais c'est que tu n'es pas une personne qui lui inspire confiance. Tu n'es pas une personne attentionnée. Chaque fois qu'il veut te parler peut-être d'un problème, tu t'enflammes. Tu n'es pas douce, tu n'es pas attentionnée, tu n'es pas attentive surtout. C'est normal que quand il traverse des situations, il ne t'en parle pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il devient distant. Parfois, c'est ça, en fait. Parfois, les femmes ne sont pas aussi très attentives. Du coup, parfois, les hommes se replient sur eux. Donc, ils préfèrent rester dans leur coin. Ils sont parfois distants. Parfois, les hommes qui sont distants, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup de problèmes. Ils préfèrent se retirer. Mais quand tu installes un climat, une atmosphère de confiance, une atmosphère de complicité avec ton chéri, quand peu importe ce qu'il traverse, bonheur comme malheur, tu es la première personne qui l'appelle. Donc, un mec qui vient t'écrire après... des jours, chaque fois, mais il est souvent en ligne. J'ai mis un thème à la relation. Je ne voulais plus me prendre la tête. Maman,
Un mec qui te montre, quand un homme, tu l'écris, il ne te répond pas, putain, il y a un lit, ma chérie, un jour. Parce qu'il faut que vous compreniez, il faut que vous compreniez une chose, ma chérie. Tu peux, pardon, tu peux écrire un homme à 8h, il te répond à 9h, même si t'es en ligne à 8h. Comme elle dit, le fait qu'une personne soit en ligne, ça ne veut pas dire que la personne est causable. Je dis toujours ça. Ça ne veut pas dire que la personne est causable. Même comme je trouve que quand tu es en relation avec une personne, quand la personne t'écrit, tu réponds, même si c'est que tu n'as pas envie de discuter avec la personne. Moi-même, quand j'étudie, quand je travaille, bébé m'écrit. Je vois la notification et pas répondre. Peu importe ce que je fais, pas répondre. Et pas répondre. Mais je veux dire, si c'est que tu écris à ton chéri, tu l'écris à 8h, il est en ligne à 8h, tu vois bien que ça met sur WhatsApp en ligne, il te répond peut-être, il te répond pas. 9h, il te répond pas, 10h. Le lendemain, il te répond toujours pas, ma chérie. Il faut savoir que tu n'es plus sa priorité. Il y a les messages qu'on transmet dans le silence. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les messages qu'on dit. Ce n'est pas tout, en fait, qui s'exprime par la parole. Il y a la discussion silencieuse. Donc, comme je dis, le silence aussi, c'est un message. Donc, quand un homme est silencieux face à toutes tes questions, face à tous tes messages, il faut comprendre que c'est un message qui t'envoie. Un message où tu te dis clairement qu'il n'a plus envie de la relation, il n'a plus envie de toi. Et tu gagnes temps, tu passes à autre chose. Parce qu'aucun homme qui aime sa chérie, ta femme va t'écrire à 8h, tu es connecté en ligne. En plus, que vous êtes à relation à distance. La relation à distance a besoin, en fait. C'est peut-être quand vous savez que les relations qui sont dans la même ville, si tu vis dans une ville avec ta chérie dans la même ville, et que peut-être tu t'investis à peut-être à 60%. Il faut savoir quand vous êtes à distance, tu dois t'investir à 90%. C'est-à-dire les relations à distance demandent beaucoup de disponibilité, beaucoup d'énergie, beaucoup de communication. Les relations à distance sont les plus difficiles. Ça demande beaucoup de force, beaucoup de confiance. L'atmosphère doit pouvoir être une atmosphère de confiance. Donc quand l'autre écrit, tu dois pas faire vu. Parce que quand vous êtes dans la même ville, ton chéri peut t'écrire à 8h, tu dis que bon, je vais lui répondre après, je vais aller chez lui le soir. Tu sais que tu vas aller chez lui le soir, ça passe, tu ne réponds même pas. Je sais que le soir, tu vas le voir. Mais quand vous êtes en relation à distance, quand ta chérie t'écrit, tu as obligation de répondre directement. Dès que tu peux, tu réponds. Parce que dès que tu ne réponds pas, en plus à distance, la distance là, ça prend dessus sur vous, c'est-à-dire que ça commence à vous éloigner. Parce qu'il n'y a plus cette proximité, il n'y a plus cette confiance. La femme commence à se poser des questions, mais pourquoi il ne me répond pas? Je le vois en ligne et tout. Et à ce moment-là, le doute s'installe et comme ça, la confiance commence à s'effriter. La confiance que vous avez l'un en l'autre, là, ça commence à disparaître petit à petit, petit à petit. C'est ce qu'il faut éviter. Un homme, tu lui écris, toi, sa femme, tu lui écris. À 8h, il t'écrit, lui, il te répond le lendemain. Pourtant, il est connecté toute la journée, ma chérie. Il faut savoir que tu es plus sa priorité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des trucs qu'on ne dit pas ouvertement. Il y a des trucs que parfois les hommes veulent te quitter. Mais il ne va pas te dire que ma chérie, je veux mettre un terme à la relation. Les hommes qui n'arrivent pas à le dire, ils préfèrent toujours faire vu. Ils commencent à être distraits, ils ne répondent plus. Tu appelles, ils ne prennent plus. Tu comprends, ma chérie. Le fait qu'ils fassent ça là, c'est déjà un signe, c'est déjà un message qu'ils t'envoient. C'est te dire que la relation est terminée. Sauf qu'ils ne peuvent pas te dire ça comme ça. Mais sauf qu'ils préfèrent prendre ses distances et partir. Ça, c'est aussi un message. Je vois au bas de ton direct les choses à ne pas faire au début d'une relation. Quoi donc, tu peux nous dire, s'il te plaît. Dame positive, j'ai à dire les choses à ne pas faire, non. Tu vas réécouter le live, s'il te plaît. Tout le live, je parlais de ça pendant même les premières 1h30. Tu dois encore me répéter ici, c'est qu'on va dormir ici, ma chérie. Dès que j'arrête le live, tu réécoutes, s'il te plaît. L'absence de réponse de la part d'un partenaire aussi une réponse claire. Merci, Hugo. Merci, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire comprendre. Le fait qu'il ne te donne pas une réponse, c'est déjà aussi une réponse. Le silence, c'est une réponse. C'est un message qui te transmet aussi. Il faut que les gens comprennent ça et que les gens arrêtent de courir derrière les personnes qui ne veulent pas d'eux dans leur vie. Merci. Il se confie bien, mais il est devenu distant et refuse que je lui rende visite pour motif. Pour motif qu'il n'a pas les moyens. Les moyens pour faire quoi? Pour lui rendre visite, les moyens, je n'ai pas compris. Tu sais, peut-être c'est lui qui doit payer ton transport, qui te dit qu'il n'a pas les moyens, ça se comprendrait que bon, c'est lui qui a habitué à payer ton transport. Toi, tu peux peut-être payer le transport pour aller le voir. Et qui te dit que tu veux venir, tu dis chérie, il veut venir, tu te dis qu'il n'a pas les moyens, ça dit qu'il ne peut pas te prendre peut-être le billet pour le transport. Tu comprends en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, tu comprends qu'il n'a pas les moyens. Mais c'est que tu es capable de payer ton transport, c'est-à-dire le fait qu'il n'ait pas l'argent, ça ne te dérange pas. Enfin, je vois qu'il ne veut pas que tu lui rendes une visite. Ça veut dire que le motif qui te sort, qui sont d'argent, ça ne tient pas la route. Ça veut dire que ça ne tient absolument pas la route parce que, enfin. Je veux te voir. Mon transport, c'est moi qui paye. Pourquoi est-ce que tu me dis que tu n'as pas l'argent? Est-ce que tu as dit que tu me payes le transport? C'est moi-même qui me paye mon transport, aller et retour. Donc, que tu n'aies pas l'argent, que tu as l'argent, ça me laisse à 37 degrés. Donc, tu ne peux pas me dire que non, on ne peut pas se voir parce que tu n'as pas l'argent. Enfin, où est le rapport, en fait? Donc, vous êtes en relation à distance. Mais si c'est sa façon de me dire de me partir, pourquoi il revient à chaque fois faire son cinéma chez moi, venir voir ma fille, ma soeur? Vous connaissez les hommes malhonnêtes. Ou bien les hommes infidèles, parce que parfois, quand tu lui écris les distants, là, peut-être parce que j'ai le deuxième dossier, tu ne sais pas ça. Ça veut dire qu'il y a des signes. On n'a pas besoin de tout vous dire, mes chéris. Il y a des trucs qui sont, que vous devez comprendre par vous-même. Un homme que il est disponible peut-être de lundi à mercredi. Tu l'appelles
Il est là, il vient voir ta soeur et tout. Peut-être de jeudi à dimanche, il n'est pas disponible. Et il ne te donne pas de raison. Tu comprends quand j'ai un autre dossier. Peut-être vous êtes deux sur le mouvement. Vous êtes deux, vous êtes, vous avez, il a peut-être deux ou trois go. Donc ici, il est un peu, il donne un peu ici de sa disponibilité. Il donne un peu ici, il donne un peu ici. Donc il vient faire le cinéma quand il sait qu'il est disponible pour toi. Mais après ça, dès qu'il finit de faire le cinéma, toi-même tu dis qu'il fait le cinéma. Toi-même tu dis à tout en fait de par ton discours. Tu restes encore dans ça pour faire quoi, ma chérie? Tu restes dans ça pour faire quoi en fait? Tu dois partir de cette relation, c'est pas une relation ça. Vous connaissez les hommes, il y a les hommes malhonnêtes, mes chéris, vous assurez qu'il y a les hommes malhonnêtes. Ils reviennent quand ils se rendent compte, peut-être là-bas, dans sa deuxième relation, ça ne va pas, ou bien la fille, elle est un peu énervée. C'est là où ils viennent te recontacter, te dire, ouais, pardon, désolé, je t'ai occupé, fais ça, tu es occupé jusqu'à ce que moi, ta copine, je t'écris, ou bien ta femme, je t'écris, tu ne me réponds pas. Occupé par rapport à qui? Pendant 2, 3 jours, je t'appelle, tu ne réponds pas, je t'écris, tu ne réponds pas. Vous savez, quand t'es temps, tu gères un autre mouvement. Si tu gères un autre mouvement, moi aussi, je gagne temps, je cherche aussi un autre mouvement, je me cherche. Vous pensez qu'on est venu courir des gens sur terre, si, ok. Quelqu'un qui connaît sa valeur ne supplie pas l'amour, ne supplie pas les amitiés. Donc, quand tu sais que tu n'es pas à ta place, tu pars. Garder une communication avec son ex, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Ça dépend. Moi, je dirais que si vous n'avez pas d'enfants déjà, si peut-être vous avez les enfants, d'accord, vous avez la communication parce que vous avez un lien à vie, c'est-à-dire les enfants. Maintenant, si vous n'avez pas d'enfants qui vous lient et que cette communication nuit à ta nouvelle partenaire, tu as obligation d'arrêter communication avec ton ex. Il faut que tu comprennes ça. Si vous n'avez rien qui vous lie, peut-être vous n'avez même pas d'entreprise, peut-être que vous avez fondé ensemble, parce que vous avez une entreprise que vous avez fait ensemble, il y a vos deux noms sur les papiers, là, je veux dire, il y a un truc qui vous lie, peut-être les enfants, les entreprises, des trucs comme ça. Mais il n'y a rien, vous avez fini la relation, copain, copine, il n'y a rien qui vous lie. Tu entres dans ta nouvelle relation, ton ex, vous êtes tout le temps au téléphone, ça commence à déranger ta nouvelle partenaire. Mais tu as obligation d'arrêter tout contact, toute communication avec ton ex, mon frère, par respect pour ta partenaire. Parce que c'est que ton ex respecte ta nouvelle relation, elle saura qu'il y a certaines heures où on ne peut pas t'appeler. On ne peut pas aussi t'écrire tout le temps. Ton ex, vous écrivez tout le temps, tout le temps. Vous écrivez quoi? Vous dites quoi qu'on n'ait pas pu vous dire quand vous étiez ensemble? Vous dites quoi en fait? Moi, tu as un don. On est ensemble. Ton ex t'appelle tout le temps. Moi, je vais te dire que bloque là. Tu ne la bloques pas. Prends ton téléphone vu que j'ai le mot de passe. Non, je bloque. Ou bien je vais te dire que retourne avec elle. Parce que, enfin, quand on dit ex, ça veut dire exit, ça veut dire qu'il est sorti de ta vie. Ex, là, c'est une abréviation de exit. Vous savez ça, non? C'est exit, ça veut dire en anglais sorti, en français. C'est un mot anglais, ça veut dire sorti. Donc, quelqu'un qui est sorti de ta vie, tu es tout le temps en contact avec la personne, pourquoi? Si vous avez les enfants, ou bien vous avez un projet en commun, comme une entreprise que vous avez lancée, quand vous étiez ensemble, ça se comprend. Mais vous n'avez rien de tout ça. Tout le temps, vous voyez, ça se... tu es dans ta nouvelle relation, tu dis que, mon ex et moi, on a décidé d'aller prendre un pot. C'est un pot de quoi? Vous partez prendre un verre d'eau, pourquoi? Ton ex et toi. On te dit que retourne avec elle. Il y a des communications n'est pas permise. Quand il n'y a pas de lien, n'est pas permise. Le mec fonctionne en tandem. Il y a des femmes qui ne veulent pas toujours. Qui ne veulent. Il y a des femmes qui ne veulent pas tout partager, surtout côté téléphone, de même côté les hommes. Il y a aussi des hommes et des femmes sincères, merci. On dit la même chose. Je suis en train de dire que. Les personnes qui ne veulent pas partager, là, je vous ai dit toujours que dans la relation, au début de relation, c'est pour ça qu'il faut parler des sujets fondamentaux. Donc, tu as dit même au niveau de la privacy, il faut dire que avec ton chéri, vous pouvez vous mettre d'accord, vous puissiez vous mettre d'accord. Est-ce qu'il a besoin, il a droit à toucher ton mot de passe? Si tu dis non, et que toi aussi tu ne trouves pas le problème, est-ce que il ne touche pas ton mot de ton téléphone, il n'a pas droit à ton mot de passe, et que pour toi aussi tu ne veux pas lui donner ton mot de passe, et que vous fonctionnez comme ça, c'est tant mieux. C'est-à-dire que c'est pour vous. Je veux dire, c'est mieux. Je veux dire, vous êtes tous consentants, vous savez où vous partez. Donc vous avez à fixer vos bases. Si vos bases, c'est que le téléphone, c'est chacun pour ça, chacun met son téléphone, et si toi tu mets ta part, la personne ne touche pas pour l'autre. Je veux dire, c'est votre base que vous avez fixée. Mais moi, ce que même je conseille aux gens, c'est que tant que vous êtes en relation, il n'y a pas de privacy, donc je dois avoir le mot de passe de ton téléphone. Ça, c'est sûr. Donc c'est naturel en fait. C'est naturel. Donc, peut-être mon téléphone, peut-être je n'ai pas peut-être les unités. Je veux passer un appel. Je ne peux pas prendre ton téléphone pour appeler. Pourquoi? Pourquoi? Enfin. Après, je dis si c'est votre. Les principes je respecte les principes de chacune, chaque relation, mais moi, ce n'est pas un truc que moi je tolère en tout cas et que j'encourage. Est-ce que c'est obligatoire que ma chérie puisse connaître le mot de passe de ma carte bancaire, tout le montant? D'argent que je gagne. Non. Là, maintenant, c'est carte bancaire. Non. Ce n'est pas obligation. Mais si tu veux le donner, c'est normal. Mais elle ne doit pas t'exiger d'avoir le mot de passe de ta carte bancaire. Non. Elle ne doit pas t'exiger cela. Non. C'est pas obligé.
Donc, elle n'est pas obligée de connaître exactement ce que tu gagnes ou de te donner le mot de passe à quatre banques. Qu'est-ce que c'est que vous êtes arrivé à un stade où peut-être vous êtes même marié? Parce que copain, copine, moi, je ne dirais pas à un homme de donner le mot de passe à sa copine. Hein. Non, les hommes sont droits. Ils diraient non, non, moi, je suis une femme, je ne vais pas te donner mon mot de passe. Mot de passe de carte bancaire. Même si vous décidez de le faire, je vais dire. Ça doit être naturel, ça doit pas être que c'est obligation. Tu peux décider que, bon chéri, voici le mot de passe de ma carte, parce que pour aller au supermarché, tu peux l'utiliser, tu peux même aller t'offrir un truc et tout. Tu peux, ça veut dire, c'est toi qui décides naturellement. Mais c'est pas que là, c'est une obligation, que si tu ne lui donnes pas ça, elle va on va dire que non, tu ne l'aimes pas ou bien non, ça veut rien dire. Carte bancaire, là, tu n'es pas obligé de lui dire le montant exactement de ce que tu gagnes. Non, il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là, non. Parce que la femme, même les femmes en général, ne disent même pas combien est-ce qu'elles gagnent. Pourquoi est-ce qu'elle va obliger l'homme? Moi, je sais qu'une femme, si c'est que je sais que je ne suis pas capable ou je ne suis pas prête à dire à l'homme exactement combien je gagne le mois, je ne dois pas pouvoir me placer et exiger qu'il lui me dise de sa part. Non. Comment dire dans la vie, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne demande pas autrui ce que tu n'es pas capable de donner. Tu devrais te demander de me donner ton montant, donc combien tu gagnes par mois, alors que je ne suis pas capable de te dire ce que moi je gagne. Enfin, c'est que moi, je suis égoïste. C'est que je suis égoïste. Moi, je ne fais pas ça. Si c'est que je te demande le montant, tu me donnes. Quand tu me retorques la question, moi, je dois te le donner. Je dois te répondre, en fait. C'est naturel en fait. Je veux dire, ça doit être que si je fais, si je veux dire, si je t'exige un truc, faudrait pas que quand toi tu m'exiges la même chose, je me fâche ou bien je ne fais pas. Non. C'est que toi tu me donnes le mot de passe de ta carte, naturellement ça va, c'est toi qui m'as donné, tu vois, c'est naturel. Mais je peux pas exiger à un homme que je veux le mot de passe de ta carte bancaire, je veux savoir combien il y a dedans. Non, non, ne fais pas ça. C'est pas important pour une relation. Mathieu, j'ai tout suivi, tu es vraiment forte, pleine d'énergie, t'encourage. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et si au moment où tu te plains de cela, ton mec te fait savoir ouvertement qu'il aime toujours son ex, comment réagir? Il y a une vidéo que j'ai même faite dessus, c'est toujours dans les programmations de cette semaine-là. Quand un homme te dit qu'il aime toujours son ex, il veut dire que personne n'est venu sur terre pour servir d'essuie-larmes ou pour servir de lèche-botte. Non, personne n'est venu, tout le monde est venu sur terre écrire son étoile, tout le monde est venu sur terre briller. J'ai même fait la vidéo où j'ai dit que mon étoile brillera toujours. Écrivez ça en commentaire, les gens écrivent en commentaire. C'est une façon de te dire que. Un homme ou une femme qui aime toujours son ex, tu le laisses avec son ex. Ou tu le laisses d'abord, je veux dire, se remettre de la séparation, c'est-à-dire qui décide de couper les poings à son ex. Non seulement qui coupe les poings à son ex, mais tu le laisses le temps de guérir de son ex, c'est-à-dire de guérir des blessures. Parce que si tu te mets avec un homme qui a toujours son ex en tête, tu ne seras jamais heureux. Ou tu ne seras jamais heureuse de toi, une femme. Une personne qui a toujours son ex en tête, non, il faut savoir que toi, tu ne peux pas le perdre. Tu ne peux pas faire en sorte qu'il oublie son ex. Là, toujours son ex, malgré, dans sa tête, malgré que vous êtes ensemble, c'est pas toi qui vas faire le miracle. La séparation, là, c'est une guérison individuelle. Je dis toujours ça. Je dois guérir de mes séparations seule. Je ne dois pas me mettre en couple et c'est le nouveau gars qui je veux dire, qui paye les pots cassés de ma séparation. Non, ça ne se fait pas. Ça veut dire que moi, je ne me respecte pas et je ne le respecte pas non plus. Je ne respecte pas la nouvelle personne en face de moi, non. Une personne qui aime toujours son ex, tu lui laisses. Tu lui dis que, ok, moi, un homme, tu me dis que tu aimes ton ex. Je lui dis qu'il n'y a pas de souci. Va finir ta relation avec ton ex. Va, tu guéris bien. Tu prends même ces 2 mois, 3 mois. Avant de revenir. Si tu reviens que je suis encore célibataire, tant mieux. Si je suis apprise, c'est ton problème aussi. Si tu reviens que je suis encore peut-être attirée par toi, tu m'intéresses toujours, c'est tant mieux. Mais si tu reviens que tu m'intéresses plus, gars, tu m'as perdu tout simplement. Je ne suis pas là pour essuyer tes larmes tout le temps. On est couché ensemble, tes pensées sont toujours vers ton ex, ou bien tu pleures, tu es triste tout le temps, tu vois toujours triste parce que tu as perdu ton ex. Non, je ne suis pas essuyer l'âme de quelqu'un, non. Je sais ce que je veux. Je dois être la priorité d'un homme. Je ne dois pas être la personne qui vient après son ex, c'est quoi? Par rapport à quoi? Ne restez pas dans de pareilles relations, s'il vous plaît. Un homme, quand la relation finit, chacun guérit individuellement. La séparation est une guérison individuelle. C'est pas qu'on ne t'aide pas à oublier quelqu'un, non. Comment savoir qu'on est amoureux de toi? J'ai fait une vidéo dessus, les signes qui montrent qu'un homme t'aime ou qu'une femme t'aime. J'ai fait une vidéo dessus, Randy. Tu peux aller regarder ça. J'ai fait un live dessus. Tu peux aller regarder ça parmi les directs sur ma page. Comment savoir qu'une fille est amoureuse de toi? J'ai fait un live par rapport à ça. Si tu peux regarder ça, s'il te plaît, parce qu'il y a tellement de choses. Tellement de points. Non, je ne donne aucun mot de passe à quelqu'un. J'ai dit pour le téléphone, tu dois me donner. L'homme doit donner. Maintenant, pour la carte bancaire, c'est lui qui voit. S'il me donne tant mieux, s'il ne me donne pas tant mieux, là, je n'exige pas. Mais pour le téléphone, il exige. Quand on ne connaît pas ce qui peut se passer demain. Hey. Tu as pris du poids. N'ai pas pris du poids, désolé. J'ai pas pris du poids. Mais dans le mariage, l'un comme l'autre doit donner le numéro de sa carte bancaire. Moi, je trouve ça normal et je le ferai avec mon épouse.
Attendez, Christian l'a racheté. Toi, tu as précisé ton époux. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre copain, copine et femme, et mari et femme. Il faut pas qu'on... Je dis, on ne brûle pas les étapes dans la vie. On ne brûle pas les étapes. Ce que tu peux faire avec ta femme, là, tu ne peux pas faire ça avec une copine. Il y a les privilèges qu'on offre à une femme, qu'on n'offre pas à une copine. Il faut qu'on comprenne ça. Quand tu es dans la relation, vous êtes encore go égal, là. Il y a certains privilèges que tu ne peux pas donner à l'homme, que tu vas donner à ton mari. Oui, c'est la vérité. Toi-même, tu dis que tu vas faire ça à ton épouse. Ça veut dire que tant que tu n'es pas encore marié, c'est un truc que tu ne peux pas encore donner. Un homme, là, il peut offrir la voiture même des millions à sa femme. Mais à sa copine, hein, il va sortir des millions à sa copine. Il va réfléchir par deux fois. Et c'est normal. La femme aussi, pareil. Il y a des trucs qu'elle ne peut pas faire pour un homme quand c'est seulement encore son gars et tout. Ou bien c'est seulement, ils sont encore en mode fiancé. Tant qu'ils ne sont pas officiellement mariés, tout que tu ne peux pas faire. C'est vrai. Moi, mais tout que tu ne peux pas faire, c'est juste pas officiellement marié devant le maire, devant le prêtre. Non. Même les fiançailles, là, ce n'est pas suffisant. Et c'est normal. Toi, tu dis que tu es dans le mariage. Mariage, c'est normal. On peut dire que bon, on se donne les mots de passe des cartes, on crée un compte commun et tout. Et ça, c'est différent, c'est le mariage. Mais copain, copine, ce n'est pas ça. Alors, le live, il parlait des débuts de relation. Début de relation, vu que vous êtes copain, copine, il n'y a pas d'obligation que tu dois donner le compte bancaire ou bien le mot de passe de ton compte bancaire à ta copine. Parce que vous êtes encore copain, copine. Non. Non, quand vous êtes marié, c'est différent. Vous avez peut-être les enfants, il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup de paramètres à considérer. Ce n'est pas pareil que quand vous êtes copain, copine. Merci pour ta compréhension. Pour ou contre les rapports sexuels avant mariage, surtout que le sujet peut être facile dans une relation. Tandon Junior, pour ou contre les relations sexuelles avant le mariage, moi je dirais surtout que les relations sexuelles ne définissent pas ne définissent pas la personnalité, donc la vraie personnalité d'une femme. Donc maintenant, pour ou contre, ça dépend maintenant de l'homme et de la femme. C'est pour ça que ce sont des sujets fondamentaux qu'il faut débattre dès le début. Donc, quand vous êtes dans les premières semaines, là, tu demandes à la femme qu'est-ce qu'elle pense peut-être du sexe. Est-ce qu'elle est peut-être vierge? Comment est-ce qu'elle voit si peut-être elle est vierge? Est-ce qu'elle veut se marier vierge? Est-ce que toi, tu vas supporter peut-être la relation peut-être sur 3 ans que vous allez faire avant de vous marier? Est-ce que tu vas supporter 3 ans sans avoir de rapport sexuel? Est-ce que... Donc, vous devez parler de ça, en fait. Vous dites... Je ne peux pas dire que je suis pour, je suis contre. Je dirais seulement que c'est une décision, c'est un choix personnel. C'est chacun qui décide s'il décide d'être vierge jusqu'au mariage ou pas, tu vois. Mais tout ce que je dirais, c'est juste que... Je dirais qu'une femme qui n'est pas vierge, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise femme. Tout ce que je dirais. Parce que les hommes ont tendance toujours à vouloir chercher les filles vierges en se disant que non, les filles qui ne sont pas vierges, elles ne sont pas forcément les bonnes femmes. Elles ont connu beaucoup d'hommes. Ça ne veut rien dire. Parce que la fille vierge, là, que tu peux la prendre, tu la mets à la maison. Mais ce qu'elle va te montrer, toi, tu seras dépassé. Seigneur, bêta, tu prenais même la fille qui n'était pas vierge, là. Après, les filles qui ne sont pas vierges, là, c'est vous-même qui les déviégez. C'est vous-même qui entrez là-bas. Vous pensez que vous allez entrer, vous allez laisser, vous allez partir. Après, demain, quand il faut épouser, vous cherchez ce qui est fermé. Attends, c'est vous qui ouvrez là-bas. Vous ouvrez, vous épousez. Tu ouvres pour laisser à qui? Vous aussi, les hommes, vous êtes égoïstes sur ce côté-là. Vous ouvrez, vous laissez. Maintenant, quand vous voulez vous marier, vous cherchez la ville, c'est où c'est fermé. Ce que vous avez ouvert là, qui va prendre ça? En tout cas, que ce soit ouvert ou fermé, ça ne définit pas la qualité d'une femme. Ça ne définit pas si c'est une bonne femme ou pas pour le mariage. Ça ne définit absolument pas. Comment vivre une relation à distance? Bon, ma chérie, ça c'est un autre thème parce que ce sera très long à expliquer comme ça. C'est un thème, il faut vraiment débattre par rapport à ça. Ce sera peut-être le thème du prochain live, certainement peut-être du live de vendredi ou celui de dimanche. Parce que c'est un temps, il y a beaucoup d'éléments à souligner. Ce serait long à répondre comme ça en quelques minutes. Attends, j'ai répondu à ta question. Mombasi, merci, je te bannis pour ton commentaire assez déplacé. Jusqu'à ce que tu as fait, tu as mis la main sur la tête. Je suis d'accord avec toi, évidemment. Non, j'ai pas coup de main, t'inquiète pas, ma chérie, j'ai pas coup de main. Sinon, je serais déjà en train de m'apporter pour Tommy. Merci pour le conseil, je t'en prie. N'hésitez pas à poser vos questions, en tout cas, si vous en avez. Si tu demandes à une fille début de relation, si elle est encore vierge, elle va te quitter. Tes intentions, c'est pas le sexe, ne fais pas ça. Enfin, quand je dis de demander, ce n'est pas que tu vas lui dire est-ce que tu es vierge ou pas. Non, elle va te quitter pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'elle va te quitter?
Une femme qui te quitte pour ça, enfin, je veux dire qu'elle n'est pas mature. Je veux dire un homme dans vos discussions. Parce que toi, tu peux aussi demander. Parce que je veux dire, c'est pas, tu peux ne pas lui demander directement. Je veux dire, enfin, nous sommes entre personnes matures. Tu n'es pas obligé de dire ouvertement est-ce que tu es vierge, tu dis. Ou bien tu peux lui demander, tu peux formuler la question autrement. En fait, il y a plusieurs façons de demander une chose, d'avoir une réponse. En fait, quand tu veux poser une question, tu peux lui demander qu'est-ce que toi tu penses du sexe avant le mariage, par exemple. Elle va te répondre. Elle pose la question comme ça. Ne demande peut-être pas si elle est vierge ou pas. Demande-lui, par exemple, qu'est-ce que tu penses du sexe après le mariage. Et tu vois ce qu'elle te dit pour avoir une réponse. Il faut forcément que tu saches ce qu'elle pense de ça. Le sexe ne doit pas être un sujet tabou. Pardon. Si une femme te quitte parce que tu as mis le sujet du sexe sur la table, c'est une femme vraiment, moi je dirais que c'est parce qu'elle veut. Enfin, je veux dire, c'est pas un sujet tabou. Vous savez que c'est une femme qui n'est pas encore mature. Un homme ne va pas me demander qu'est-ce que je pense, par exemple, du sexe avant le mariage. Je vais le quitter. Peut-être, quel début de relation, peut-être, nous sommes à 2-3 semaines. Il me demande qu'est-ce que je pense du sujet. Vous, quand il y a une discussion, moi je peux lui demander peut-être que qu'est-ce qu'il pense du régime monogamique, du régime polygamique. C'est de cette même façon que je peux lui demander aussi ouvertement qu'est-ce qu'il pense du sexe avant le mariage et à lui de me répondre. Je veux dire, si c'est qu'il me quitte parce que j'ai posé cette question, enfin, je veux dire vraiment que c'est bon de débarrasser avec. C'est une personne qui n'est pas mature. C'est pas une personne ouverte d'esprit. C'est une personne qui voit le mal partout. Qui pense que le fait de demander ça, forcément, c'est une personne même qui juge. Parce que justement, comme tu dis là, une femme à qui tu demandes ça et qu'elle te quitte comme ça là, ça veut dire que c'est une personne qui, je dirais, qui n'est pas ouverte d'esprit. C'est une personne qui va dire sur les jugements. C'est une personne qui a tendance à juger les gens. Moi, je suis une fille, je ne juge personne. Je ne juge pas les gens. De voir pourquoi il va me demander ça, il va le juger que non, 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 je juge pourquoi. C'est une question comme tant d'autres. C'est une question comme. C'est comme s'il m'avait demandé aussi que qu'est-ce que je pense, par exemple, du concubinage. Qu'est-ce que je pense, par exemple, du mariage, de la séparation des biens, par exemple. Je veux dire, demander ça, ça ne veut absolument rien dire. Je ne vais pas le caricaturer par rapport à cette question-là. Bonsoir, est-ce que le sexe est important dans une relation amoureuse? Évidemment, il ne faut pas qu'on se mente. Le sexe est très important. Quand deux personnes se marient, là, c'est pour ça aussi. Les enfants, là, vous pensez qu'ils boivent ça, on boit le verre comme ça pour tomber enceinte. Évidemment, le sexe est très important. Je dis que ça fait, ça, je veux pas dire que c'est le pilier principal, mais ça fait partie des piliers. Il y a plusieurs piliers d'une relation. Le sexe fait partie. Il ne faut pas qu'on se mente. Dieu a dit, allez, multipliez-vous, là, vous pensez qu'on dort et puis on se multiplie comme ça. Si une fille te regarde toujours, est-ce que ça montre qu'elle ne t'aime pas forcément? Ne tire pas la conclusion. Ça peut être le cas, comme ça ne peut pas être le cas. Ça dépend de comment est-ce qu'elle te regarde et pourquoi elle te regarde. Ça peut être qu'elle est attirée par une chose sur toi. Une fille, enfin, tu peux regarder un homme avec un regard attirant, peut-être parce que tu apprécies son physique, il est beau, mais ça ne veut pas dire que tu l'aimes. Tu es juste attirée peut-être par lui, mais bon, ça ne veut rien dire en fait. Une femme qui veut d'une relation avec un homme est bloquée par la religion, malgré que l'homme lui parle, comment se tenir face à ça? Bloquée par la religion, Koulibaly, bloquée par la religion, comment en fait? Explique-moi, genre, donne un peu plus de détails. Par la religion, ça veut dire quoi? Toi, vous n'êtes pas de la même religion, ou bien elle ne veut pas, je veux dire, explique un peu, c'est un peu vague ta question, ainsi dit. Les filles sont sincères sur cette question. Délicates vont te... Les filles sincères, cette question délicate vont te répondre si elles sont vierges ou non. Voilà, tout à fait, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Christian l'a racheté, tu as rejoint mon propos, c'est justement ça. Une fille qui est sincère, elle va te répondre normalement. Je veux dire, elle va pas se fâcher ou bien elle va partir pour ça. Je veux dire, c'est une question comme tant d'autres. Pour moi, le sexe n'est pas un sujet tabou, c'est un truc qu'on peut débattre facilement. En Europe de l'Est, ici où je suis, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Tu ne dois même pas faire allusion. Allusion à quoi? J'ai pas bien compris, Boris. Marc, bon, Miss, pardon. Que faut-il réellement au début d'une relation? Madi Dabou, apparemment, tu viens d'arriver dans le live. Quand je vais arrêter le live, tu vas réécouter. J'ai tout expliqué ça au début du live. Tu vas réécouter ça, s'il te plaît. Je ne pourrais pas me répéter, ce serait très long. Tu peux demander à une fille si elle est vierge à quelques jours de relation. Elle peut facilement te mentir parce qu'il n'y a pas assez de considération et en te mentant qu'elle est vierge ou pas, il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas de peur de se faire attraper par le mensonge. Ça veut dire que j'ai un autre thème que c'est pas une fille sincère. Barnabé Ba, ça veut dire que c'est pas une fille qui est sincère. Une fille qui est sincère, elle ne. Avec qui elle dit sincère, avec une fille qui veut une relation sérieuse. Une fille qui veut une relation sérieuse, au début, tu vas pas mentir parce que ça va te rattraper. Si tu mens, ça veut dire que ça va te rattraper, ça va, et la relation va se terminer. Ça veut dire que tu ne la voulais pas sérieusement. Une fille qui veut une relation sérieuse, elle va pas mentir. Et puis, enfin, tu te demandes à une fille après trois. Je vais dire, je vous ai dit que parfois pour obtenir les réponses, faut pas seulement
Il faut savoir comment poser les questions. Toi, un homme, tu peux poser une question à une fille. Un autre, on va me poser la même question, c'est-à-dire le fond est le même, mais il obtient la réponse. Toi, tu n'obtiens pas la réponse. Tout dépend de comment est-ce que tu poses la question, ce que tu dis. Ce n'est pas que tu vas demander à une fille, tu es vierge. Non, enfin, ça ne se fait pas aussi. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas charismatique comme question. Ce n'est pas demander à une fille, tu es vierge. Pas lui, pour reformuler la question dans un autre sens. Qu'est-ce que tu parles du mariage? Qu'est-ce que tu penses du mariage? Autant pour moi. Qu'est-ce que tu penses du sexe avant le mariage? Parce qu'une fille qui, par exemple, qui est vierge à un certain âge, c'est parce qu'elle se préserve pour le mariage. Ça, c'est sûr. À plus de 25 ans, une fille qui est vierge, ça veut dire qu'elle se préserve pour le mariage. Et si elle te dit que tu lui demandes qu'est-ce que tu penses du sexe avant le mariage, tu dis que non, elle, le sexe, ça se fait seulement dans le mariage. Tu comprends qu'elle est vierge. Enfin, il y a plusieurs façons de poser la question. Ne lui pose pas forcément la question brutalement comme ça. Non, elle peut se sentir offusquée. Si ma fiancée ne veut pas le sexe avant le mariage, alors que faut-il faire? C'est pour ça que je vous ai dit qu'en début de relation, ce sont les fondements que vous devez poser. Donc, quand vous êtes dans un début de relation, mettez dans votre tête que je suis en train de vouloir faire de vouloir construire ma maison. La maison, ça veut dire la relation durable. Donc, la fondation. Tu sais que si tu veux que ta maison, ta fondation doit être solide, ça veut dire que tu dois pouvoir poser les bases. Si pour toi, tu n'es pas pour l'abstinence avant le mariage et qu'une fille veut ça, et que tu sais que tu ne vas pas respecter ça, ne te mets pas avec elle. Ne te mets pas avec elle. Cherche une fille qui a les mêmes principes que toi. Peut-être pour qui le sexe avant le mariage, c'est normal. Je veux dire, une fille qui te dit que pour moi, je reste vieille jusqu'au mariage. Toi, tu sais un homme que tu ne vas pas supporter. Ne te mets pas avec elle. Ne te mets pas avec elle. Parce que si tu te mets avec elle, tout le temps, tu vas demander, elle va dire non. Tu vas demander, elle va dire non. Après, tu vas commencer à dire que non, ma femme me refuse le sexe, ma copine, elle ne veut pas qu'on ait des rapports. Elle ne veut pas que vous ayez des rapports parce que dès le départ, elle t'a dit ce qu'elle voulait, ses principes en fait. Si tu es, comme la relation, c'est ça en fait. C'est comme un homme qui est. Musulman et qui rencontre une fille qui est chrétienne. Il dit déjà à la fille qui est chrétienne que sache que moi je vais jamais quitter l'islam. Je serai toujours dans l'islam. C'est-à-dire je vais rester toujours musulman. Est-ce que ça te dérangerait ou pas de continuer la relation? Si c'est qu'elle te dit que non, ça me dérange parce que ça veut dire qu'elle sait que demain elle sera obligée de pouvoir s'islamiser. Ça veut dire que si elle respecte, si elle peut s'islamiser, ça va. Mais si dès le départ elle te dit que non, moi je vais rester chrétienne, je vais jamais changer de religion, vous ne vous mettez pas ensemble. Vous savez que vous n'allez jamais vous marier, ça va jamais aboutir. Donc c'est pareil en fait, une fille qui te dit que elle ne veut pas le sexe avant le mariage, tu sais que tu ne vas pas supporter ça, ne commence pas la relation avec elle. Il y a les hommes aussi qui vont te dire par exemple que pour eux, le sexe c'est uniquement dans le mariage, la fille va se mettre avec cet homme-là. Toi tu vas te mettre avec une fille qui n'est plus vierge tout simplement. Une relation où tu n'es pas là, il n'y a que des problèmes, dès que tu es présent, ça redevient normal. Quoi, copine? Y a-t-il un avenir dans cette relation, même pays, ville différente pour le travail? Une relation où tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là, il n'y a que des problèmes. Quand tu es là, il faut discuter. Mon frère, il s'appelle comment? Oser, il faut discuter avec elle. Pourquoi est-ce que quand tu n'es pas là, il y a des problèmes? Quand vous voyez, c'est que ça ne va pas forcément, c'est pas forcément le top, top, top. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que forcément ça va, c'est pas une bonne relation, bien forcément c'est la séparation directe. Non, il faut discuter. Il faut essayer de voir pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous êtes à distance, vous avez les problèmes. Et essayer de remédier à vos problèmes. Je vous ai dit que quand vous êtes dans une relation, vous êtes dans la même ville, sachez que vous pouvez vous investir à 60% et la relation marche. J'ai soif. J'étais disant que. Sachez que quand vous êtes dans une relation de même ville et quand vous investissez à 60%, la relation peut marcher, elle marche. Mais quand vous êtes dans une relation à distance, pour qu'elle marche, il faut que vous investissez à 90%, minimum 90% pour que la relation à distance marche. Parce que s'il y a une personne qui ne s'investit pas, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que investir, ça veut dire que vous devez communiquer tout le temps, dialoguer. Quand il y a un problème qui ne va pas, vous dialoguer. Et dans la douceur, dans la simplicité, sans se prendre la tête, sans la colère. Parce que vous savez que quand on est à distance, on ne fait pas les problèmes. Et je vais faire un thème, je vais débattre le thème la prochaine fois. Relation à distance, comment là, gérer ça? Quand on est dans une relation à distance, là, on ne se prend pas la tête pour tout et pour rien. Parce que la personne n'est pas là. Parce que quand on est dans la même ville, si je suis dans la même ville, mon chéri, on peut se fâcher. Et c'est que bon, si peut-être il est fâché, je peux me lever là, je vais chez lui. En quelques minutes, je suis chez lui, par exemple. Là, ça, on peut résoudre le problème parce que nous sommes dans la même ville. Mais quand c'est que je suis à distance, si c'est que peut-être je me fâche, je boude, il est à distance, il ne pourra rien faire. C'est moi qui vais souffrir. Donc il y a des trucs qu'en relation à distance, on ne fait pas. N'essaye même pas parce que ça va donner. Ce n'est pas l'idéal. Dans la relation à distance, c'est une chose qu'il ne faut même pas faire. Il ne faut même pas commencer. Donc là, c'est un comportement qu'il faut adopter quand on a une relation à distance. Il faut essayer de discuter beaucoup, de communiquer. Tout le temps, vous devez discuter. Dès qu'il y a un problème, ne dormez pas étant fâché. Parce que quand vous êtes dans la même ville, vous pouvez dormir étant fâché. Parce que c'est que bon, demain, vous allez vous voir. Mais quand vous êtes à distance, vous voyez peut-être une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois.
Vous voulez dormir tant fâché. Vous blaguez. C'est que la distance va prendre le dessus sur vous. Vous allez vous séparer sans le vouloir. Comment savoir que ta chérie te trompe? Ça, c'est un autre thème, mon frère. C'est un autre, ce sera un peu long à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas un truc qu'on va prendre à la légère. C'est pas parce que tu l'as appelée, par exemple, qu'elle n'a pas décroché forcément dit que tout. Mais il y a beaucoup d'éléments à considérer. Je vais débattre dessus sur un autre live, mon frère. On attend vos réponses, ma chérie. La réponse sur quoi, c'est dit Mianga. C'était quoi ta question? J'essaie de lire le maximum de questions. Pour mon cas, j'avais fait part de cette fille que je suis encore chaste. Elle m'a aussi avoué sa virginité, car je suis de ceux qui ont du même avis que les rapports sexuels doivent se faire dans le mariage. Non, avant. Je rappelle que j'ai 33 ans, merci. Et je vais dire, ok, tu lui as dit que tu étais chaste. Elle aussi, elle est vierge. Et le problème est en fait à quel niveau alors? Je veux dire, vous êtes deux personnes chasteuses. Vous pouvez facilement avancer ensemble. Pourquoi est-ce que le sexe ne devrait pas être un problème en fait, vu que vous êtes sur la même longueur d'onde? Je vais dire, c'est quoi le problème en fait alors? Qu'est-ce qui ne va pas? Étant donné que vous êtes sur la même longueur, donc, étant donné que vous êtes toutes deux des personnes chastes. Ou bien c'est elle qui veut maintenant avoir les rapports, ou bien j'ai pas très bien compris. Quand tu sais qu'une femme est amoureuse de toi et qu'elle hésite d'accepter la relation, du fait que vous n'êtes pas de la même région, l'un est musulman, l'autre, comment s'y prendre? Alors que l'homme l'aime bien. Mais sauf que le problème, c'est que le problème, c'est que tu dois comprendre avec l'histoire de religion, là, Koulibaly, c'est que c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Parce que c'est carrément je vais dire, c'est carrément une croyance, en fait, qui va être bafouée. Ça veut dire que c'est carrément son éducation qui va être bafouée. Je veux dire, une façon de dire. Parce que, par exemple, toi, tu es musulman, elle est chrétienne, toi-même, tu l'as dit. Ça veut dire que elle t'aime, mais elle ne veut pas vite assez, elle peut pas accepter la relation parce que c'est que si elle accepte, demain, et qu'elle ne veut surtout pas changer de croyance. Parce que si elle sait qu'elle est capable de choisir de changer de croyance, c'est-à-dire de pouvoir s'islamiser, il n'y a pas de problème. Mais si elle hésite, c'est parce qu'au fond d'elle, elle ne se voit pas s'islamiser. C'est normal. Par exemple, tu peux travailler un gars, tu l'aimes bien, tu l'apprécies bien, c'est un homme bien. Mais sauf que la religion ne permet pas que vous vous unissiez. Je vous ai dit que pour qu'un mariage fonctionne, une relation fonctionne, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Il y a plein de gens ici là qui ne sont pas ensemble. Pourtant, ils s'aiment. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui les empêchent d'être ensemble. Si les paramètres là ne sont pas réunis, ils ne peuvent pas être ensemble. Il y a des personnes qui s'aiment. Mais sauf que peut-être le test, par exemple, du groupe sanguin, le groupe sanguin les empêche d'être ensemble. Le groupe sanguin les empêche d'être ensemble. Ou même l'électrophorèse, ils ont fait l'électrophorèse. L'électrophorèse les empêche d'être ensemble. C'est-à-dire, ils ont AS, du groupe AS. La femme aussi AS. Ils savent qu'ils vont donner un S, c'est-à-dire un drépanocytaire. Quand c'est comme ça, ils ne peuvent pas être. Beaucoup de couples se séparent à cause de ça. Je veux dire, la fille peut ne pas vouloir se mettre avec toi à cause de la religion parce qu'elle sait que si elle se met avec toi, demain vous allez vous séparer. Comme elle peut t'aimer, mais elle ne peut pas se mettre avec toi parce que la religion va vous séparer. Et c'est normal. Il y a plein de choses qui séparent les couples. Les couples ne se séparent pas seulement parce qu'il n'y a pas l'amour. Donc, il y a beaucoup d'autres facteurs, même de la nature. Parce que, par exemple, les groupes sanguins, c'est la nature qui fait en sorte qu'il y a cela. Donc, ils se séparent. Maintenant, comme la religion, c'est aussi la cause de la nature. Donc, vous pouvez vous séparer pour ça. Le fait qu'elle t'aime et qu'elle hésite, ça veut dire qu'elle n'est pas prête à s'islamiser. Dans ce cas, tu respectes son choix et vous ne pouvez aller nulle part. Vous ne commencez même pas la relation. Ça sert à rien de commencer. Si une fille te regarde toujours, ça veut dire qu'elle t'aime. Je t'ai dit que non, pas forcément. Elle peut te regarder, mais ça veut rien dire. Le fait qu'une fille te regarde, enfin, tu vois, tu ne peux rien tirer comme conclusion, mon frère. C'est que je viens de te dire. Qu'une fille te regarde, ça veut pas dire qu'elle t'aime forcément ou qu'elle est très amoureuse de toi. Non, ça dépend. Elle peut te voir, peut-être la Bible, peut-être elle admire, peut-être la façon dont tu es vêtue, elle admire ta façon de t'exprimer et tout. Enfin, le fait qu'elle te regarde, ça veut rien dire, frère. L'amour, là, ça se prouve pas des actes. Je vous ai dit ça, le plus important, c'est les actes, ce sont même pas les paroles. Les actes, est-ce qu'elle pose? Parfois, une femme peut t'aimer, mais ce sont ces actes que tu dois regarder. C'est pas ton regard. Moi, je peux regarder un homme. Peut-être j'admire sa façon de parler, j'admire un peu sa façon de s'habiller et tout, mais ça veut pas dire que je l'aime. Pas du tout. Pas du tout. Le fait qu'elle te regarde, ça veut rien dire, mon frère. Ne pense pas qu'elle t'aime. Non, il n'y a pas vraiment de problème, sauf qu'elle ne veut pas s'engager pour le projet du mariage. Elle ne veut pas s'engager pourquoi? Enfin, je veux dire, quelles sont ses motivations? Elle ne veut pas s'engager pourquoi? Quelles sont ses motivations? Elle te donne quelles raisons pour ne pas s'engager? Est-ce qu'elle ne t'aime pas assez? C'est ça le problème? Ou pour quelles raisons sa famille ne te veut pas? Ou c'est quoi le problème en fait? Elle ne veut pas s'engager pourquoi? Longue vie, à belle émission, merci.
Question toujours de virginité. Question de virginité a toujours été difficile pour la fille, mentir alors qu'elle trompe avec d'autres. M'a dit d'abord, je n'ai pas compris ta question, tu peux la réécrire, j'ai pas compris. Question toujours de virginité a toujours été difficile. Soit la fille a menti, soit alors elle te trompe avec d'autres. J'ai pas trop bien compris ce que tu voulais parler. J'ai dit, quels sont les jours de tes lives? Car j'aime bien tes lives. Je fais les lives, bon, j'ai pas encore de jour fixé, parce que ça dépend aussi de mon programme hebdomadaire, c'est-à-dire mon programme de chaque semaine. Mais très souvent le lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Bon, un de ces jours, pas forcément les quatre dans la semaine, mais un de ces jours. Et ça dépend aussi de ma disponibilité. Merci, j'ai compris, je t'en prie. Je vais ton WhatsApp si possible. Où est-ce que mon WhatsApp, papa? C'est la femme de ma vie. Pierre, tu as regardé la vidéo que j'ai faite aujourd'hui entre la différence entre l'amour de ma vie et la femme de ma vie, non? Peut-être c'est pour ça que tu écris ça. Tu as fait le bon choix. Dans la vie, si ne cherchez pas à rencontrer l'amour de votre vie, mais cherchez à rencontrer la femme de votre vie, je vous exhorte à aller regarder la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma page. C'est une vidéo tellement éducative. C'est une vidéo vraiment. Le message que je transmets dans cette vidéo est tellement important, tellement personnel, tellement prioritaire. Donc, essayez d'aller regarder la vidéo là. Essayez d'aller regarder la vidéo là. C'est une vidéo vraiment, vous n'allez pas regretter. Oui, il y a sa famille qui ne veut pas. Bon, c'est normal qu'elle ne veut pas s'engager parce que sa famille ne veut pas. Et parfois, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'imposer face à leur famille. Elle ne peut pas facilement t'imposer face à ta famille. Donc, elle ne peut pas non plus décider de t'épouser malgré sa famille. Donc, c'est un peu délicat. Ce n'est pas un truc à traiter à la légère comme ça pour ton cas. Donc, c'est un truc assez délicat. On ne peut pas tirer de conclusion. Parce que quand la famille est déjà impliquée, là, c'est différent. Comment faire pour approcher plus la femme de soi d'une manière efficace? Koulibaly, s'il te plaît, va regarder ma vidéo sur comment séduire une femme. Dans ça, j'explique comment faire en sorte que la femme se rapproche plus de toi. Koulibaly, regarde, va sur mon profil. Tu vas dans les récentes vidéos là. Tu vas voir comment séduire une femme. Tu écoutes la vidéo là. C'est une vidéo qui va beaucoup t'aider. Et ça va répondre à ta question. Bon, les amis, je vous aime bien, mais il faut que je prenne congé de vous aussi. Je pense que nous sommes déjà à 2 heures de live. Je pense peut-être même plus de 2 heures de live. Je vais prendre congé de vous. Merci pour toutes vos questions. Merci pour toutes vos interactions. Merci à tous ceux qui ont partagé le live. Je vois là qu'il y a eu plus de 100 partages, je pense. 100 partages. Merci à toutes les personnes là qui ont partagé le live. Et on se dira à demain s'il n'y a plus de questions. Il faudrait que j'aille aussi me reposer par la même occasion. Comment séduire? C'est urgent. Sidi Manga, comme j'ai dit là, va sur mon profil, tu vas dans mes vidéos, tu vas dans ma page, tu regardes dans mes vidéos, tu vas voir comment séduire une femme. Tu vas voir beaucoup de vidéos. Tu vas voir la vidéo par rapport à ça. Parce que s'il faut répéter ça ici, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Je vais dormir ici. Donc, allez, va sur mon profil, tu regardes la vidéo, comment séduire une femme. Allez sur mon profil, vous regardez la différence entre la femme de sa vie et l'amour de sa vie. C'est très important. Ce sont des vidéos vraiment très, très importantes pour tout être humain, homme comme femme. La différence entre l'homme de ma vie et l'amour de ma vie. Allez regarder ça. Donc, je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée. Merci à vous, les amis. Portez-vous très bien. Merci d'avoir été nombreux à me suivre. Et puis, on se donne rendez-vous certainement vendredi. Pour un autre live et un autre thème. Bonne nuit, passez une très belle nuit, faites de beaux rêves. Bisous les amis. À demain, guys. Demain, comme j'ai dit, chaque mes publications sont 8h30, 13h, 17h, chaque jour. Un peu d'explication. Tu as toutes les explications, si dit dans la vidéo, comment c'est d'une femme. Tu as l'explication détaillée dedans. Va, tu regardes la vidéo là, elle est super détaillée. Donc, tu ne vas pas me demander plus d'explications. La vidéo est tellement détaillée. Donc, tu n'auras même pas besoin de plus que ça. Va regarder la vidéo sur ma page. Comment c'est d'une femme. Tu auras toutes les informations dont tu as besoin. Là-bas, elle est détaillée. C'est une vidéo peut-être de 7 minutes. Donc, toutes les réponses là. Va regarder ça sur ma page. J'étais disant donc, merci pour les conseils, ma future conseillère. On dit souvent à la prochaine si je le veux. Merci à toi aussi, Vanine. N'oubliez pas de vous procurer les e-books, l'e-book Glow Up by Else Belouz qui est disponible sur mon site www.elsebelouz.blog. Vous avez le lien sur ma page, même le lien aussi dans le live-ci.
l'ebook, c'est l'ebook qui vous faut le glow up, toutes les femmes, même les hommes. Vous avez aussi l'ebook Raviver la flamme. Voilà Saint-Valentin qui arrive là. Vous ne savez pas comment faire pour raviver la flamme, pour aimer davantage, comment faire pour séduire. Vous qui me demandez comment faire pour séduire, vous avez le livre Raviver la flamme qui est disponible. Donc allez le choper. Glow Up qui est aussi disponible sur mes livres que j'ai écrits, donc ils sont disponibles sur mon site. Vous avez toutes mes informations. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page. Et si vous allez sur mon site www.elsvelous.blog, vous avez ma description. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis, qui me voient pour la première fois, vous voulez savoir plus sur moi, vous avez toutes mes informations sur mon site officiel. Et quelle information dedans? Mes publications hebdomadaires sur ma page, c'est 8h30, 13h et 17h, comme toujours. Et après, les soirs, c'est les lives. Ce que je n'ai pas, c'est faire l'amour pour une femme dès le premier jour. Je n'ai pas compris. Ce que tu n'as pas, ce que tu n'aimes pas, faire l'amour avec une femme dès le premier jour. Bon. Sur ce, passez une très belle nuit. Je vous aime bien. À demain. Bisous les amis. Bisous guys. On se prend demain 8h30.